Eh oui, l'équipe. Donc, normalement, vous avez déjà entendu Marie qui a commencé à gueuler un peu. Et c'est normal. C'est normal. Vous ne l'entendrez pas. Et non, c'est ça, vous ne l'entendez pas, moi je l'entends, c'est normal. Je me suis trompé, est-ce que je me suis trompé? Oui, je me suis trompé, c'est pas ça en fait, c'était celui-là qu'il fallait mute. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien, j'espère que vous allez mieux que moi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite pas de mal, vous le savez, je vous souhaite que du bien, du bon et du beau. On va juste monter un peu... Ah, c'est mieux là. Un petit peu ça. Ça fait un mois qu'on s'est pas vu parce que, selon mon petit carnet... La dernière date, c'était le 19. Vous imaginez à quel point ça passe vite. J'ai l'impression que c'était il y a 15 jours, 3 semaines qu'on a fait cette radio. Et c'est faux, parce qu'il y a 15 jours, 3 semaines, je n'étais pas disponible et je n'étais même pas là. Il y avait des sujets qu'on n'a pas abordés la fois précédente. On a parlé du projet Akatsuki no Anime. Donc ça, c'était normal. Et ensuite, on avait enchaîné sur le foutage de gueule du gouvernement et l'essence à perte. Et du moins sur les pertes, des ventes à perte. Et je vous avais un peu expliqué comment ça se passait dans le commerce de manière générale. Il y avait deux autres sujets que je n'ai pas employés. Donc, avec la femme dont je suis amoureux, nous avions parlé. Donc, c'était pas unilatéral, mais malheureusement, ça ne continuera pas. Donc, entre elle et moi, évidemment, hein, les radios vont continuer, évidemment, il y a certaines choses qui sont immuables dans cette vie. Et il faut les entretenir, à défaut d'entretenir autre chose. On avait les Blasco Line, les Blascos Line, et ça, on y reviendra, je pense qu'on y reviendra chez moi, et vous verrez, c'est assez original. Il y avait aussi le Xbox Game Pass, êtes-vous abonné avec le PC Game Pass ou le Game Pass Ultimate, mais ça, pareil, je pense qu'on y reviendra chez moi, parce que ce soir, ah, ça a klaxonné pile poil au moment, ce soir, vous le voyez, mais en fait, vous le voyez pas en plein écran, pourquoi vous ne le voyez pas en plein écran, normalement, c'est en plein écran, c'est mieux comme ça, enfin, en plein écran, ici, en fait. C'est Cyberpunk 2077 parce que, vous le savez, j'ai un affect tout particulier pour Cyberpunk de manière générale, pour le genre Cyberpunk, qui est mon genre préféré, tout genre confondu. J'ai grandi avec ça, je suis né dans les années 80, donc vous savez bien que dans les années 80, c'était la dystopie, c'était le no future des punks, en fait, ce que les punks avaient dans le no future, c'était cette partie d'espoir un petit peu désuet et perdu par rapport aux méga corporations, tout ça et tout, et à l'ensemble de ce que nous vivons, en fait, aujourd'hui, qui s'avère être vrai, avec des méga corpos façon Amazon, Apple, Microsoft, enfin, vous connaissez, hein, tout ce qui est GAFAM, mais où il y a aussi une prégnance sur du matériel, donc Facebook c'est un petit peu différent quand même, puisque c'est plutôt plus du dématérialisé que de l'appareil physique, ou que du moins même du service physique. Et là c'est vrai qu'en fait, dans le cyberpunk de manière générale, c'est entre autres ce qui est traité, c'est aussi la marchandisation du corps et de l'humain, et le côté cybernétique appliqué à celui-ci, pour pouvoir avoir des moyens de contrôle qui s'avèrent être nécessaires pour les états, les gouvernements, etc., etc., afin de canaliser les foules et les masses, parce que les villes sont de plus en plus grandes, parce que la population dans les villes est de plus en plus importante, et le brassage ethnique et communautaire est de plus en plus important, et donc ça amène à avoir des tensions différentes, naturellement, parce que Nekotsuki no Marco, le pseudo de ouf, Patato, merci aussi, mais toi tu es dans notre vocal, donc on t'entendra juste après, parce qu'en fait, les confrontations, et c'est en ça qui est génial avec le cyberpunk, c'est que les confrontations ethniques amènent aussi à des confrontations culturelles qui sont naturelles, parce qu'en fait, en fonction des ethnies qui s'opposent, eh bien, il y a des dissensions culturelles qui sont extrêmement importantes, qui peuvent ne pas être comprises par un bon nombre de personnes s'opposant, et c'est naturel, parce qu'en fait, c'est des territoires qui sont bien particuliers, et spécifiquement différents. J'espère que cette intro n'a pas été trop longue, en tout cas pour moi, ça n'a pas été trop long. On a, ça fait 5 minutes qu'on a commencé, déjà, ça passe tellement vite, c'est un truc de fou. Vous savez que je m'amuse comme un petit fou à parler dans le vent, mais ce soir... Normalement, ils vont vous dire bonjour tout de suite, en tout cas je l'espère. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que Marie est là? Marie, elle est pas là. Est-ce que c'est moi qui suis plus dans... Marie, elle est là. Oui, elle est là, mais elle a le micro qui s'est mute. Mais ce n'est pas grave du coup, parce qu'en fait, je suis obligé de repasser de l'autre côté. Est-ce que Monsieur Joe est présent? Oui, bonsoir. Ah, voilà, on a Monsieur Joe qui est présent. Comment ça va, mon poulet? Ça va, écoute. Tranquille. Petite journée. Pas une grosse journée, ouais. pas une journée de foufou, de fifou, de. Donc, une petite journée. Donc, la question du ça va, c'est juste une question rhétorique. Donc, on va dire ça va. Monsieur Patato, qui est avec nous?
Comment ça va? Oui, il est trop ça content. Va. Vous savez pas pourquoi il est content, Monsieur Patato. Monsieur Patato, il est content parce qu'en fait, depuis que j'ai dit, et ça fait un moment que je l'ai dit, parce que je crois que je l'avais dit au mois de mai ou au mois de juin, on refera une radio cyberpunk. J'ai eu des messages. Et d'ailleurs, en plus, c'est assez ouf parce que chez moi, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages sur le fait de savoir quand est-ce que la prochaine radio cyberpunk allait arriver. Je ne devais pas streamer cette semaine. J'ai besoin de temps. Personnellement, j'ai besoin de temps pour pas mal de choses. Mais le truc qu'il y a, c'est que ça me permet d'oublier. Il y a plusieurs choses qui me permettent d'oublier. Il y a ça, vous le voyez ici, mais vous voyez pas la couleur de ce qu'il y a à l'intérieur, tant mieux pour vous. Et il y a beaucoup de choses qui me permettent d'oublier. Le fait d'échanger avec la commu, de manière générale, donc avec le chat, c'est cool. Mais aussi d'échanger de manière naturelle avec du vocal, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Donc, on fait ici, et j'ai demandé, et il a accepté avec beaucoup de plaisir, de venir, j'ai demandé à Patato de venir parler avec nous de Cyberpunk, parce qu'en fait, si vous le savez pas, sur mon Discord, il y a un channel Cyberpunk, Discord qui est en train d'être totalement reconditionné de fond en comble par Marinette, donc elle s'occupe de tout. Et il est passionné du jeu Cyberpunk 2077, mais aussi il s'est fait une petite culture cinématographique qui va avec, et donc ça tombe super bien parce qu'en fait on va pouvoir, je pense, échanger là-dessus sur ces points-là, et donc c'est un plaisir, en tout cas à titre perso, que qu'on va pouvoir échanger avec Monsieur Patato. Ça sera un plaisir qui sera partagé du coup, Monsieur Texas. Mais j'espère bien, écoute, j'espère bien. On va attendre que Marinette revienne aussi, histoire que ben elle ait son petit mot à dire vite fait, tout ça. Tout à l'heure, tu me disais donc. Je suis là, Et parce qu'on attendait ton bonjour. J'ai littéralement rien à dire en fait. On attendait ton bonjour. Bonsoir, mais j'ai rien à dire vraiment. Pour l'instant, ne t'inquiète pas, ça non, va même arriver. Pas, même si j'ai un truc à dire, j'interviens pas. Mais si, ça va venir, non, ça va non, être non, trop non, bien, ça va être trop bien. C'est tout, je parle pas. Moi. Monsieur Patato. Oui. Tu vas commencer du coup. Tu veux commencer par quoi? Je vais commencer par. Parce que j'allais dire tout à l'heure, avant que je me souvienne qu'on allait passer en radio. Je vais parler de Smasher, de Adam Smasher, et du non-respect auquel droit il a eu. Ah, tu trouves qu'il est... Attends, tu trouves qu'il n'est pas respecté? Ouais, alors, j'y viens. Le Adam Smasher s'est pondu dans le lore du jeu et le lore de l'univers de Cyberpunk comme le mec qu'il faut pas croiser dans la rue. C'est vrai. Alors, pendant la 4ème grande guerre corpo, il défonçait tout le monde. C'était le chien d'Arasaka, techniquement, ça l'est. Tout à fait. Avec Black End, etc., qui étaient les deux légendes. Black End, qu'on sait même pas s'il est en vie ou mort. Il n'a pas décidé. Ouais, il est un peu. Ouais, c'est vrai qu'on comprend. Enfin, ouais. on comprend, c'est un peu le thème sous-jacent. On comprend que c'est un peu particulier, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est un undead. C'est un peu ça. C'est un non-mort, ouais, quoi, voilà. En fait. Ouais. C'est John Wick. Ouais, c'est John Wesh. Exactement, ouais. Voilà. Mais Smasher, en plus, rien que dans l'animé, tu vois, il nous est pondu comme. Il a défoncé David sans trop transpirer. Bien sûr. Et puis il tient. Et après, dans le jeu, on a le droit à un combat de boss qui est pas si mémorable que ça, on va dire. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est un peu triste d'ailleurs. Ouais. Peu importe la difficulté du jeu, même en ultra difficile, il est pas si ouf. T'as fait le jeu dans toutes les difficultés? Ouais. D'accord. Ah ouais, moi j'ai pas fait ça, tu vois, par contre. Mais il est pas si ouf. Il donne quand même un peu de mal aux difficultés, mais franchement, ça laisse un peu sur sa fin. Surtout pour un mec. Aussi, avec un lore aussi grand et une répute aussi grande que lui, tu vois. Ouais, je comprends. Par rapport à la réputation et par rapport au fait de comment on nous l'a survendu de manière générale, ouais. C'est vrai. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Et tu vois, la première fois, tu vois apparaître dans... du coup, c'est dans la... dans sensoriel pour le CAS. C'est vrai. Meilleure introduction, je trouve. Elle est trop ouais, moi, je... alors, vraiment, tu vois... On le voit 10 secondes, mais... 10 secondes, on va se dire un truc... Je sais pas si Marie sera d'accord, les danses sensorielles, moi je déteste les danses sensorielles à l'intérieur du jeu, je trouve que c'est pas ergonomique du tout, ça cache le gameplay en fait. Ah bah... tout simplement. Au moins c'est clair, moi là vraiment le coup des danses sensorielles, en fait je comprends ce qu'ils ont voulu faire, je comprends ce qu'ils ont voulu singer par rapport au neuromancer, le neuromancien pardon, le neuromancer, non pardon, technomancer,
je m'en rappelle plus, merde. Le livre de Gibson, oh putain, bon bref, peu importe. Et le truc, c'est qu'en fait, je comprends donc le côté danse sensorielle, je comprends en fait ce côté immatériel qu'ils ont voulu matérialiser dans le jeu pour que nous on puisse avoir cette évocation là et en fait le truc c'est que ça marche pas parce que enfin pour moi ça marchait pas. Donc tu vois, c'est marrant que tu parles de ça en fait, je vais te laisser hein, après continuer sur Adam, ouais, mais le truc c'est qu'en fait je trouvais que ça marchait pas parce qu'en fait on joue à un jeu vidéo et donc c'est déjà une danse sensorielle et en fait le gameplay qu'ils ont mis à l'intérieur il est tellement particulier, tellement spécifiquement chiant, pour moi en tout cas, que du coup c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pas ultra intéressant de jouer pendant les danses sensorielles pour retrouver les preuves qu'on avait besoin de trouver, et j'ai trouvé ça un peu chiant en fait, parce que c'était du virtuel dans du virtuel, mais en fait il n'y avait pas tant de différence que ça à l'intérieur de la manière de jouer, et j'ai vraiment trouvé que ça marchait pas quoi en fait, mais bon, autre sujet. Je sais pas ce que t'en penses, du coup. J'en pense exactement la même chose, mais parce que moi, déjà, il me faisait crash, donc j'ai un peu le seum. mais attends, mais tu les as faites, du coup, ou pas? Ouais, j'ai tout fait. D'accord, j'ai okay. tout fait, le jeu, machin, etc. Ouais, mais le concept est cool, mais le faire en jeu, c'est pas si ouf. Et ouais, ça marche pas, en fait. Mais en fait, ça marche dans un livre ou ça marche dans un film? Parce que dans un livre, on te ferait comprendre, en fait, que quand tu lis... il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Quand tu le verrais dans un film, tu comprendrais instantanément. Tu sais, c'est comme quand t'as Neo qui est dans la matrice ou en dehors, tu le comprends. Ouais. Mais en fait, on devait le jouer, ça, mais en fait, on jouerait, il y aurait une différence parce qu'on jouerait un dieu quelque part et quelqu'un de normal de l'autre. Mais objectivement, en fait, la manière de jouer, en fait, on aurait la même manette dans les mains. Quoi. En fait, il n'y aurait rien qui changerait à part l'expansion qu'on pourrait en faire. Et là, dans les danses sensorielles, pas terrible, quoi. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'on c'est pour ça que le peu qu'on en ait, je sais pas apprécier, hein, même si on en a pas tant que ça. Hein, mais ouais. C'est pas une phase de gameplay très. C'est quoi, très il y en avait c'est quoi, il y en a une dizaine, non 10, 11, je crois qu'il non, y en non, avait. Non, même pas. Hein. Il y avait pas des danses sensorielles jouables. Non, il y a celle de prépa du casse. Pour retrouver Evelyn, je crois qu'il y en a 3. Et après, de tête, il y en a pas plus que ça. Hein. Ah, je pensais qu'il y en a. Il y en a une autre où c'est juste pour annoncer, c'était celle pour amorcer la quête de récupération de la veste de David ou pour annoncer l'animé. Oui. Mais elle n'était pas jouable, c'était juste un trailer. Mais il n'y avait que 4 dans ce sensoriel. Ah, j'ai pensé, tu vois, de tête, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça en fait. Après, je peux me tromper, hein. Non, mais si tu me dis, parce que je sais que, enfin, moi le jeu je l'ai fait, mais c'est vrai que j'ai fait une run et après j'ai fait certains éléments, enfin je suis revenu sur certains éléments, j'avais plusieurs points de sauvegarde volontaires en fait, pour pouvoir revenir à des moments que je voulais rejouer, que je voulais faire plusieurs fois différemment, tout ça, tu vois, genre par exemple, pendant Attends, la parade. Je vais me rectifier, il y en a 5. Ah, tu t'es pas trompé quoi. Ouais, mais. Mais après, ça se trouve, dans le DLC, il y en a plus. Le DLC que j'ai pas fini pour l'instant. Le DLC, ça sera la semaine prochaine. Ouais, non, mais le DLC, bon, j'ai pas fini, donc je sais pas s'il y en a dans le DLC. Ouais. Mais là, du coup, c'est vrai que... Tu vois, j'avais cette appétence à me dire, putain, ça va être génial. Parce qu'en fait, quand j'avais vu les extraits de gameplay à l'époque, je me suis dit, putain, ça a l'air fou. Et en fait, c'est vrai que j'y ai pensé en y jouant. Je me suis dit, en fait, c'était fou. En présentation, mais dans le jeu, ça marche pas en fait. Je trouve que ça marche pas, que ça ne marchait pas du tout. Mais bon, bref. Donc du coup, El Famoso Adam Smasher, je t'en prie. Ouais, mais l'introduction de la danse sensorielle qui est trop marrante en vérité. Et j'adore cette introduction. Mais aussi quand on fait le casse, quand on doit se cacher parce que Saburo, le papy arrive. Bien sûr. Le papy arrive, Smasher qui est terrifiant, et quand tu fais attention, je suis désolé, mais il nous regarde bel et bien. Oui, il nous a détecté, il nous regarde. Mais il nous a vu, mais évidemment qu'il nous a vu, il sait qui on est. Il suffit juste de récupérer l'optique Kiroshi, enfin le bonus d'optique Kiroshi, tu vois direct qu'il nous a vu. Et le fait qu'il nous regarde droit dans les yeux, sans rien faire, et stable et tout, c'est terrifiant. Ouais, ça met une pression, ouais. Je trouve ça terrifiant. Oui, oui. Puis il arrive quand même à reverser la main juste en fonçant dessus aussi. Hein. Ah, c'est vrai aussi, oui. Ouais, c'est vrai que ça lui donne une aura quand même assez spécifique, assez particulière. Ouais, je suis d'accord. Mais quand on apprend plus sur lui, que ce soit par Johnny ou
ou par juste en tenant un peu, en regardant un peu le lore du jeu, tu te dis le mec vraiment il envoie du pâté et tout, etc. Et en plus tu le vois dans le passé de Johnny qui est trop fort. Ouais ouais, il a une influence, il a une prégnance sur tout ça quoi, oui. Ouais. Qui fait peur à Rogue, machin, etc. En plus. Rogue qui est pas le genre de personne à avoir peur si on suit le jeu en plus. Ouais, qui est pas, alors avoir peur peut-être pas, mais peut-être pas du genre impressionnable. Intimidé. Voilà, ouais, ouais. Intimidé, impressionnable. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le genre de personnage où tu dis putain, elle est intimidée, elle a peur quoi en fait. Non, non, c'est pas vraiment. C'est pas le genre de personnage qui est, ouais. Qui est intimidé. Coup, c'est plutôt même le genre Rogue, c'est vraiment même le genre de personnage qui est complètement intimidant même. C'est elle qui est intimide, c'est... laisse tomber. Tout à fait d'accord. Elle se pose à la store life, elle te regarde et toi t'es là, t'es sa chienne. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais ouais, franchement, le combat de boss, déçu. Déçu, franchement très déçu. Qu'est-ce qui t'a déçu? Bah il est simple, il est simplet. Tu trouves le combat simplet? Ouais, je sais pas, j'ai trouvé des combats, bon après c'est différent, mais j'ai trouvé des combats contre les cyberpsychos qui traînent un peu partout dans la map. Ouais, plus difficile, plus ouais. Plus intéressant et plus difficile. Parce que tu vois les psychos des fois ils te piratent machin etc, à Smasher ils te balancent juste des missiles. Ouais après c'est, alors. Après c'est différent. Alors ouais, c'est différent. Il faut prendre en compte quelque chose qui est extrêmement important dans la compréhension de comment CD Projekt développe leur jeu. En fait, ils basent leur jeu sur le narratif. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris beaucoup de choses. Par exemple, tu sais, la maniabilité de la voiture, la manière de conduire la voiture. La conduite, elle est à chier. Les gens, ils se sont dit... Comparé à GTA V, c'est de la merde. Mais GTA V, c'est pas, déjà, c'est pas un RPG. Et en fait, c'est pas ce qui est basé... c'est pas la base du jeu, en fait. La base du jeu, c'est le fait de jouer un personnage. Et donc, conduire une voiture, c'est pas nécessaire. Alors, c'est pas nécessaire tout le temps. Et c'est vrai que, comme le jeu, il est, enfin, comme leur jeu chez CD Projekt, il est basé d'abord sur le narratif. Ouais, c'est comme quand tu joues au Witcher, t'as dans The Witcher 3... quand t'as Ablett, donc le poney, quand t'es sur le poney, en fait, on faisait mieux en termes de cheval, on faisait mieux en 2010 avec Red Dead Redemption, le premier, quoi, en fait. Et malgré tout, le jeu, il est quand même viable, enfin, il est viable, le jeu The Witcher 3, en fait, il est viable parce que tu as une... t'as une narration, t'as un narratif qui est extrêmement développé, t'as une relation au personnage qui est extrêmement forte, et t'as des relations au personnage qui te permettent de rentrer dans le jeu d'une manière extrêmement forte. Et je pense que c'est ça qui déçoit dans le gameplay. Donc là, t'as complètement raison. C'est-à-dire que ça déçoit, alors pas dans la boucle de gameplay, mais non. Dans le gameplay brut, ça déçoit parce qu'évidemment, quand t'arrives devant Smasher, tu dis « putain, je vais me faire éclater », et en fait, c'est vrai que c'est quand même relativement simple. Non, tu sais, en plus, quand t'arrives dans la phase de boss juste avant, bon, ça dépend comment tu fais. Soit tu fais avec les Aldecaldos ou avec Rogue, ou tu le fais en solo. Bon, le solo, ça, genre, c'est pas différent. Oui. Mais la façon, bon, techniquement, c'est du spoil, mais on s'en fout, tout le monde l'a fait normalement le jeu. Ah bah là, c'est une radio cyberpunk, mec, hein, donc du coup, ceux qui viennent, ouais. S'ils ont pas fait le jeu, bah tant pis pour eux. La façon dont ils s'en foutent totalement de fusil à pompe cinétique. Oui. Pas cinétique, non, si, c'est cinétique de j'ai oublié son nom, terrible. Comment il s'appelle le chef de Paname? Alors, Marie, comment s'appelle le chef de Paname, s'il te plaît? Merci, Marie. Saul. La façon dont il s'en fout totalement, mais à un niveau, du coup, de fusil à pompe de Saul. C'est vrai. Et la façon dont tu lui écrases le crâne, c'est terrible. Ouais, ouais. Mais il s'en fout du coup de fusil à pompe, genre vraiment. Il en a rien à foutre, ouais. Alors que pourtant, dans le jeu, quand tu as ce fusil à pompe, tu défonces tout, t'éclates tout. Avec, comme c'est un fusil à pompe qui peut se charger. Et les armes chargées dans ce jeu, elles sont beaucoup trop fortes. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est balèze, ouais. Mais passe à travers les murs et ça passe pas à travers ce machin. C'est normal, il a une armure spécifique qui fait. Mais. C'est franchement c'est terrible que toi tu le défonces avec, bon, c'est le pistolet de Johnny, ça se trouve il a des pouvoirs magiques, mais tu peux le défoncer avec, techniquement parlant, avec le Malorian. Oui.
qui est un flingue moins techniquement moins avancé que le fusil à pompe cinétique. Ouais, c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu con quoi en fait. Mais tu vois, c'est là où je te dis que en fait, pour eux, ce qui a été important de développer, tu vois, pour eux, c'est le lore, c'est pas le. C'est exactement. En fait, là, le gameplay, en fait, c'est pas le gameplay, c'est plutôt là, c'est justement pour le flinguer, c'est la boucle de gameplay qui est important. Et c'est vrai qu'en fait, le gameplay, bah, c'est le même, pratiquement le même. Voilà, enfin, tu t'es amélioré un peu durant le, durant l'histoire, tout ça et tout. T'arrives à 40 heures de jeu, 45 heures de jeu, peut-être 60, on sait pas si t'as fait un peu durer le plaisir. Oui, non mais voilà, 100, tu vois, ou 160, tu vois, enfin, tu peux faire. Mais tu sais, quand tu arrives à Adam, en fait, quand tu arrives à Adam, t'as peut-être déjà fait, tu vois, 50, 60 heures de jeu, donc tu t'es équipé, t'as tes mantis, t'as tout ce qu'il faut pour pouvoir aller lui casser la gueule. Mais c'est vrai qu'en fait, quand t'arrives, je pense que t'es un peu trop overpété, et que du coup, ben, comme t'es overpower, eh ben, en fait, c'est pas le défi que tu pensais que ça serait, et c'est pas la construction scénaristique. C'est pas c'est pas la conclusion de la construction scénaristique qui lui a été donnée, qui te laisse à penser que avec lui, tu vas en baver. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un peu dommage. Et du coup, il est plus là, Patato. Ouais. Si, je suis là. Il est là. Ouais, non, mais après, Smasher, c'est normal. Regarde, quand tu... Alors, je sais pas si... normalement, tout le monde le sait. Quand tu mets trop de temps à te cacher pendant le casse, Smasher finit par te trouver et te littéralement te tuer d'un coup. C'est vrai. Mais c'est parce que t'as rien, surtout. Oui, parce que t'es naze. Ouais, ouais. Et t'as rien. Après, oui, forcément, t'arrives à la fin du jeu, t'es niveau 50, t'as toutes les lames, machin, etc. Forcément, t'es overpété. Et puis ça fait après, même si le boss en soi est simple, il y a toujours un petit plaisir à lui défoncer ça, à lui défoncer tout court en fait. Ah oh bah évidemment. Bah moi je l'ai fait une première fois, j'ai été trop content de le défoncer parce que Johnny voilà. Puis après je l'ai refait, mais cette fois-ci pour Rebecca. Ok. Parce que obligé. Ok, d'accord. Mais c'est l'histoire de prendre un petit plaisir malin. Après, forcément, oui. Un petit plaisir supplémentaire, quoi. Ouais. Puis, même si en soi, la difficulté, c'est pas un problème, puisque y a des modes. Et il y a des modes incommensurables qui augmentent si fort la difficulté du jeu. Alors, moi, je n'ai pas fait le jeu une seule fois avec des modes. Oui, mais alors, oui, c'est très bien aussi. Moi, j'ai fait les trois fins sans mode, et j'ai fait d'autres games avec des modes. Okay. Mais quand t'as les modes... Qui augmente la difficulté, c'est pas pareil. Tu en chies pour le coup. Parce que alors, la difficulté, elle est si importante que ça? Non, mais en fait, c'est question que, par exemple, l'IA des ennemis, bon, ça change rien entre guillemets, mais ils sont plus agressifs. D'accord. Déjà dans le jeu, quand t'es en combat de groupe, c'est invivable, je trouve. Ok. Parce que ça tire de partout. Mais quand t'as les modes qui augmentent la difficulté ou ils sont plus entre guillemets plus intelligents, mais c'est pas ça, ou juste ils font plus mal, ils arrivent à comprendre à peu près. Ouais. Ça fout un peu le stress, ça reste faisable, très faisable, mais ça donne un autre penchant au jeu. Puis pareil, quel penchant tu en fait développe du coup tu ça. Quel penchant ça donne de spécifique après, en fait. Après moi je dis ça, mais par exemple les modes de difficulté augmentée, je les ai fait avec un mode qui c'est mode More Blood Splatter, donc c'est un mode qui augmente la dose de sang. Ok. Du coup quand tu démembres des gens, c'est forcément très plaisant et ça donne un petit plaisir, c'est ça que je veux dire. D'accord. Mais oui, quand tu augmentes la difficulté, forcément le jeu prend un autre sens qui est techniquement pas fait pour. Ah, ça je peux comprendre. Et pareil, si tu veux, si t'en as marre de la conduite. Pas longtemps après que le jeu soit sorti et que la conduite s'est avérée affreuse. Quand le jeu est sorti. Parce que ouais, là, ouais, quand le jeu est sorti, c'était terrible. Et puis si t'es pas content, tu conduis une moto, c'est encore mieux. Et conduire un Night City en moto, c'est un petit plaisir. Ouais, c'était ça. Les motos, c'était cool. La moto, c'était cool, mais... En fait, je pense qu'on est bloqué. Ça n'allait pas assez vite. Non, c'était pas... Personnellement, c'était pas la vitesse. Je pense qu'on est un peu bloqué intellectuellement, parce qu'en fait on a tellement l'habitude de GTA V qui est ultra dominant sur le marché en fait. De manière globale, qu'en fait il a cette prégnance là de dire, enfin de nous faire dire c'est mort, le gameplay ça doit être comme ça. Et moi quand je joue à Cyberpunk, ça me fait penser à Sleeping Dogs.
à la maniabilité de Sleeping Dogs, qui est un jeu qui était vraiment super, enfin que moi j'ai adoré faire. Je l'ai fait sur Play 3 à l'époque. Je regarde par là parce que je sais qu'il y est. Et où tu joues, je crois, dans Hong Kong, il me semble. Vraiment avec une ambiance, donc... à l'asiatique façon Yakuza, parce que moi justement je cherchais quelque chose qui me permettait de me projeter un peu plus en Asie, parce que bah, c'était quelque chose qui c'est toujours quelque chose qui m'attire, qui me plaît, dans une mégalopole asiatique. Et j'avais beaucoup entendu de très bons retours sur ce jeu là je crois que c'est un jeu de Konami, il me semble, si je dis pas de conneries. Et c'est vrai que j'avais aimé parce que ça me donnait l'opportunité de jouer à un GTA-like avec une histoire ultra, ultra profonde, hyper intéressante. Et en plus de ça, il y avait une maniabilité des voitures qui était vraiment spécifique à elle-même et qui changeait par rapport à ce que GTA proposait. Alors après, c'est un jeu qui date peut-être entre 2010 et 2013. Donc forcément, c'est pas récent non plus. C'est un jeu qui est ancien. Mais à côté de ça, il y avait d'autres jeux même. En tête, il me vient comme ça, The Getaway. Après, enfin, il y avait Driver, tout ça et tout. Où il y avait des possibilités de conduite qui étaient différentes. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on a tellement attendu le fait d'avoir Cyberpunk 2077 qui sorte avec tout ce qui était promis, que quand tu commences à rentrer dans la bagnole et que tu commences à conduire la voiture, à la manette, clavier souris et tout, c'est franchement, c'est en vrai de vrai, putain, c'est pas la joie, quoi. C'est pas la joie du tout, quoi, parce que c'est lourd. Et ça rejoint ce que tu dis par rapport au fait de buter Adam. En fait, je reviens là-dessus, mais ça rejoint exactement ce que tu dis par rapport au fait de penser que Adam est trop simple. Mais c'est pas qu'une question de pensée, c'est une question de réalité du terrain. Il est trop simple, mais parce qu'en fait, c'est ce qu'il fallait, en fait. Et la conduite de voiture, elle est compliquée, mais parce que en fait, bah, ils pouvaient pas mettre trop de ressources à l'intérieur de tout ça. C'est dommage, parce que quand tu vois comment ils ont développé l'intérieur de chaque tableau de bord de bagnole qui est différent et tout, tu dis putain, mais waouh. Enfin, je comprends l'intérêt, tu vois, de me dire waouh, vous avez fait les choses d'une manière tellement incroyable à l'intérieur de tout ça, mais en fait, toutes ces ressources, vous auriez peut-être dû les allouer pour d'autres petites choses. Donc, le fait, par exemple, de crasher pendant les danses sensorielles, par exemple, il n'y a pas que toi hein, qui a craché pendant les danses sensorielles, il y a eu des centaines de milliers de gens. Mais bien sûr, qui ont craché pendant ces moments-là. Améliorer un peu la conduite en donnant un peu plus de finesse et de souplesse sur, je sais pas, sur le côté de la suspension, sur le côté du virage, sur la maniabilité de manière globale, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant, d'autant plus que les ressources, elles y sont, parce que quand tu vois la gueule de la ville, tu dis putain, mais c'est tellement immense que c'est incroyable, quoi. Donc je comprends ce que tu veux dire totalement. Je te laisse continuer du coup. Ouais, mais de toute façon, si t'es pas content de la conduite, il y a des modes. Il y a des modes pour tout dans ce jeu, c'est incroyable. Oui. Mais je re-saute sur ce que tu disais à propos de ce qu'on nous a annoncé et ce qu'on n'a pas eu. Il y a plein de trucs qui ont été annoncés, il y a plein de trucs qu'on n'a pas eu. Ça n'empêche que le jeu il est bien. Il est incroyable, on est d'accord. Ne serait-ce que. Normalement, on était censé avoir une cinématique quand on sort de l'ascenseur à la première mission du jeu, donc dans le truc de la base de Dezos. Oui. On l'a pas eu. On est censé avoir une cinématique le lendemain quand Jackie nous rappelle. Mm-hmm. On l'a pas eu. Bon. Est-ce que ça pose problème ? Bah, ça pose problème parce que si on te dit. Il y a pas de cinématique. Il y a pas de cinématique dans le jeu. Et ça manque de cinématique. D'accord. Ok. Mais s'il y en a. Évidemment qu'il y en a. Il y a celle de la. Pour moi, c'est la plus mémorable parce que c'est la seule dont je me souviens. Ouais. C'est celle de la fin de Kaldos. Ok, d'accord. Et j'ai vraiment besoin d'expliquer. Bah vas-y, explique. Hein. On y explique. Prends le temps d'expliquer. Là, c'est la seule dont je me souviens parce que c'est la plus cool. C'est la cinématique qui. Celle qui t'a le plus ouais, plu. C'est la fin. C'est la meilleure fin entre guillemets. Ok. C'est juste la meilleure fin en fait. Même si Don't Fear the Reaper est trop cool. Oui. Oh, j'adorais faire cette fin. Mais ouais, c'est la seule cinématique dont je me souviens. Je crois qu'il y en a d'autres. Je crois que toutes les phases de souvenirs avec Johnny ont une cinématique. Ok. Mais non, même pas. Non, je te laisse articuler ton propos, vas-y. Hein. Elles sont jouables puisque tu peux bouger la caméra. Une cinématique, tu n'es pas censé pouvoir bouger la caméra. Mm. Enfin, c'est ma propre définition de cinématique. Ouais, mais là, c'est justement, c'est fait exprès, tu sais, c'est... C'est fait exprès, même, exactement pour l'immersion, et tu sais aussi, pour que tu puisses, tu sais, c'est comme c'est la première fois que tu vois ton personnage quand t'arrives au bout aussi, tu sais, le fait de sortir de ce côté
première personne, pour arriver à la troisième personne, ça te donne l'illusion et une impression qu'en fait quelque chose a été accompli, enfin, c'est une illusion scénaristique, filmographique, et ça te donne plus que l'illusion en fait, tu le vis vraiment et tu te dis en fait putain c'est vrai que c'est plutôt cool, parce que bah, en fait j'ai évolué en FPS tout du long, et là je vois mon personnage pour la première fois, donc du coup ça me sort complètement de l'immersion pour m'apporter la narration. Et c'est ça, c'est, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, de manière générale. Ah si, il y en a une autre. Dis-moi. Bah, mais c'est le DLC. Ah non, pas de DLC. Non, le DLC, on le fera probablement la semaine prochaine. On le fera probablement chez moi la semaine prochaine. Mais c'est, après, c'est tout ce dont je me souviens en termes de cinématique. Bon, à part toutes les phases de cinématique où tu peux bouger ta caméra, il y en a plein, si on compte celle-là dedans aussi. Oui, ouais, c'est toi qui fais ta réalisation, en fait. Ouais. Mais des cinématiques, comme on l'entend dans le milieu du jeu vidéo en général, il n'y en a pas, en fait. Non, il n'y en a pas, parce qu'en fait, c'est pas nécessaire. Pas, en fait. Ouais, c'est même pas nécessaire. Mais tu vois, rien que pour c'est mon kiff perso, j'aurais kiffé avoir des plus de cinématiques dans ce jeu. Qu'est-ce que tu penses que ça aurait apporté? Pas grand-chose, en vérité. Mais juste pour le... Moi, j'aurais aimé... Là, c'est vraiment genre le petit kiff, histoire de dire, tiens, c'est le petit bonbon, après, la fin du repas, quoi. Après, est-ce qu'on n'aurait pas été trop habitué au jeu avec 20 milliards de cinématiques? Bah, est-ce qu'on n'est pas déjà trop habitué au jeu avec des cinématiques qui servent à rien, quoi? Là, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, on voit pas déjà la différence entre les cinématiques et le jeu, parce que en fonction de comment tu fais tourner ton jeu, bah, le jeu, il est tellement haut graphiquement et en performance graphique que du coup forcément quand tu joues et que en fait les dialogues se déroulent naturellement, en fait c'est un peu ça la cinématique. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment voulu, enfin pour l'immersion en fait, tu vois ça continue, en fait ça contribue à ce que je disais auparavant, c'est qu'en fait c'est aussi un choix délibéré de ne pas faire en sorte qu'il y ait trop de cinématiques, voire même qu'il y en ait quasiment pas du tout, parce que ça sert la narration. Et parce que l'histoire est plus importante que l'ensemble des protagonistes. Moi, je trouve que c'est une erreur, personnellement. Oui, c'est tout à fait normal. Mais c'est, oui, en fait, c'est normal, mais je pense que c'est une erreur parce que c'est un jeu vidéo et qu'on a besoin de certaines choses. Mais en même temps, c'est vrai que ça permet aussi de donner, bah, un peu comme ils ont voulu faire, par exemple, Santa Monica Studio quand ils ont fait God of War, où en fait, bah, y a pas de cinématique. Tu joues le jeu et puis point barre. Et puis voilà, les cinématiques, en fait, y a pas de coupure, y a rien, parce qu'en fait, tu joues le jeu tout du long et la narration, elle est dans le jeu, entre ce que toi tu joues et ce que les personnages vont parler. Y a pas de coupure, y a rien. C'est. En fait, c'est un plan séquence de 45 heures, quoi, en fait. Et tu dis, ah ouais, la performance est. Enfin, 45 heures. De 20 heures pour God of War, 25 heures. Et la performance, elle est forte. Et c'est vrai que pour Cyberpunk, t'as raison, c'est un peu le même délire aussi, quoi. C'est vrai. Après, ça change complètement de sujet, du coup. Alors, est-ce que tu me donnes deux petites secondes? On fait venir Monsieur Joe s'il est présent. Joe, mon poulet, Ryujin, est-ce que tu es là? Oui, mais pour le coup, vous parlez chinois pour moi, parce que ceux du chat vont me taper dessus, mais je n'ai jamais touché un cyberpunk. Donc... Non, c'est Marie qui va te taper dessus, mais ça, c'est pas grave, tu te démerdes avec elle. Ah mais Marie, elle y joue demain, donc... Non, pas demain, après-demain. Après-demain. Donc, du coup, je découvrirai le jeu avec elle. Ah non, moi, c'était justement, en fait, c'était par rapport... Si tu veux, en fait, on parle chinois par rapport... Alors déjà, c'est japonais. on parle chinois, je comprends ce que tu veux dire. Japon, hein, mais, non, ouais, c'est chinois du Japon. J'ai jamais touché au jeu. Non, mais justement, attends, mais c'est pas grave, en fait. C'est là, puisqu'on aborde un sujet... Patato, tu gardes ton autre question, ton autre sujet pour la suite, comme sûrement on développe là-dessus. Après, qu'est-ce que tu penses, justement, des cinématiques et du manque d'immersion qu'elles apportent de temps en temps, enfin tu sais, de la coupure d'immersion qu'elles apportent dans les jeux vidéo? Wow, tu vois, c'est pas qu'une question, tu vois, que pour Cyberpunk, c'est une question de manière générale par rapport à ce que tu as déjà fait. En général, en fait, quand il manque une cinématique... Quand il y a des cinématiques ou quand il n'y en a pas, ou quand elles tombent au moment où tu dis putain, c'était pas forcément le moment le plus opportun, ou alors là, j'aurais bien vu une cinématique qui m'aurait peut-être exprimé ceci, expliqué cela, etc. etc. J'ai pas d'idée en fait de jeu où il n'y a pas ça en fait. J'ai au contraire des idées où il y a ça en fait. Bah, par exemple, dans FF10, les cinématiques elles sont. Donc on va préciser pourquoi tu prends FF10 quand même comme exemple, parce qu'en fait c'est ton jeu vidéo préféré. C'est un jeu qui t'est très cher et du coup tu le connais plus que par cœur. Voilà, c'est ça. Ce jeu, pour faire simple, j'ai joué sur PS2, PS3, PS4, Switch, PC. Je l'ai torché dans tous les sens du terme.
Je le connais vraiment par cœur. D'ailleurs, Dream le fait demain. Je monte au promo, hein, mais demain, Dream le commence sous ma. Tout à fait. Sous mon coaching. À quelle heure? Donc, 21h30. Si 21h30 demain soir. Voilà. Bah, par exemple, dans ce jeu, les cinématiques. Bah, après, c'est ce Square Enix. Hein, donc, je pense que les jeux Square Enix, en général, cassent bien leurs cinématiques. En fait, à chaque fois qu'il y a une cinématique, c'est jamais trop. Et c'est toujours au bon moment et c'est toujours beaucoup d'émotions en fait. Oui. Là, comme ça, j'ai pas de jeu en tête où la cinématique est mal placée ou alors elle n'est pas nécessaire. Vraiment, là, en y réfléchissant à l'instant T, j'ai pas de jeu qui me vient à l'esprit comme ça. Parce que même Diablo 4 que j'ai fait récemment. Il y a des cinématiques. Ouais, mais c'est après voilà, là c'est des cinématiques qui sont un peu nécessaires aussi. Je veux dire, Diablo c'est plutôt un hack and slash, donc du coup on a un côté moins immersif aussi quoi. En fait, l'immersion elle est présente dans Diablo parce qu'en fait on est pris par le jeu, mais en fait on n'est pas pris par la narration quoi. On est pris par le jeu parce que c'est un jeu d'action complet. Enfin, c'est un hack and slash, mais bon, enfin on est d'accord, c'est un jeu où l'action est concrète et permanente. Et du coup, le truc c'est qu'en fait on est la cinématique, elle va apporter quelque chose à la narration. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, parce que même dans Yakuza, en fait, les cinématiques, elles sont bien placées. Enfin, j'ai fait Yakuza 0 et j'ai fait que 3 chapitres de Yakuza Kiwami. Mais clairement, elles sont bien placées. Elles sont pas en trou, je trouve. Bon, c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple, oui. À part hier où en fait c'était pas assez longue et c'était découpé en fait en trois entrecoupés de temps de chargement de oui. Et ça je pense que c'est aussi à cause du fait que le jeu laguait un petit peu et que mais du coup ça mettait plus de temps mais on avait pour ceux qui étaient là hier soir on a littéralement eu trois cinématiques de 10 secondes enfin peut-être il y avait 30 secondes après il y a eu 10 secondes après il y a eu 5 secondes oui. Entrecoupés de 10 minutes de chargement alors j'abuse en disant 10 minutes de chargement mais c'est vrai que ça casse un peu le truc que ça, quand il y a trois cinématiques comme ça qui se suivent, tout à fait. qu'il y ait pas juste un fondu au noir et un enchaînement de la suite de la fait. Cinématique. Oui, oui. Là, ça casse un peu le rythme qui a. Bah, alors après, là, c'est vrai que voilà, le fait du temps, je me permets de. Je coupe, je complète, c'est vrai que voilà, c'est ce que tu allais dire, c'est vrai que le temps de chargement, malheureusement, c'est vrai que. Là, tu vois, dans Cyberpunk, tu vois, par exemple, dans Cyberpunk, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a peu de temps de chargement. Mais il n'y en a même quasiment pas. Et c'est vrai que c'est quand même. Il y en a quelques-uns, on va pas se mentir, mais c'est très très rare. Et le bon plan, c'est qu'en fait, ça casse pas l'immersion, justement. Et que, comme il n'y a pas. C'est pas qu'il n'y a pas, mais c'est qu'il y a très très peu de cinématiques. Bah, du coup, en fait, la narration, elle continue d'exister au sein même de l'histoire que tu es en train de vivre par rapport au fait que ton personnage, il marche. C'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre ce playthrough que vous voyez là, donc que vous voyez juste là, en fait, qui passe naturellement. Donc, c'est un playthrough hein, qui est dispo sur YouTube et tout. Hein, c'est pas nous qui jouons. Et le truc, c'est que, en fait, ce que vous voyez être fait là, eh bien, en fait, c'est ce que vous faites, vous, quand vous jouez au jeu, mais c'est sûr, en fait, mon poulet, pour toi, c'est exactement ça, en fait, c'est que, en fait, là, tu vois, tu pourrais parler à n'importe quel PNJ que tu croises, n'importe lequel, et tu pourrais t'arrêter à côté d'un des personnages principaux et lui parler de la même manière que ce que tu parlerais à celui-ci. Alors, évidemment, il y aurait peut-être une cutscene à l'intérieur de tout ça, mais en fait ça serait une cutscene que tu verrais quand même à la première personne, donc du coup tu vois aussi ça casse pas totalement l'immersion parce que bah, en plus ouais, c'est exactement ce que tu disais, donc pour te rendre la parole là-dessus, il n'y a pas de temps de chargement, donc du coup forcément ça coule de source et c'est naturel tout simplement quoi. Parce que pour moi c'est primordial en fait les cinématiques dans les jeux comme ça en fait dans les RPG, dans les trucs comme ça, ça rajoute du contexte, peut-être dans Skyrim, c'est un jeu auquel on a quand même une immersion assez forte, mais on n'a pas vraiment de cinématique. Bah tu vois, voilà, c'est un peu le même délire, exactement, ouais, t'as raison. Après, Skyrim, c'est un jeu qui est sorti en 2011, donc peut-être qu'ils avaient, déjà, je vais faire le gros suceur, mais Skyrim, c'est l'un des meilleurs jeux de l'époque, qui a été jeu de l'année pendant 3 ans de suite, si je ne dis pas de C'est clair, ouais. Pour l'époque, c'était des graphismes de qualité, mais vraiment incroyable. Pour 2011, on avait un truc de fou furieux, on n'avait jamais vu ça.
Et même encore aujourd'hui, le jeu, il est toujours au même prix parce que ben, le jeu, il se vend en fait. Il se vend toujours. Et en vrai, ils ont raison de le laisser à ce prix-là parce que ben, les fans l'achètent et continuent de l'acheter. Et le jeu, il a quasiment pas vieilli en fait. Puisque, ouais. Ben, mais c'est vrai que. Puis il y a une grosse communauté de modeurs et tout en plus. Donc c'est vrai qu'avec 10, 12 ans, 15 ans de background en plus, t'es là, tu dis bon, bah ouais, j'arrive dans le jeu, je peux faire l'histoire, rouler sur le jeu et profiter de l'ensemble de tout ce qu'il a à m'offrir sans forcément prendre la tête comme ils se sont pris peut-être au début de tout ceci, quoi. Après, petite parenthèse, il faut savoir que je l'ai découvert récemment sur Play, mais avant sur Play, on n'avait pas les modes. Hein. Il n'y avait vraiment aucun mode. Les modes, c'était pour la version PC. Mmh. Et c'est que récemment, quand j'ai lancé le jeu, en fait, récemment, il y a quelques mois maintenant, hein, quand j'ai lancé le jeu sur la Play, parce que je l'avais racheté ou je l'avais récupéré à nouveau, et que j'ai vu qu'il y avait des modes qui étaient disponibles, mais des Bien modes sûr. Que tout le monde avait déjà sur PC. Donc moi, je n'ai jamais joué avec des modes sur Skyrim, par exemple. Mais oui, c'est sûr que ça peut apporter un truc en plus. Mais c'est vrai que des cinématiques pour des moments importants, des moments clés, des moments de dialogue avec les persos, ça aurait pu être intéressant en fait d'inclure ça pour plus d'immersion effectivement, puisque je pense que c'est peut-être l'exemple qui me vient en tête, parce que sinon les jeux que j'ai en tête, soit les cinématiques sont bien placées, soit il y en a pas forcément, mais c'est logique de pas forcément en avoir. Non, je comprends. Donc, par exemple, dans un jeu comme Pokémon, c'est logique qu'il n'y ait pas forcément de cinématique, en fait, à part quand tu arrives peut-être dans une nouvelle ville, peut-être dans les jeux récents, ce serait bien que tu aies une vue sur la ville, en fait, pour qu'on voit un petit peu tout, comme si on était dans les airs ou des trucs comme ça, tu vois, mais c'est pas trop comme ça qu'ils font dans Pokémon. Ils le font un petit peu au début, pour le tout début, pour montrer un peu, mais c'est pas trop le style, donc voilà. Mais je trouve quand même que les cinématiques, ça rajoute un poids de fou, en fait, et c'est trop bien en fait. Moi, quand j'ai une cinématique, jamais je la passe en fait. Que le jeu, je l'ai fait ou je l'ai pas fait, jamais je passe une cinématique parce que ben c'est trop bien en fait. C'est trop important. Bah, ça apporte de la narration en plus au jeu, quoi. Et dans un jeu comme FF10 par exemple, les cinématiques, encore une fois, elles sont toutes incroyables et elles sont toutes unskippables, quoi. C'est limite criminel de skip ce genre de cinématique parce que vraiment, ça, le jeu est tellement bien construit dans l'histoire et dans la narration que du coup, ça renforce en fait le lien que tu développes avec les personnages que tu joues et avec ton personnage principal aussi. Donc, ça fait que renforcer les liens en fait. Du coup, le fait de ne pas avoir de cinématique, je pense que ça aurait été vraiment dommage et l'impact n'aurait pas été le même, par exemple. Dans un jeu comme Final Fantasy. Voilà. Le truc qu'il y a, c'est que dans Final Fantasy X, tu joues pas à la première personne. Oui, c'est vrai. Tu joues pas forcément à la première personne. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, je pense, tu vois, c'est ce qu'on était en train de. Ce dont on était en train de parler, justement, c'est pour ça que je te fais venir dans la conversation maintenant. Même le fait de pas avoir fait le jeu, ça a pas d'incidence sur le fait de ta compréhension, enfin, de ton ressenti sur le fait que. Par exemple, quand tu joues à d'autres types de jeux, donc à des FPS, là, du coup, parce que c'est vrai que, bon, Cyberpunk, c'est d'abord un RPG, mais tourné sous un peu l'aspect d'un FPS. Comme ils ont axé le gameplay autour de la narration, ils se sont focalisés sur le fait de faire un FPS volontairement pour t'immerger encore plus à l'intérieur de tout ça. C'est comme si t'allais jouer avec un casque VR ou quelque chose comme ça. Et du coup, derrière, c'est vrai que dans un jeu, donc dans un TPS, donc dans un jeu à la troisième personne, comme Final Fantasy X par exemple, le fait d'avoir une cinématique, ça apporte encore plus de choses à l'intérieur du tout, parce que tu vas avoir la possibilité de découvrir d'autres personnages, d'entendre d'autres personnages, et de continuer à te projeter dans cet univers-là par le biais de l'avatar que tu joues. Mais là, l'avatar, c'est toi. Puisque c'est à la première personne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu vois, c'est un peu particulier, en fait. C'est un choix, hein. C'est un choix spécifique, un choix assez particulier. C'est un choix couillu, même, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont reproché. Ça, tu sais, quand le jeu est sorti, il y a plein de gens qui ont dit, mais en fait, au lieu d'avoir fait ça, vous auriez dû faire un TPS. Ça aurait pris moins de ressources, c'était beaucoup plus simple à développer, machin, tout ça et tout. Mais en fait, ça servait pas à la narration. Parce que le truc qu'il y a, c'était pour te faire vivre. Enfin, c'est censé te faire vivre une expérience particulière, le fait de jouer au jeu à la première personne, de faire toute l'histoire, de faire toutes les ramifications que l'histoire te propose, c'est censé aussi
t'amener encore un peu plus à l'intérieur de la narration toi-même, tu sais, en tant que joueur, pas en tant qu'avatar en fait. Je trouve que ça, tu vois ce que je veux te dire, c'est que c'est un pari qui est hyper fort, parce que souvent quand tu joues à un FPS, bon, souvent c'est des trucs un peu bourrins, un peu bas du front, tout ça et tout, régulièrement, c'est pas tout le temps le cas, on s'entend, et c'est vrai que la narration, souvent dans ces FPS, elle est aussi entrecoupée de cutscenes, elle est aussi entrecoupée de cinématiques. Des cinématiques, merci. Et en fait, où on voit le personnage. Et c'est vrai que dès que tu vois le personnage, ben en fait, je vais pas dire que ça marche plus, mais tu sais, tu y crois moins en fait directement dès que tu vois ton personnage. Tu y crois moins, parce qu'en fait, comme tu le vois, tu sais que c'est ça te coupe de la projection que tu as, du fait qu'en fait, non, le personnage que j'ai devant, enfin, ce que je vois devant mes yeux, c'est pas mon personnage, c'est réellement moi, en fait. C'est mon avatar. Je vois ce que tu veux dire. Après, je pense quand même qu'il n'y a pas forcément que la première personne pour faciliter l'immersion, parce qu'un jeu comme Skyrim, tu peux jouer soit la première personne, soit la troisième personne, et que tu joues à la première ou à la troisième, en fait, du moment que tu le contrôles, que tu le fais attaquer, tu vois bien que c'est lui, en fait. C'était pour des questions pratiques ou des questions de visée et compagnie que tu vas te mettre en première personne. Mais moi, je sais que des fois, j'y joue en troisième, des fois, j'y joue en première. C'est bien de pouvoir switcher sur les deux vues, en fait. Bien sûr. Être bloqué dans une vue ou dans l'autre, ça peut être handicapant, mais avoir la possibilité de switcher sur les deux ou de débloquer le fait de pouvoir de débloquer un autre point de vue. Moi, je trouve pas que jouer à la première personne ou à la troisième, encore moins, ça casse le truc, tu vois. Genre, Yakuza, j'arrive à très bien me mettre à la place de Kiryu, alors que Yakuza, c'est troisième personne. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois. C'est avec Marie, quand on avait fait la radio chez moi sur Zelda, on avait parlé de ça, justement, sur le fait que Link, c'est toi. Et c'est vrai que c'est un TPS et moi j'ai aucun problème à me transposer dans le fait que Link ce soit moi. Mais c'est vrai que le fait de le voir, bah en fait, je vis une aventure avec Link. Oui, c'est comme si c'était en gros sur son épaule, en fait. Comme ouais, un... tu vois, t'as exactement compris ce que je voulais articuler, c'est exactement ça. Alors que là, quand je joue à un RPG aussi vaste soit-il comme Cyberpunk 2077, je ne joue pas un personnage. Je joue V, mais V, c'est moi. Ouais, je vois. Ça me déstabiliserait beaucoup de ne pas avoir mon perso, honnêtement. Bah là, tu le vois jamais. En fait, là, le truc qu'il y a, tu vois, c'est que justement, ça te déstabilise à la fin quand tu le vois. Parce qu'en fait, tout le long de l'aventure, tu ne le vois pas, et quand tu arrives à la toute fin, tu vois ton avatar, en fait. Et donc, tu vois toutes les améliorations que tu lui as fait, tout ce que tu as proposé à ton personnage, tout ça et tout, tu le vois pour la première fois. Alors, entre guillemets, parce qu'évidemment, on le voyait dans l'arbre de... pas dans l'arbre de compétences, mais dans les améliorations... Dans l'inventaire. Dans l'inventaire, ouais, exactement. Dans toutes les améliorations cybernétiques, tout ça et tout. Quand tu dis tu le vois, c'est en dehors des minutes du jeu, dans le jeu directement. Exactement. Donc du coup, en fait, tu transposes pas, parce que comme tu le vois pas habituellement, ben, du coup, tu transposes pas. Et quand la narration, elle estime nécessaire de te montrer qu'il y a une confrontation entre toi et Johnny Silverhand, qui est techniquement dans ta tête, mais que toi tu vois comme étant réel, et qu'il y a ce côté de cinématique qui vient se mettre à l'instant T pour te montrer que c'est un choix crucial et un choix cornélien que tu dois faire maintenant, tout le reste de ce qui s'est passé auparavant, les 30, 40, 50, 60, 70 heures que t'as pu passer à faire tout ton playthrough, et ben du coup, ça a du sens, tu vois, d'un coup. Ça a vachement de sens de se dire, vous voyez, là, il y a quelque chose de spécifique qui vient de se passer en termes de narration dans le jeu. C'est fort, tu vois, je trouve que c'est hyper fort, quoi. Ben, là, en fait, il y a un truc qui me dérange, entre guillemets, c'est que, certes, à la première personne, mais tu vois pas les bras, tu vois pas les jambes. C'est comme s'il avait une caméra. On voit les bras, Là, dans ce que je vois sur... parce qu'en fait, on est en train de marcher. Parce qu'en fait, on est juste en train de marcher, en fait. Quand tu marches, tu vois rien. Mais c'est un mode, enfin, c'est fait exprès, en fait. Moi, quand je marche, je vois mes bras sur les côtés qui bougent, tu vois. Ouais. Ouais, dans le jeu aussi, hein. Dans le jeu aussi, mais là le truc qu'il y a, t'as compris que la personne, elle fait juste... c'est pas un playthrough, quoi, en fait. Là, c'est vraiment, c'est un walkthrough, en fait. C'est quelqu'un qui marche à travers la ville. Mais s'il y a un gunfight ou quoi, il y a les bras, il y a tout, en fait, quand tu te...
quand tu te bats, attends, on va regarder, hein. On va mettre ça en pause 2 secondes. Mais même, hein, t'as immersive first person, bon, c'est un mode aussi. Hein, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui justement te met au niveau de ta tête et tu vois tout ton corps à partir de ton buste. Ou alors t'as un mode qui est incroyable, et j'adore ce mode et je suis trop content de l'avoir trouvé. C'est third person view. Du coup, t'es en mode à la troisième personne. Oui. Il est un peu buggé. Parce que le jeu n'est pas fait pour être à la troisième personne. Ouais, Joe, tu vas commencer, c'est comme ça sinon. On voit les bras, on voit tout ça en fait, tu vois ce que je veux te dire? Mais naturellement, voilà, tu vois, on voit le tout. Je vois. On voit vraiment le tout, quoi, en fait. D'ailleurs, c'est même assez particulier parce qu'il y a plein de jeux sur lesquels on ne voit pas tout ça, quoi, normalement. Et là, c'est vrai que le fait de le voir, on voit les pieds, on voit les bras, on voit les jambes, pardon, surtout les mains, c'est normal, mais les mains et les avant-bras, c'est normal, mais on voit tout ça, quoi. Je retourne dessus. Devinez quelle notification je viens d'avoir sur mon PC. Non, je sais pas. Hein. Moi, honnêtement, le fait de voir la vraie personne ou la troisième personne, ça va pas non plus casser ou améliorer mon immersion, en fait, parce que... Ah, d'accord. J'aime tellement les jeux vidéo qu'en fait, quand je joue un perso, ben, j'arrive à m'intégrer dans le perso, en fait. Moi, j'ai plus d'empathie pour un personnage que je vois, tu vois, par contre. Tu vois, quand on joue, quand on fait les let's play Yakuza, par exemple, j'ai beaucoup plus d'empathie pour... C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de le voir, et voilà, parce que tu sais à quoi il ressemble les compagnies, mais... Ouais, mais tu développes de l'empathie, en fait. Moi, je développe beaucoup plus d'empathie, par exemple, tu vois, quand j'ai joué à Yakuza, moi, j'ai quasiment... Enfin, j'ai pas tout fait, mais j'ai quasiment tout fait à Yakuza, je crois jusqu'au 5 ou au 6. Le fait de voir le personnage, le fait de l'avoir vu évoluer aussi et tout, le fait de voir le protagoniste que tu incarnes, qui évolue, ça te fait évoluer toi aussi avec lui, et du coup tu développes une certaine empathie en fait, alors que c'est vrai qu'en première personne, c'est juste moi, j'ai pas d'empathie pour moi-même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Ben oui, c'est vrai que la troisième personne, ça renforce le côté empathie. Le côté immersif, non, le côté immersif justement. Pour la première, pour la première personne. Mais je parlais de la troisième. Ah pardon, excuse-moi, désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, je vais me sentir. Après, je joue pas beaucoup des FPS, c'est peut-être pour ça, mais je sais pas. Y a pas beaucoup de jeux auxquels j'ai pu jouer en FPS, en first person, mais j'ai plus l'habitude de jouer à la troisième personne. Et ça m'a jamais empêché de me mettre en immersion dans le truc et d'avoir l'empathie pour le perso parce que bah, je le contrôle en fait le perso. Donc je vois ce qui lui arrive et justement les cinématiques renforcent l'empathie en fait quand tu joues un perso que tu vois en fait. Oui, ah, je comprends, ouais, je comprends. Moi, l'immersion elle y est parce que bah, si le jeu me plaît, je vais rentrer dedans. Et je vais être dedans, et le fait justement d'avoir des cinématiques, ça va renforcer l'empathie. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, avec Kiryu dans Yakuza 0, des trucs comme ça, bah, bien sûr. Forcément, ça va renforcer l'empathie pour le perso. Mais honnêtement, ça va pas bloquer l'empathie. L'immersion, je l'ai quand même dans Yakuza, hein, parce que ben, je contrôle Kiryu. Oui, puis tu t'investis en plus, bien sûr. Je m'investis, je fais les actions qu'il fait. Si jamais il se fait repérer, ben, c'est comme si moi, je m'étais fait repérer, donc du coup, je dois recommencer. Donc, moi, je n'ai pas forcément besoin d'être à la première personne pour être vraiment en immersion. En fait. Après, je suis peut-être trop bon public, on va dire. Ah non, mais c'est pas ça. Non, mais justement, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a une différence. En fait, c'est pas ça, mon poulet. C'est en fait, moi, le raisonnement que... En fait, le raisonnement... La sensation que j'ai quand je joue à un FPS, d'autant plus à quelque chose comme Cyberpunk, c'est que mon immersion, elle est aussi forte... Ah, c'est pas... C'est que l'immersion que j'ai quand je joue à un jeu comme Yakuza, elle est très bonne et elle est voire même excellente parce que la narration est très bonne et elle me fait ressentir de l'empathie pour le personnage, mais que dans un jeu comme Cyberpunk 2077, je me retrouve à être moi-même, et donc j'ai pas d'empathie pour moi-même, parce que c'est simplement moi, donc j'ai une attention différente à moi-même, et du coup c'est vrai que ça me permet de me projeter d'une manière beaucoup plus systémique, c'est beaucoup plus organique plutôt que systémique, dans le fait de ce que le personnage va ressentir. Au début tu crées bien ton perso, tu crées bien les caractéristiques, donc du coup tu sais que c'est pas forcément... Bah écoute, honnêtement, alors en vrai, de toi à moi, honnêtement, à un moment donné, tu l'oublies ça. Ah ouais? Honnêtement, enfin moi, patato, je sais pas pour toi. C'est le moment où je crée mon perso,
où je crée le perso, je choisis les caractéristiques ou quoi. Je sais que le perso, même si je me dis que c'est moi qui l'incarne, bah, je sais que c'est un perso que j'ai créé. Donc du coup, j'aurai toujours l'immersion parce que je me dis toujours, ouais, je suis dans le monde, c'est moi qui le contrôle et tout. Mais j'arrive toujours à me dire, c'est le perso que j'ai fait. Donc je sais à quoi il ressemble, mais... En fait, le truc, tu sais à quoi il ressemble au début, mais en fait, il y a tellement d'améliorations à avoir qu'à un moment donné, le personnage, il ressemble plus trop à ce qu'il était au début, quoi, en fait, c'est ça le truc. Ok. Et, Patato, je sais pas pour toi comment ça se déroule, justement, cette sensation d'immersion. Pour moi, l'immersion dans Cyberpunk. Ouais, l'immersion et la différenciation en général, que tu fais, ouais, tu sais, de manière globale, donc dans Cyberpunk, donc par rapport au fait que ce soit un RPG en FPS, et par rapport à d'autres jeux justement qui sont des FPS, des TPS et ou que ce soit un RPG ou quoi et où justement en fait tu vois ton avatar. À savoir que moi j'ai joué quasiment, jusqu'à ce que j'arrive sur PC, je jouais que des FPS. Ok. Donc j'adore les FPS. Ça me pose pas de problème d'immersion à ce niveau-là. Mm-hmm. Et à part les quelques rares FPS, j'ai pas de problème avec ça. Lesquels par exemple? J'ai plus les noms. Ok, nice. Je sais que Battlefront en FPS, c'est invivable pour moi. D'accord. Qu'est-ce qui te gêne? L'arme. Elle est trop grosse. Ok, d'accord. Comme Overwatch en fait. Bah, ok, c'est d'accord. Juste un problème bien spécifique. Mais c'est pareil, j'adore les TPS. L'immersion en TPS est fondamentalement différente. Pour ça que j'adore jouer aussi. Après, c'est. Mais l'immersion dans Cyberpunk, elle est. J'ai pas de problème avec elle, justement du fait que. Comment expliquer ça? Je sais pas l'expliquer, mais j'adore l'immersion que... Déjà, c'est les jeux de lumière, machin, etc. Le fait que l'histoire suit à peu près son cours. Mm-hmm. Classiquement, et que tu pourras faire ce que tu veux, ça changera rien du tout. Et c'est obligé que t'aies que ce qui t'arrive, c'est obligé. Oui. C'est triste, mais obligé. Mais l'immersion dans Cyberpunk... Je me répète beaucoup, mais je sais toujours pas quoi dire à propos de ça. On va dire que ça me pose une colle, ça. Ah bah c'est pas grave, écoute. C'est bien de justement de pouvoir réfléchir à une question auxquelles on n'a pas réfléchi auparavant. Mais après, c'est spécifique parce que moi, l'immersion, elle me pose aucun problème parce que justement, je joue avec le mode qui augmentait, enfin qui améliorait la vue à la première personne. Ok, d'accord. Du coup, je voyais mon buste, je voyais les vêtements que je portais, machin, etc. D'accord, ok. Et tu l'as fait comme ça le jeu dès le début? Non. Non. J'ai fait mes trois parties. J'ai fait mes trois parties, puis ensuite j'ai mis les modes. Ok, d'accord. Mais que ce soit dans les trois parties ou avec ou sans mode, ça me dérangeait pas l'immersion ne me tiltait pas plus que ça, même si avec des modes, l'immersion elle est vachement cool. Moi, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a un côté narratif qui est extrêmement important en fait. D'avoir et qui rentre en compte avec le gameplay, en fait, c'est ça le truc. Attends. Parce que pour rebondir sur ça, par exemple, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a juste pas l'habitude de voir de la première personne dans un RPG, en fait, parce que c'est très rare. Moi, personnellement, demain, on me sort un Zelda où je contrôle Link en première personne, ça va me perturber, vraiment. Pareil pour un Assassin's Creed ou même pour un Yakuza, ça serait trop bizarre en fait. Oui. Pour moi, un RPG, c'est troisième personne, on a besoin de voir le perso en fait. C'est perso qu'on contrôle, donc on en a vraiment besoin. Donc ça peut être très déstabilisant d'être dans un RPG et en première personne. Donc oui, je peux comprendre que c'est un choix qu'ils ont fait en fait qui est audacieux. C'est déstabilisant au départ. Hein. Moi déjà j'aime pas les Zelda, alors me faire un Zelda en FPS, jamais de la vie j'y touche. C'est pas grave. Ben oui, c'est pour ça que, après en vrai, avoir vraiment ce que ça vaut, tu vois. Ouais, avoir ce que ça vaut, mais... Vraiment, mais honnêtement, moi personnellement ça me donnerait pas envie, quoi. C'est comme demain un Pokémon à la première personne tout le temps, ça serait trop bizarre en fait.
t'as la première personne en combat, mais c'est très bien en combat, parce que t'es en combat. Mais en jeu tout court, c'est trop bizarre. Donc là, tu trouves que du coup, ce choix-là de CD Projekt, en fait, de faire un jeu, un RPG, uniquement à la première personne, tu trouves que c'est un choix bizarre, du coup. C'est ce que tu es en train de nous dire, grosso modo. Je dirais pas forcément, parce que finalement, ça a bien l'air de bien marcher. Moi, j'ai pas joué au jeu, donc je peux pas avoir un avis, on va dire, vraiment objectif sur le truc. Ça a l'air de bien marcher, mais je pense qu'ils auraient dû faire, en fait, la possibilité de switcher entre les deux, en fait. Comme sur Skyrim, par exemple. Où tu peux passer de la première à la troisième personne juste en une pression de joystick, quoi. Ouais, mais du coup, tu gâches la sensation de narration qu'ils ont voulu donner. Ben, parce que moi, pour moi, c'est pas non plus obligatoire d'être à la première personne pour avoir une immersion totale en narration, quoi. D'accord. Moi, j'adore les RPG, mais même en troisième personne. J'arrive à être en immersion dans la narration sans souci, quoi. Oui. Après, c'est peut-être parce que je suis comme ça, hein, moi, ça me dérange pas plus que ça, en fait. D'accord. C'est juste qu'après, j'ai pas l'habitude, parce que la majorité des RPG, bah, c'est à la troisième personne. Alors demain, on se retrouve en première personne dans un RPG. Tout à comme fait. Comme Cyberpunk, bah, c'est sûr qu'au premier abord, ça peut être perturbant. Après, c'est aussi une question d'habitude et il faut s'habituer. On peut, je pense, très bien s'y habituer et apprécier. Mais moi, RPG, quelque part, j'ai besoin de voir mon perso. Un RPG, j'ai besoin de voir mon perso, en fait. Ça va me déstabiliser si je le vois pas, en fait. Vraiment. À quel titre tu penses que tu as besoin de le voir? Bah, parce que je pense que c'est parce que j'ai l'habitude de tous les RPG auxquels j'ai joué ou auxquels je joue, en fait, ouais. Je vois mon perso, en fait. Je pense que c'est parce que mon cerveau, il est entre guillemets programmé comme ça. Et que oui. Comme j'ai toujours vu ça, en fait, pour moi, c'est normal. Et du coup, quand ça change, ben, ça paraît bizarre, quoi. Même si demain, FF10, ils le refont une nouvelle version en première personne, je trouve ça bizarre parce que ben, je m'identifie déjà assez à Tidus pour quand il est à la troisième personne. Donc, j'ai pas besoin qu'il soit à la première personne pour que je m'identifie encore plus à lui, quoi. Oui, c'est justement, en fait, cette différence-là, c'est pas pour s'identifier encore plus. C'est pour que ça soit toi qui vives l'expérience, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, pour pas avoir une certaine barrière qui est mise par rapport au fait qu'il y ait un avatar, en fait. Je sais pas. C'est chaud, hein. C'est dur, hein. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, la première personne pour l'immersion, elle n'est pas forcément obligatoire, quoi. D'accord. Encore une fois, c'est un exemple assez vieux, mais on prend Skyrim, c'est un perso que tu crées de toutes pièces, c'est toi, le perso, et la troisième personne marche très bien, en fait. La troisième personne marche très bien. On est tout à fait d'accord, je te dis, tu vois, on prend encore l'exemple de Zelda, ça fonctionne très bien aussi. Et encore, Zelda, ça fonctionne bien aussi, mais Zelda, c'est pas toi, c'est Link, donc c'est un perso de l'univers, c'est pas... Non, c'est vrai. Mais techniquement, dans Zelda, c'est pas toi, en fait. C'est vraiment un perso de l'univers que tu incarnes. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que ça marche aussi. Mais tu vois, demain, tu me sors un Yakuza à la première personne. Je sais pas, tu nous fais un Yakuza 0 remasterisé avec Kiryu à la première personne, tout le temps, je trouverais ça déstabilisant. Non. Ça voilà. Serait déstabilisant parce qu'en fait, justement, on ne joue. Parce que déjà, c'est pas un FPS. Salut Tech32. Comment vas-tu? Bah écoute, ici, ça va super bien. On est en train de débattre sur des questions multiples et variées au sujet de Cyberpunk 2077. N'hésite pas à poser tes questions. On essaie de répondre à ça. On est 3 ou 4. Mafix! Comment ça va, mon poulet? J'espère que tu vas bien. Et que ce début de semaine s'est bien passé aussi. Donc, Ted DJ 32, n'hésite pas à poser tes questions. Si tu as des questions spécifiques auxquelles tu penses que nous pourrions répondre, ou simplement pour nous faire débattre et pour continuer à nous faire débattre, on est 3 ou peut-être 4 à l'intérieur du Discord. Donc, n'hésite pas du tout, bien au contraire. Je t'ai coupé, Joe, je t'en prie, continue. Je sais plus. Tu parlais de Link par rapport au fait que Link c'était un peu différent. La Link, c'est un peu différent parce que, encore une fois, c'est un personnage qui est déjà dans l'univers, en fait. À la limite, tu vois, si tu avais un nouveau Zelda où tu étais le compagnon de Link et que
tu l'accompagnais, tu le suivais, tu vois. Là, ce serait peut-être différent, ce serait peut-être nécessaire qu'il y ait la première personne et ça serait plus justifié. Mm-hmm. Tu ne joues pas Link, justement, tu changes la formule, tu ne joues pas Link, tu joues le compagnon de Link, en fait, et tu es à ses côtés, en fait. Là, ça pourrait être justifié totalement d'être à la première personne parce que, justement, c'est pas un personnage qui existe déjà dans l'histoire, c'est toi, en fait, qui est dans le jeu. Mais en vrai, même la troisième personne, ça me dérangerait pas, encore une fois, parce que je suis habitué à la troisième personne pour... Pour moi, ça va faire très con ce que je vais dire, mais pour moi, les jeux à la première personne, c'est uniquement les jeux de tir, en fait. Ouais, c'est souvent ça. Uniquement les jeux de tir, en fait. Ça va être du Overwatch, Call of, du Battlefield, des jeux comme ça, en fait. Ouais, du CS et compagnie, quoi. C'est ça, en fait. Parce que même Assassin's Creed, où t'es un perso que... Même si t'incarnes le perso, t'es rentres dans une machine et compagnie, donc... C'est pas la troisième personne n'est pas dérangeante pour l'immersion, je trouve. Ok. Et honnêtement, moi, pour moi, si tu veux, la troisième personne, elle me fait simplement vivre une histoire. Elle me fait pas incarner l'histoire. Quand tu joues à Skyrim, que tu joues ton perso que t'as créé de toutes pièces au tout début, t'as sélectionné ton perso, t'as sélectionné tous ses traits de caractère, tous ces détails. Ah, Pico, attends deux secondes. Pico, je suis d'accord avec toi. Un jeu où on incarne Navi, ça pourrait être complètement fou. Ouais. Un Zelda, un nouveau Zelda où on incarne. Ce ne serait pas un Zelda, ce serait un Navi-like, un Navi-game, ça serait super cool. Oui, je t'en prie, Joe. La première personne, ça peut être un plus, mais pour moi, la plupart des jeux auxquels j'ai joué, les FPS, c'est. Des jeux de tir. Ouais. Ouais, c'est plus un jeu d'action, quoi. Dans ma tête, c'est FPS, c'est assimilé à jeu de tir. C'est juste un jeu d'action. Dans un RPG, ça va me perturber, vraiment. C'est ça, c'est juste un jeu d'action. Ouais. On a Muffings qui nous dit ça va très bien. Oui, ça va. Et d'ailleurs, Breath of the Wild a failli être un jeu à la première personne, et je ne sais plus pourquoi ils ont choisi la troisième. Alors, en fait, ils ont fait, au début du développement, ils ont imaginé le fait de pouvoir faire le jeu à la première personne. Ils se sont vite ravisés parce qu'en fait, le jeu n'était pas développé pour être sur la Switch, il est développé pour être sur la Wii U, avec la tablette Sheikah, avec le Wii U Gamepad, du coup, et ça permettait en fait d'avoir quelque chose de vraiment intéressant à jouer, donc cette dissociation du gameplay en fait, et le fait d'utiliser la tablette plus l'écran. Tout simplement parce que la Wii U, elle pouvait pas faire mieux que ce qui était proposé à la troisième personne pour jouer à Breath of the Wild. En fait, c'est tout aussi con et tout aussi simple que ça. C'est un problème de ressources, et c'est con parce que quand on voit que la Wii U, elle est bien plus puissante que la Switch, c'est vraiment dommage de pas avoir capitalisé encore un peu plus sur cette console-là, mais bon. Mauvais marketing, beaucoup de mauvaises choses. Donc du coup, voilà, c'est entre autres, je fais une supposition pour ça, que c'est sorti, encore une fois, à la troisième personne, et c'est très bien comme ça, parce qu'effectivement, donc c'est ce que Joe était en train, vous l'avez entendu, de développer comme propos, c'est beaucoup plus intéressant de jouer Link, parce que nous ne voulons pas incarner Link, parce qu'on sait qu'on ne sera jamais Link, en fait. Donc de l'incarner, c'est cool, mais de le jouer... c'est mieux. Et je pense qu'il a raison sur le fait que c'est ultra déstabilisant de jouer à un jeu comme ça, qui est un jeu de tir hein, aussi, mon poulet, hein, quand même, c'est un RPG d'action, mais c'est vrai que c'est ultra déstabilisant au début. Moi, je sais qu'il m'a bien fallu bien 4-5 heures pour pouvoir me dire ça bouge pas pareil qu'un jeu d'action, c'est un peu moins fluide, c'est un peu plus pato, mais en même temps, un jeu d'action, souvent, c'est sur des petites cartes, c'est sur des trucs ultra réduits, ultra confinés, tout ça et tout. Là, t'as une ville, t'as... Même maintenant, je pense que c'est la ville la plus incroyable qui ait jamais été faite dans un jeu vidéo ever, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que quand tu te retrouves dans Night City, bah voilà, on le voit depuis tout à l'heure, tu vois, on n'est pas passé une seule fois au même endroit depuis... Bah ça fait plus d'une heure qu'on a déjà commencé, tu vois, ça fait 1h10 qu'on a commencé.
Et il n'y a pas une seule fois où on est passé par le même lieu. Alors je suis revenu, j'ai fait des bons en avant et tout, hein, vous l'avez vu par rapport à la timeline qui est proposée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une seule fois, le mec ne revient pas une seule fois en arrière sur ses pas, et en fait il fait un walkthrough de 10 heures quoi, en fait, de 10 heures. Bon, il marche, évidemment, il court pas, mais il fait un walkthrough de 10 heures où en fait il passe pas une seule fois au même endroit, et t'es là, tu dis putain, pff, c'est ouf. Patato, on t'écoute. Un, deux, sûr. Ce que tu veux. Je t'avais pas fini mon poulet, t'avais pas fini, mais je t'en prie. Non, je rajoute un truc. À la limite, dans un futur proche, si vraiment la technologie se débloque, oui. Jouer un RPG avec un casque de simulation, là, oui. Moi, ça me poserait pas problème, tu vois. Parce que du coup, je mets un casque, je suis vraiment dans le jeu, je vois tout autour de moi. Oui. Là, ça me pose zéro problème. Même un RPG, tu vois. Un peu façon Ready Player One, quoi. Ouais, mais comme dans SAO, en fait, avec le Nerf Gear, quoi. Exactement. Là, ça me pose vraiment zéro souci, parce que ben, c'est moi, le joueur, qui met le casque et du coup, qui part dans le monde, qui me téléporte dans le monde, ou qui... Voilà. Là, ça me pose zéro souci, en fait, parce que, ben, voilà, vraiment, ça me pose zéro souci. Et même dans le cas d'un RPG, en fait, je suis sûr que dans peut-être 20 ans, on aura ça. J'espère. Qu'on aura ça, parce que ça va être incroyable. Moi je serai déjà un vieux, mais j'y jouerai. Je suis déjà un vieux. ça a un peu risqué là, mais parce que pour expliquer le propos, Mufinx, on parle depuis tout à l'heure des jeux à la première partie de Cyberpunk, un RPG à la première personne, et que moi la majorité des RPG que j'ai connus, c'est à la troisième personne. Et à part les jeux de tir, je connais pas beaucoup de jeux qui sont à la première personne. En tout cas, dans les RPG, j'en connaissais pas avant celui-là. Enfin, de jeux d'autres types qui sont à la première personne, comme Cyberpunk peut l'être, parce que c'est un FPS, mais pas d'action, c'est un FPS, c'est un RPG en guise de FPS, en fait. C'est vrai que c'est assez particulier, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit dans SAO, parce que j'ai pensé au casque de simulation. Tout à fait. Donc, avec un n'importe quel jeu avec un casque de simulation, ça me poserait pas de problème, même si demain. Il y a un Zelda en cas de simulation où on incarne Link, oui. Bah, ça ne me posera pas de problème, parce que justement il y a ce côté casque immersion, et là tu peux, voilà, ça me poserait même problème d'être à la troisième personne pour le coup. C'est logique, voilà, là ça me poserait clairement problème d'être à la troisième personne, mais à la première personne ça me poserait vraiment zéro souci, en fait, parce que ben, ça serait même logique, en fait, d'être à la première personne. Non, c'est pour ça que là je serais pas du tout perturbé, en fait, j'aurais ben, ça serait limite la normalité, en fait, si je puis dire. Alors que là, oui, effectivement, je peux trouver que c'est un pari risqué de tout faire à la première personne et de pas tenter le pari de pouvoir alterner à la troisième, même si je comprends que tu m'as expliqué sur le perso que voilà, tu le vois pas et que tu le découvres qu'à la fin. J'ai pas joué au jeu, donc je peux pas juger, on va dire, 100% objectivement. Mais parce que par rapport à ce que tu me disais, mon poulet, en fait, si tu veux, le truc qu'il y a là où tu as raison, c'est vrai que ton personnage, tu le crées au début. Mais après, tu fais une run qui dure 50 ou 60 heures, en fait. Et du coup, si tu veux, ton perso, tu as oublié à quoi il ressemble à un moment donné, quoi. À ce moment-là, on te donne pas la possibilité de créer ton perso, en fait. On te donne un perso, on va dire, random. En fait, on te donne cette possibilité parce que c'est important pour les embranchements scénaristiques que tu peux avoir par rapport aux relations amoureuses aussi que tu peux avoir. Et par rapport à d'autres choses qui se passent aussi dans le jeu. Donc on te demande de faire tout ça et c'est voulu. Ok, je vois. Parce que ça a un impact pour le développement scénaristique des embranchements, des embranchements relationnels que tu peux entreprendre avec tel ou tel type de personnage, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Sinon, c'est objectivement, c'est vrai que là, pour le coup, tu as complètement raison. C'est pas tu aurais, c'est tu as complètement raison sur le fait que, oui, en fait, ça sert à rien objectivement de nous faire faire ça si c'est pour ne pas voir le perso. Mais il y a un intérêt, justement. Moi, je te dis, tu vois, pour moi, l'intérêt principal, au début, j'étais un peu frustré de pas voir le perso. Et après, quand je suis arrivé à la fin et qu'on me montre mon personnage, je me dis, ah oui, putain, en fait, ça sert tout le récit. Et c'est là où je dis que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé le jeu à contre-coup, à rebours, en fait. C'est-à-dire que quand Cyberpunk Edgerunner est sorti sur Netflix... Edgerunner a amené beaucoup de personnes. Exactement, ouais. Ça a amené... C'est pas que ça a amené beaucoup de personnes, c'est qu'il y a eu 22 millions de joueurs au moment où Edgerunner est sorti. Donc en fait, il y a eu
pratiquement, je sais pas si c'est autant sinon, voire même plus, je pense, de joueurs qui ont découvert Cyberpunk 2077 après avoir vu Edge Runner que quand le jeu est sorti. C'est quand même assez fou, c'est quand même assez aberrant. Tant mieux, hein, tant mieux pour le jeu, moi ça me va très bien. Mais du coup, derrière, c'est vrai que quand t'as ça et tu dis putain ouais, et que j'arrive au bout des 60 heures et qu'en fait je vois mon perso, ça, tu comprends tout l'intérêt narratif de la plongée en FPS en fait. C'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable vraiment. Et tu trouves pas que ça aurait apporté un plus de pouvoir, je sais pas, peut-être à un moment de l'histoire, débloquer comme un entre guillemets un succès ou à un certain moment de l'histoire, débloquer cette troisième personne jouable? Bah non, parce que ça aurait cassé l'immersion justement. Okay. Ça aurait cassé ce côté immersif. Je sais, par exemple, c'est pour ça que les gens marronnent beaucoup sur le fait que la conduite elle soit nulle à chier, parce qu'en fait, pour que la conduite soit plus facile dans Cyberpunk 2077, il vaut mieux conduire en TPS, c'est-à-dire avec la vue de la voiture à l'arrière en fait. Encore une fois, excuse-moi, je te coupe parce que je t'en prie. Pareil, les jeux de voiture, ça me dérange moins d'y jouer à la première personne, parce que ben là t'es vraiment en immersion. Tout à fait. Si t'aimes vraiment la voiture, la conduite et compagnie, t'as pas le permis comme moi et que tu conduis jamais, ben tu peux trouver ça un peu déstabilisant. Mais même dans GTA par exemple, conduire à la première personne dans un véhicule, ah, c'est pas forcément toujours top. Hein. Ouais, c'est pas top, mais en fait, si tu veux, c'est le gameplay, il est quand même là. Tu sais, le gameplay, il est quand même ultra bien foutu dans GTA par exemple, ou même dans d'autres types de jeux. Alors que là, c'est vrai que en première personne dans la bagnole, c'est ultra compliqué. Oui, non, mais meuf, en fait, le truc, si tu veux, c'est. Tu as raison, si tu veux, on dit sinon il y a des modes et tout à troisième personne. C'est ce que Patato, il nous disait tout à l'heure. Je te reprends de suite, un Patato, c'est promis. Mais c'est vrai que c'est ce que Patato, il nous dit depuis tout à l'heure. Voilà, j'ai eu un mode pour ceci, un mode pour cela et tout. Mais c'est vrai que quand tu prends le jeu, entre guillemets, brut, donc sans mode, sans tout ça pour changer le jeu, en fait, quand tu joues au jeu à la troisième personne, mais en fait, ça change vraiment. En fait, ça change vraiment beaucoup de choses dans l'intérêt narratif de celui-ci. Je dis pas que le jeu n'est pas le même, mais l'immersion est forcément différente, en fait. Parce que le fait de voir ton personnage, ça met une barrière, quoi. C'est pas une barrière, t'sais, incommensurable. Je veux dire, enfin, moi, ça m'a pas gêné de faire une run avec un mode pendant, t'sais, une run de 10-15 heures, histoire de jouer un peu à troisième personne, tout ça et tout, pour pouvoir voir le jeu sous un autre angle. Mais c'était une fois que je l'avais fini. Et du coup, mon intérêt pour la découverte scénaristique et narrative, elle était forcément amoindrie, parce que j'avais déjà fait le jeu, en fait. Mais du coup, j'étais pas aussi impliqué que pendant peut-être ma deuxième, ou ma troisième, ou ma quatrième run. Enfin, mais c'est pas des runs complètes que je fais, c'est plutôt ma quatrième lancée dans le jeu, ma quatrième save, pour me dire voilà, c'est un autre perso. Mais en fait, là, c'est vrai que le fait de voir le perso, du coup, je suis moins investi, en fait. C'est fou, hein. Ouais, je vois. C'est vraiment, je te jure, c'est peut-être un biais cognitif, hein, peut-être que je me laisse avoir par ça, mais c'est fou. Complètement fou. Joe, mon poulet, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter là-dessus? Dans l'instant. Pour l'instant, non. On repasse sur Monsieur Patato, il y avait plein d'autres trucs à nous dire. On a le temps. Plein de trucs à dire. Let's go, je t'écoute. Mais est-ce que tu avais à nous dire? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit j'ai des trucs à noter et tout, je vais te les dire et tout. Bah vas-y, hein, c'est l'occasion. Ah ouais, non, mais j'avais noté plein de trucs, mais la transition sera pas fluide, quoi. On en a rien à cirer. Très bien. Du coup, je voulais parler du cyberware, en fait. Allez, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Dommage qu'il n'y ait pas Marie, hein. Franchement, c'est trop con, parce que là, franchement, ça aurait été vraiment génial d'avoir ça en plus. Elle n'a pas grand-chose à dire, c'est ce qu'elle a dit. Ah, d'accord. Bon, bah, écoute, dommage. Elle est là, elle est mute, elle écoute. Oui, j'ai vu qu'elle était mute, mais c'est pas grave, écoute. Mais cyberware, en fait, allez, let's go, on t'écoute. Quand je dis cyberware, ça concerne bon, à la fois les modifications cybernétiques que tu peux avoir tout du long du jeu. Donc bragorille, la mantis, monocable, mais aussi au niveau de, tu sais, quand tu commences le jeu, tu peux modifier les implants que tu as au visage. Mm-hmm. Juste ça, en fait. Je trouve ça absolument et horriblement dommage qu'il faut avoir un mode pour pouvoir modifier encore plus son corps. D'accord, ok. Bah, je te prends l'exemple de Arasaka Cyber Arm ou Arasaka Cyber Body. C'est des modes qui modifient l'apparence de ton personnage pour lui donner un truc qui collerait plus à ce que tu modifies à ce que t'as fait à ton personnage, par exemple. Genre, imaginons, tu mets des bras gorilles, tes bras, ils ont juste des traits sur le corps et t'as des points américains sur les doigts. Tout à fait, oui. Ou à part quand tu fais la divination de charge de coups
ou quand tu fais des actions spécifiques, tu vois que ton bras il est mécanique à l'intérieur. Mais tu le vois pas souvent. Pareil pour le visage, machin, etc. Alors que ces modes-là, tu vois, justement, Arasaka Cyberarm, tes bras, pour le coup, ils sont vraiment changés. C'est même plus les mêmes bras, c'est des bras différents. Mm-hmm. Tu peux mettre des bras à la Silver End, etc. Mm-hmm. Et pareil pour Arasaka Cyberbody, tu vois. T'es, t'as... Je sais pas si tu vois quoi ça... En gros, c'est un mode qui modifie complètement l'apparence de ton corps en te mettant des câbles, enfin des, bah, une apparence plus cybernétique, justement. Okay. Ce qui collerait au personnage de V à la fin du jeu où t'as juste tous tes slots qui sont utilisés. Clairement. Où c'est horrible. Et du coup, je reviens au... C'est ça que je trouve dommage, c'est que niveau personnalisation du matériel cybernétique, t'es pas ouf. Hein. Alors, hors mode, évidemment. Après, hors mode. Voilà, encore une fois, hors mode. Parce que tu mets des modes, tu peux ressembler à des trucs stylés. En plus, quand tu joues un personnage féminin, t'es gâté au niveau des modes pour les vêtements, donc tu peux faire des trucs vraiment stylés. Oui. Alors que, franchement, la commu, le personnage masculin, il se fait un peu douiller. Hein, Et du coup, c'est ça que je trouve dommage. Bon, c'est que mon avis, encore une fois, moi. Non, mais c'est mais tu es là pour ça, justement, donc fais-toi, je te dis, ensuite, c'est pour ça, fais-toi plaisir. Hein. Je reviens sur les lames mantis monocab, le launcher et les bras gorilles. Mm-hmm. Il y en a quatre, donc je ne les ai pas oubliés. Je trouve qu'il manque justement de punch, on va dire. Ça tombe bien. Alors, dans ouais, le sens où... Ouais, c'est clair, ça tombe bien, c'est plutôt le cas de le dire, ouais, c'est clair. Dans le sens où, tu vois, par exemple, t'as un lance-grenade dans le bras, tu peux même pas one-shot un ennemi. C'est, enfin, c'est tout le problème c'est du... Alors, je reprends la main, rare, je te la rends juste après. Oui, c'est tout le problème de ce jeu, pour moi, et justement, tu vois, on en revient où ça a cassé l'immersion, c'est qu'en fait, c'est un RPG. Et donc... Tu mets une balle dans la tête à quelqu'un, il meurt pas parce que le gars c'est un sac à PV et il a des PV à perdre. Et du coup t'es obligé de mettre 3 balles dans la tête d'un mec pour qu'il puisse mourir. Ça dépend. Bah la majorité du temps c'est comme ça quoi. Oui, la majorité du temps c'est comme ça. Mais après tu vois, tu peux avoir... il y a l'excuse de genre il a un crâne blindé. Ils ont pas tous des crânes blindés, tu vois. Il a un cœur secondaire. Ouais, mais ils ont pas tous des crânes blindés et tout. Tu vois, enfin moi j'ai fait un vrai bain de sang à l'intérieur de ce jeu. Et tous ceux que j'ai flingués, que j'ai essayé de tirer à coups de balle dans la tête, tout ça et tout, ils étaient là, ça prenait au moins 3-4 balles. Tu vois, t'es là, tu dis, bah ouais, mais je comprends qu'il y ait. C'est des sacs à PV. Et ça, par contre, tu vois, alors pour le coup, on y revient du coup. Et en fait, c'est marrant, tu vois, parce qu'en fait, ça rejoint ce qu'on disait auparavant. Parce que là où t'as complètement raison, c'est qu'en fait, c'est vrai que t'es là et tu dis, putain, ouais, j'ai les bras où je peux tirer des grenades. Et en fait, le gars, il est pas. Il meurt pas alors qu'il se prend une grenade dans le cul, quoi, en fait, c'est pas logique. Mais il a des PV à perdre. Et donc, si ta grenade, elle fait 200 et que lui, il a 300, bah, du coup, il manque 100, quoi. C'est un RPG. C'est après, la logique du RPG, quoi. C'est ça, en plus. Après, encore une fois, t'as un mode qui modifie les stats de ton lance-grenade pour juste faire une bombe nucléaire. Et ouais, mais encore... encore une fois, on en revient en mode. Je l'avais vu, mais encore une fois... On en revient en mode. On s'entend, tu vois, moi, c'est vraiment pour jouer, pour vraiment, tu sais, prendre le jeu tel quel, de manière brute, et hors mode, et t'es là, tu dis, putain, mais ouais, en fait, c'est trop bien. En vrai, c'est génial, mais c'est dommage, parce que, putain de merde, en fait, s'ils auraient dû faire un système de logique où, ben ouais, tu te prends une grenade dans la tête, tu meurs, tu prends une grenade, tu meurs, tu prends une balle dans la tête, tu meurs, tu prends... Mais ça peut pas être prévu, parce qu'en fait, c'est tellement particulier à coder ce genre de truc, que c'est pas possible, en fait, c'est même incodable, en fait, parce que ben, ta balle, elle est censée faire 75 de dégâts, si t'as 200 PV, eh ben ça prend 4 balles. Et du coup, qu'elle soit dans la tête, qu'elle soit dans la jambe et tout, alors peut-être qu'ils auraient pu faire un système de localisation des dégâts. Mais bon, t'imagines un peu le bordel dans une ville comme ça. Il y a la localisation des dégâts. Oui, tu fais un peu plus de dégâts quand tu tires à la tête, mais enfin bon, voilà, 4 balles dans la tête, c'est pas logique. Non, quand tu tires au fusil à pompe, tu démembres. Ça y est, c'est la localisation de dégâts. Mais après, voilà, tu vois, il meurt pas quand même, tu vois, quand t'enlèves des bras, des trucs comme ça et tout, il meurt pas quand même, quoi. Donc, tu vois, c'est ça, tu sais, quand je dis la localisation des dégâts, tu sais, ça veut dire qu'en fait, t'aurais tiré dans la tête, ça faisait, tu sais, c'était un OS direct, par exemple. Bah, c'est des dégâts critiques. Et c'est, moi, je trouve que c'est dommage. Mais pour ça, c'est les bonus des armes qui jouent. Ouais, c'est vrai, ouais. Après, bon, les bras gorilles, j'ai pas grand chose à dire, même si je trouve que pour le coup, vraiment, ça manque vraiment beaucoup de punch. T'as l'impression de donner des coups de poing dans un sac.
C'est vrai. Bon, pour le coup, c'est des sacs à PV, mais c'est terrifiant quand tu joues. J'ai pas joué au Bragory, ça m'a saoulé. À part pour faire les combats de boxe. Pour faire les combats de boxe, ouais. C'est le seul truc intéressant, et tu mets 100 Devistan et c'est tout. Les monocables qui sont très très forts pour le coup, parce que c'est le meilleur implant qu'il puisse avoir au bras au niveau des DPS. Très juste. Sauf que encore une fois, ça manque. Genre, je prends l'exemple de c'est Edge Runner. Mmh. Encore une fois. Dans Edge Runner, tu vois que Lucie avec ses monocables, elle coupe des bras. D'un coup. Nous, on est obligé de fouetter l'ennemi pendant 20 minutes. On est obligé de le fouetter parce que c'est le jeu. Ouais, c'est le jeu, encore une fois. Et on est prisonnier du système. Ouais. Et en fait, c'est ça, on est prisonnier du système de jeu, quoi, en fait. Et je reviens, ensuite, tu parles des lames mantis. Ah, c'est quel pied, les lames mantis. Qu'est-ce que c'est kiffant de jouer les lames mantis. Ouais, c'est fou, franchement, ouais. Même si, comme le reste, ça manque un peu de punch, c'est normal. Par contre, j'avais pas trouvé, tu vois, pour le coup. Ça manque un peu de punch parce que justement, t'as pas l'impression que ça fait mal. Tu as raison. Ça va. Par contre, tu sens que ça fait des dégâts avec rien qu'avec la vitesse d'attaque et que le sang qui t'arrive à la gueule. Ouais, quand ouais. Mais tu trouves, je trouve personnellement que dans ce qui reste du corps, ça manque des dégâts. Après, c'était avant la mise à jour 2.0. J'ai pas touché le jeu depuis, donc. C'est une très bonne surprise parce que avant la mise à jour 2.0, il y avait un mode où c'était, il me semble le nom, c'était Takedown Overall ou un truc comme ça. Ça rajoutait des éliminations. Quand pour ton ennemi, il avait plus de vie ou pour faire des éliminations discrètes. Les lamentis, ça avait déjà de base, mais ça en rajoutait pour les monocables, le katana et les couteaux. Et ça rajoutait des éliminations à la fin quand l'ennemi avait plus de vie. Avec tous les coups de katana et couteau lamentis monocable. Mise à jour 2.0, ce mode, il ne sert plus à rien, il y a déjà les éliminations, mais c'est dommage qu'il ait fallu attendre autant de temps pour l'avoir de base dans le jeu. Tout à fait. Des éliminations. Alors que tu vois, c'est certes compliqué à coder, mais c'est marrant, tu vois. Enfin, après, c'est compliqué à coder, mais c'est leur jeu à eux, tu vois, donc c'est leur problème à eux. Mais dis-toi que c'est un mec. Un modeur qui a fait ça dans son coin et le jeu pour ajouter ça au jeu et ensuite le jeu il a rajouté beaucoup de temps après tu vois oui. Il a fallu attendre la mise à jour 2.0, c'est pas un problème, ça a fini par arriver comme la police, comme le système de police, il y avait un mode déjà pour avoir la police qui te coursait, oui c'était police overall comme d'habitude, c'est overall, il est dans tous les modes qui rajoutent des trucs normal. Mais il n'y avait pas la max stack. La max stack, c'était trop cool. Oh, la max stack, la max stack, c'est incroyable. Mais elle spawnait d'un coup. Là, dans la mise à jour 2.0. Mais la max stack, elle spawnait d'un coup ou elle était là plutôt quand t'avais ton. Elle spawnait d'un coup. Tu sais, ton espèce de cinquième niveau, c'est ça, hein, ouais. Et elle spawnait d'un coup, ils étaient pleins. Plein. Il y en avait partout. Bah, maintenant, mise à jour 2.0, ça a été refait sans trop te spoiler ou tu veux que je te le dise. Non, mais vas-y. Quand tu arrives à tes 5 étoiles, la police elle est encore là, elle disparaît pas, alors que dans le jeu de avant la mise à jour 2.0, la police disparaissait et la max stack venait. Donc il n'y avait plus de police. Là, la police elle vient, ensuite elle poursuit, ils sont à moto, à pied et il y a des patrouilles. C'est trop cool, ça rajoute une immersion de dingue. D'accord. Et en plus, tu peux faire des trucs stylés, genre, avant que je désinstalle le jeu que je le réinstalle il y a 20 minutes, il s'est réinstallé. Maintenant, quand tu te fais poursuivre par la police, tu peux te cacher. Tu te mets en voiture dans une zone d'ombre où la police ne peut pas trop te voir, même si elle peut te voir. Mais tu te poses là et la police, elle passe devant toi et t'es en mode je suis caché. D'accord, ok, c'est plutôt cool ça. Ça m'est arrivé une fois, mais c'est très stylé quand ça t'arrive. Tu vois la police passer devant toi et elle te voit pas. Ça se trouve, c'était un bug, j'en sais rien. Mais pareil, t'as la police qui est à moto, t'as les qui sont à pied, qui font des patrouilles, machin, etc. Ça rajoute de la vie. Au jeu. Ouais, ça donne un côté, justement, ce côté immersion dont on... Mais tu vois, c'est de ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait. Elle a été refaite, l'immersion. Ensuite, la max stack, quand tu arrives à 5 étoiles, sauf, je crois, à Dockton, mais ça, c'est le DLC, donc t'as dit qu'on en reparlera plus tard. J'ai pas trop testé dans la ville. Mais je sais que dans la ville, le peu de fois où j'ai appelé, où la max stack est venue me chercher, la police disparaissait et c'est une navie de la max stack
qui arrivent, qui se posent, ils sont 5 avec tous des PV de boss. Putain, c'est incroyable. Et ils, ils ont un équipement de fou ils, et tout. Ils ont des équipements de fou. Ils ont la même barre de vie que Smasher, mais en ouais, fois ouais, 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 ouais. La max sac est incroyable. Ils sont ultra, ouais, ils sont ultra vénères et tout tu en plus, c'est tuer, ça. Mais quand tu les tues, il y a une autre max sac qui arrive tout de suite ouais, après. Ouais, ouais. Ah, et là, du coup, dans ces conditions-là, tu dois faire quoi quand t'es in-game? Tu dois fuir ou tu dois les affronter? Bah, tu peux les affronter. C'est marrant, les affronter. Ça te rajoute un vrai défi. C'est compliqué de fuir parce que, pour le coup, ils te poursuivent de ouf. Et si tu fais spawn la meuf avec les lamantis, elle te poursuit jusqu'à... Elle a une vitesse de déplacement qui est absurdément élevée. Ouais, ouais. Du coup, elle te poursuit de ouf. Mais tu peux te cacher. D'accord, ok. Tu peux te barrer, elle met du temps à disparaître, mais tu peux te cacher. Je sais que dans les Badlands, la max stack, je l'ai fait qu'une fois, mais la max stack ne venait pas. Ah, c'est trop loin, ça ne les intéresse pas. Ça. Et dans Dogtown, elle est venue, mais c'est le DLC, encore une fois. Bref, la max stack, je crois, c'est vachement cool. Ils apparaissent 5, par un groupe de 5, comme dans l'anime. Ils sont ouais, 5. Comme dans l'anime, ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et ils arrivent dans une navie exactement comme dans l'anime, ouais. Avec le sound design, le même sound design qui est magnifique. Normal. Dans ce bruit. Et c'est trop cool. Et en plus, du coup, t'as comme Vic au début du jeu, quand il te fait ta première avec les Kiroshi. Bien sûr. Premier charcutage, il te dit qu'il a rajouté une porte dérobée au système de police quand tu analyses. Tout à fait. On ne parle pas du système de... Il n'a pas dit qu'il avait rajouté une porte dérobée à la radio de la police. Mais tu as accès à la radio de la police. Ce qui était de base dans le jeu, mais tu vois, ça rajoute du réalisme. Sachant que là, ils ont des vrais dialogues, tu vois. Ouais, entre... ouais, ouais. Ouais, y a un vrai échange. C'est quelque chose de construit, quoi. Narrativement, c'est plus poussé, quoi. Quand il y a Maxac qui arrive, tu vois, la Maxac parle en plus. Cool. Ok. Il te parle à toi ou il parle entre eux? Non, je crois qu'il parle entre eux et à toi. D'accord. Quoi d'autre aussi je sais pas si tu as fait ce petit événement, donc c'est une mission secondaire. Dans le centre-ville, je crois, il y a une boutique de vêtements corpo. Alors moi j'ai tout fait en 2020, mec, hein, donc... mais moi aussi ça date un peu là. Quand c'est sorti en 2020, j'y suis pas revenu, enfin j'ai fait quelques trucs comme ça, mais j'ai jamais refait le jeu en entier. Vous pouvez me dire si je me trompe, hein, de toute façon dans le chat. Vas-y, vas-y. Dans une boutique, tu sors et tu attends une journée, tu reviens, il y a un événement qui se déclenche là-bas où t'as un cyberpsycho qui vient dans la boutique et ça me dit quelque chose, ça. Qui tue les gardes, machin, etc. Tu peux tuer le cyberpsycho ou temporiser, la Maxac vient et tu as la madame du trailer initial avec les lamantis qui débarque, qui est pas complètement soignée mais qui est soignée quand même un peu quand même. Et je sais pas si t'es dans avant la 2.0. Mais je sais que j'ai appris ça il n'y a pas trop longtemps. Dans la 2.0, tu peux l'affronter en... Tu peux la tuer et récupérer ses lamantis. D'accord. Et je crois qu'elles ont des stats différentes. Ah ouais, c'est ce que j'allais te demander. Elle a des stats spécifiques? Elle a quelque chose de particulier? Oui, parce qu'en fait, justement, dans un dialogue où tu parles avec la... Tu peux parler avec cette dame. Okay. Et en fait, ces lamantis-là, elles avaient un bug. Elles faisaient perdre le contrôle un peu. Elles rendaient les gens fous. Mais par contre, elles tranchaient tout ce qui bougeait. Ok, d'accord. Je crois que c'était ça le dialogue. Donc c'est vraiment un équipement de fou, quoi. Mais ça donne des mantis légendaires. Je sais que plus tard dans le jeu, tu peux les avoir en version iconique. Mais ça, par contre, je sais pas du tout. Et je sais que par contre, pour les avoir en version iconique, c'est dans le DLC. Je n'ai pas été jusque-là. Mais tu peux l'affronter dès le début du jeu. Tu peux te faire soulever. Et pas de soucis, parce qu'en plus, déjà, ils sont 5 dans la boutique. Ok. Et en plus, il y a la police dehors et il y a des mechas. Bisous le meuf. Passe une bonne nuit, mon grand. Je comprends que tu sois crevé, c'est normal. Ouais, rien que le fait de rajouter j'aurais aimé aussi qu'il y ait la traumatime. Alors après, la traumatime, c'est plus complexe, mais tu vois, par exemple, tu la vois de temps en temps dans la ville. Voilà, ce que j'allais dire, elle apparaît de temps en temps quand même, on la voit de temps en temps, ouais. De manière assez régulière en fait. Ouais, mais c'est que au sol avec. Avec des gens blessés. J'aurais aimé que, de façon aléatoire, dans le jeu, t'aies une navie de la traumatime qui vole au-dessus de toi. D'accord, ok. Après, ça, pareil, tu vois, ça, c'est pareil. C'est une requête personne, tu vois. C'est une allocation de ressources qui est impossible. Tu sais, là, j'ai vu beaucoup de critiques qui ont été faites sur Phantom Liberty. Phantom Liberty, c'est ça ?
Je sais même plus. Ouais, c'est ça, oui. Je suis plus là. Sur Phantom Liberty, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, le premier, je vais pas mentir, j'attendais les voitures volantes. Alors, je sais qu'il y a des modes. C'est un mode, ça ? Oui, non, mais. Ouais, non mais... C'est Let There Be Fly. Ouais, et ouais, il marche pas avec mon PC. Il marche pas sur mon PC. Parce ouais. Mais non, mais en fait, parce si tu veux. Il est ultra demandant. Tout ça, moi, en fait, si tu veux, tout ça, je comprends. Pas de soucis, aucun problème. Mais moi, je m'en fous des modes. Moi, je paye un jeu qui se place dans un univers cyberpunk. L'univers visuel qu'on voit là, qu'on a devant nous, c'est Blade Runner. Dans Blade Runner, les voitures sont volantes. Et j'en ai rien à cirer qu'il faille un mode ou un truc comme ça. Ça doit être prévu dans le jeu, en fait. Et j'aspirais à ce que ça soit dans le DLC. Et pas que ça soit... encore une fois, un énième mode qui apporte quelque chose qui naturellement aurait dû être dans le jeu. D'autant plus que si on peut le faire avec des modes, c'est bien que ça a été prévu quelque part et on le voit dès la scène d'intro du jeu, on est dans un merdier volant. On les voit là, regarde, à l'écran là, on voit des trucs qui sont en train de voler. Donc ça veut dire oui, qu'il y a bien. Oui, mais oui, mais ils y sont quand même, quoi, en fait. Donc ça veut oui, bien dire vrai. qu'il y a physiquement la possibilité d'avoir quelque chose qui vole. Dans le ciel, dans ce mais ciel, plus, dans ce en, jeu. En plus, elles ont des hitbox. Hein, des hitbox exactement. En plus, il y a des hitbox. Donc, ça sous-entend que c'est pas un sprite. C'est vraiment quelque chose qui est présent, qui est physique à l'écran. Et ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment. Pas dire que c'est un aveu d'échec, mais encore une fois, c'est vraiment le fait que. Bon, nous, on essaie des projects. On est bien cool. Regardez, le jeu est beau. On a fait un jeu de ouf avant. On fait un jeu de ouf maintenant. Un peu bugué, hein, on va pas se mentir non plus. Par exemple, là, on vient de voir une dame qui vient de se croiser elle-même. Enfin, ça, c'est un peu dommage. Mais le truc qu'il y a, c'est que les voitures volantes, les gars, c'est le propre du cyberpunk. Enfin, c'est un des propres du cyberpunk, en fait. Et je peux pas entendre que, ouais, il faut un mode. Mais ouais, mais non, quoi. J'ai pas dit qu'il fallait un mode. Oui, mais qu'il y avait un mode qui existait. Oui, tu me dis qu'il y a un mode qui existe, mais ça veut dire que c'est pas dans le jeu nativement, en fait. Si le mode qu'il y avait, il était là pour faire en sorte que la performance soit meilleure, je me dis, bon, bah d'accord. C'est mal fait, c'est dans le jeu, mais c'est dans le jeu. Là, c'est dans le jeu, mais c'est pas fait. Parce qu'il faut un mode pour pouvoir le faire, parce qu'en fait, sans mode, ça n'existe pas. Mais c'est pas assez bancal, ça, en fait, comme raisonnement. Pour moi, c'est bancal, en fait. Je trouve que ça, par contre, c'est un aveu d'échec. Il y a quelques trucs, on y viendra, je pense, la semaine prochaine, parce qu'on reviendra là-dessus. J'espère qu'il y aura Marie avec nous. On y reviendra là-dessus, parce qu'il y a des points noirs, hein, quand même. Sur moi, c'est un de mes jeux préférés, mais il y a des points noirs qui sont quand même assez prégnants, en fait. Entre autres, les voitures, mais il y a pas mal d'autres trucs. Qui sont de cet acabit. Je te rends la parole, je t'en prie. Ouais. Bah, rends-moi la parole si tu veux. Je sais plus où on en était. Ah oui, si on parlait des voitures volantes. Exactement. En fait, tu parlais de tu sais ce qui était la Max Tag, tu parlais de. De la Trauma Team aussi. Ah oui, de la Trauma Team. Ouais, non, mais je sais que c'est demandant en ressources de mettre en place une Trauma Team. Mais s'ils ont réussi à faire en sorte que la Max Stack vienne à toi, bon, c'est ça. Parce que nous, ça demande des ressources, on en a rien à foutre en fait. Ça spawn pas trop loin de toi, mais elle arrive quand même à se déplacer et à venir se poser. Exactement. Activer le son. Et oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça en fait. Parce que moi, si tu veux, en fait, le truc que ça demande des ressources, tout ça et tout, je comprends. Mais c'est pas mon problème. Moi, je joue à un jeu vidéo. Ouais. Le fait que ça demande des ressources, je suis pas programmeur. Moi, je suis pas là pour dire ah tiens, ça va demander tant de ressources. On va faire ceci, on va faire cela. Non, mais en fait, vous faites un jeu vidéo avec une charte globale, graphique et éthique pour le développement de ce que vous êtes en train de faire. Faites-le. Après, ouais. J'ai encore perdu mon fil. Par rapport la Trauma Team et la Max Tag, c'est les mêmes. C'est la Max Tag, ils sont 5, ils ont une Navi. La Trauma Team, ils sont 5, ils ont une Navi. C'était pareil, il fallait juste changer les costumes. Oui. Et on le voit qu'ils sont 5 parce que dans la première mission du jeu, on voit ils débarquent à 5 dans une Navi, ils récupèrent Sandra, ils repartent. Oui, oui. Donc, mais ça n'avait pas été fait. Pourquoi ? C'est une réponse qui restera peut-être. C'est une question qui reste sans réponse, c'est clair. Mais ça n'empêche que ça aurait été à la fois pour l'immersion, tu sais, d'amener. Par exemple, imaginons que tu blesses un civil dans le centre-ville, tu sais, ils sont corpos dans le centre-ville. Mm.
la Mastak, elle vient les chercher et puis il t'ouvre le feu sur toi, machin que ça, si t'es là. Ou alors, juste ce petit effort de faire en sorte que même pour un soupçon d'immersion, après, c'est pas forcément un problème, mais ça aurait été cool. Parce que la Mastak, ça y est, on l'a. On l'avait, mais on l'a en mieux. Sachant que ensuite, la Trauma Team, on la voit rarement, alors que c'est un truc qui est ultra important dans le jeu. Ah, c'est plus qu'important, ouais, c'est clair. La Mastak et la Trauma Team, c'est des entreprises privées. Entreprises privées de militaires, entre guillemets. C'est ça. De maintien de l'ordre. C'est dommage que ce soit si peu utilisé. Et c'est pas la utilisé Mastak, parce que ça demande trop de ressources, tout simplement. La Mastak, encore une fois, on l'a, ça y est, c'est là. Ça aurait pu être là plus tôt, mais ça y est, on l'a. Et puis en plus, la Mastak, c'est une unité d'intervention spéciale pour les suivis de psycho. Ça n'a pas tant d'utilité que ça. Non. Mais la Trauma Team, c'est vraiment... C'est les urgences, tu vois. Oui, c'est les urgences, ouais. Ouais, elle est là pour pareil, ça, elle devrait être là en permanence. Pourquoi il n'y a pas d'ambulance encore dans le jeu? On sait qu'il y a des ambulances parce qu'il y a un grand hôpital qui tu passes en dessous et tout. Et ensuite, dans l'animé, tu vois qu'ils ont des déguisements spécifiques. La mère de David, elle est ambulancière. C'est vrai. Pourquoi on ne voit pas les ambulances? Pourquoi on n'a pas des convois d'ambulances avec la police, machin, etc. Et tu as une réponse. La réponse, c'est encore une fois, c'est que le jeu, c'est trop demandant pour lui. Oui. Ouais, c'est ce que je dis depuis le début, en fait. Oui. Bon, pour moi, c'est dommage parce que. Je ne contredis pas là-dessus, hein, t'as tout à fait raison. Je vois, tu sais, le. Et tu sais, ça me bouffe parce que depuis le début que je joue à ce jeu, je vois le potentiel. Et je vois tout ce qui est proposé. C'est colossal. Mais je me dis que ça aurait pu être tellement plus. Il y a une mission, quand on en parle avec Marie à chaque fois, elle me dit « Ah, tu me l'as déjà dit », mais en fait, je le répète à chaque fois. J'ai l'impression que c'est... Alors après, c'est pour moi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une des plus belles missions de jeux vidéo qui m'ait jamais été donnée d'être faite. Je pense que c'est... Vous allez avec Judy ? Non, c'est la mission... La parade. Ah oui, la parade avec Anako. Elle est incroyable. J'ai dû la faire... Franchement, quand je l'ai faite sur ma run principale, j'ai dû l'enquiller au moins 4-5 fois, peut-être 4 fois, 4 fois, 5 fois peut-être maxi, parce qu'en fait, elle était tellement, elle est tellement belle cette mission. En fait, il y a un côté, où je me dis là, à cet instant, c'est l'essence du cyberpunk. Il y a tout ce qui doit correspondre à ce que le cyberpunk, tout ce qui correspond à ce que le cyberpunk c'est. Alors après, encore une fois, c'est ma définition de la chose, hein. Peut-être que c'est pas la même chose, peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que quand tu fais cette mission, donc en plus avec la musique, il y a une musique spécifique qui va avec, donc There's Gonna Be a Parade qui va avec, il y a tous ces hologrammes qui sont projetés dans le ciel, il y a toute cette foule qui est présente, et là tu te sens vraiment ultra oppressé. Alors hormis le fait que la foule elle est un petit peu bien rangée pour que tu puisses passer, mais c'est peut-être le seul point noir. Mais c'est vrai que je me dis qu'ils auraient fait un jeu limité uniquement sur la map de Night City, donc sans les Badlands, alors désolé un patato, mais sans les Badlands, limité vraiment, tu sais, sur la map, parce qu'en fait tout ça, ça prend des ressources pour rien en fait. Parce que d'avoir une map aussi grande que ce qu'elle est, mais pour avoir que du vide, mais c'est des ressources qui sont pas mises au profit du reste. Sur le fait que les voitures ne volent pas, sur le fait que les missions, elles soient toutes... Ça fait mal, mais t'as raison. Mais oui, c'est terrible. Non, mais ça me fait mal aussi, parce que j'ai adoré être dans les Badlands, tout ça et tout. C'était sympa. Mais qu'est-ce que j'en ai fait ? J'ai rien fait là-bas. Je n'ai rien fait. Il y a trois missions. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais oui, c'est le vide absolu. Tu vois, il y a quatre missions à faire. Je dis trois missions à faire qui se battent en duel. Hein, et tout le reste, pour moi, ce que je vois des lignes de code où je me dis putain, mais toute cette ressource qui a été mise en place pour ne pas être utilisée, mais ça rend fou aussi. Si c'est pour aller faire la mission quand t'es, tu sais, quand tu as chopé l'espèce de bagnole noire, là, l'espèce de Batmobile qu'il y a dans un, dans une grotte là-bas et tout. T'es là, tu dis bon ben c'est sympa, c'est cool, mais est-ce que tout ça, ça valait ça ? Vous avez fait une ville de fou, je pense que c'est la plus belle ville qui ait jamais été portée dans un jeu vidéo, en tout cas encore une fois c'est perso, tu vois, peut-être la plus belle ville qui ait jamais été portée dans un jeu vidéo, et quand t'arrives à la parade, oh là là, moi j'étais là, j'étais pantois devant ça, je me suis dit putain mais c'est tellement dommage qu'on n'ait pas eu l'ensemble de tout ceci, tu sais, avec moins de missions, peu importe, c'est pas grave.
Vous mettez moins de missions, vous mettez pas ce système de RPG de merde où vous tapez dans les gens et qu'ils meurent pas du premier coup. Vous mettez moins de voitures, vous apportez un peu moins de soin aux détails des tableaux de bord des bagnoles et tout ça, on en a rien à foutre en fait. On veut, oui, des bagnoles qui soient différentes, mais avec des tableaux de bord qui soient à peine différents, mais c'est... Enfin, à peine. Qui soient juste différents, là, quand tu vas regarder les tableaux de bord des bagnoles, c'est tellement de ressources qui ont été mises à l'intérieur de tout ça pour en faire quoi ? Juste des tableaux de bord, ça... Je comprends, tu vois, que le côté immersif, là, pour le coup, il soit hyper important. Mais putain de merde, derrière, t'es là, tu te dis, putain, moi, quand je vois ça, je me dis, mais quel gâchis ! Et j'arrive à la parade et je me dis, putain, tout le jeu, il aurait dû être comme ça, en fait. Parce que la carte de Night City, elle est oufissime. Elle est ouf, cette map. Complètement. Et il manque tout ce qu'il y a dans la carte. Tout ce qu'il y a. Il manque tout ce que, visuellement, il y a dans la carte de la ville. C'est-à-dire la verticalité. Parce qu'en fait, le cyberpunk, c'est la surpopulation. Bon, là, on la voit pas, la surpopulation, évidemment. Mais tout ce qui fait l'essence du cyberpunk, c'est la surpopulation en zone urbaine. Et donc, pourquoi il y a des immeubles aussi hauts ? Mais parce qu'en fait, il y a des gens à plus savoir qu'en faire. Et le problème, c'est que il n'y a pas de mission en hauteur. Tout ce qu'il y a, c'est au ras du sol. Et du coup, c'est vrai que ça minimise l'impact que le jeu peut avoir ou aurait pu avoir sur une carte plus petite, mais avec une verticalité comprise dans le développement du jeu, parce qu'en fait ça nous aurait plongé encore plus à l'intérieur du développement intellectuel qu'il faut avoir pour comprendre pourquoi le cyberpunk c'est un genre qui est si spécifique. Parce que là, si on bosse que de manière plane, donc comme on le fait là dans Cyberpunk, c'est-à-dire marcher à même le sol sans jamais avoir la possibilité d'avoir une voiture volante qui aurait dû être comprise dans le jeu, sans jamais avoir la possibilité de se dire bon, il y a 90 immeubles qui sont visitables dans le jeu, chaque étage est visitable, dans chaque immeuble il y a une vingtaine d'ascenseurs, et tu t'imagines de suite que ce que ça aurait pu donner? Tu vois, Là, ça donne grave envie pour le et coup. Oui, ça donne vachement plus. Tu sais, c'est ouf parce qu'en fait, ce jeu, moi, il me donne encore envie d'y retourner. Mais il m'aurait encore plus donné envie de me dire putain, mais je vois tous ces immeubles de ouf. Je vois, tu sais, l'immeuble dans lequel V, donc nous, notre avatar, a son appartement. On évolue, ouais. Mais en fait, ça donne envie de te dire waouh, mais ça doit être comme ça dans tous les bâtiments. Alors, c'est génial. Moi, je vais aller visiter la tour Arasaka parce que il va y avoir des trucs de ouf. Je vais aller faire la même chose chez Militech parce qu'il doit y avoir des trucs de ouf. Là, les bâtiments qu'on voit là à l'instant, tu vois, dans le walkthrough où il y a des bâtiments de ouf, tu dis mais en fait, tous ces bâtiments, en fait, c'est mort. Ils sont pas utilisés, voilà. Et oui, c'est tout du vide en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que de la surcouche et que du vide. Et c'est pour ça que je te dis, tu sais, faire une map beaucoup plus petite. Avec une ville travaillée... Ça aurait rendu service, effectivement. Mais complètement, parce que toutes les ressources qu'aurait eu, je te dis, moi je suis sûr qu'avec toutes les ressources qu'aurait eu, bon, peut-être pas 90 bâtiments, mais bien 50 bâtiments, pas visitables étage par étage, mais bien, tu sais, une quinzaine d'étages par bâtiment, avec, tu sais, des niveaux spécifiques, tu sais, certains bâtiments où tu peux rentrer, tu fais que les 15 étages du bas, d'autres où tu fais les étages de la moitié, d'autres où tu fais les étages qui sont tout en haut, ceux où tu fais les étages tout en haut, c'est la tour, peut-être, c'est les tours les plus hautes, les plus intéressantes à visiter, tout ça et tout, et là, tu te dis, moi, j'ai pensé à tout ça quand je suis arrivé au niveau, je te dis, de cette fameuse mission de la parade, où en fait, je me suis dit, putain, c'est tellement dommage, parce qu'en fait, dans la parade, t'es obligé d'aller chercher des trucs que tu fais jamais dans le reste du jeu, en fait, c'est trop dommage, tu sais, de monter pour aller chercher... je m'en rappelle plus. Pour aller chercher, qui fomente ce complot d'assassinat, enfin tout ça et tout, enfin d'assassinat plutôt de tuerie, tout ça et tout. Et t'es obligé de grimper à droite à gauche, tout ça et tout. Il y a un côté un peu Mirror's Edge, un peu, un petit peu où tu fais du parcours, tout ça et tout. Et, ouais. Et en fait, ça aurait été ultra. Enfin, on fait pas de parcours, mais où on aurait dû pouvoir faire ce genre de truc. Et il y a un côté vraiment ultra intéressant de se dire putain, s'ils avaient développé, allez, une trentaine de missions hyper bien articulées qui sont aussi performantes que la mission de la parade, oh là là, je resigne de suite, et plus les bâtiments visitables, là, la cinquantaine, la soixantaine de bâtiments visitables, donc pas tous, tu vois, pas tous les bâtiments de la ville, c'est impossible, mais ça aurait été d'une ambition folle, d'une ambition complètement folle, et ça aurait rejoint un peu ce qui était prévu dès le début, tu sais, où tu pouvais parler à n'importe quel type de PNJ, où tu pouvais baiser n'importe quel type de PNJ, où tu pouvais avoir une relation amoureuse et ou sexuelle avec n'importe quel type de PNJ et tout, tu dis putain, waouh quoi, et c'est vrai que c'est pas ce qui a été promis, et encore une fois, pendant le DLC, c'est pas ce qui est promis non plus, et j'ai vu certains let's play où il y avait encore des crashs et compagnie, et là par contre pour moi c'est...
Putain, ça fait 3 ans qu'il est sorti le jeu, quoi, tu vois. Les crashs, c'est l'enfer, je sais de quoi je parle. Eh ouais, ça c'est pas possible, tu vois, quoi. Moi j'ai fait le jeu à l'époque sur Xbox One X. J'ai crashé 2 fois, donc vraiment, je vais pas à me plaindre sur la qualité de l'expérience que j'ai eue. L'expérience graphique était très bonne, d'ailleurs, au moment où c'est sorti, c'était la meilleure expérience graphique qu'il y avait, parce que sur Play 5 et Xbox Series X, les patchs n'étaient pas présents, donc en fait, on jouait avec le même rendu que sur Play 4 Pro, je crois. Et c'est vrai que donc, la meilleure expérience de l'époque, c'était ça. Quand j'ai relancé le jeu sur PC, je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est autre chose. Mais derrière, il y a tellement de promesses qui n'ont pas été tenues et certaines choses qui n'ont pas été faites. Je me dis quand même, ça. Ah, ça casse les couilles, quoi. Ça casse les couilles. Ça casse fortement les couilles, même. Parce que du coup. Parce que l'ambition, elle est là. Et l'ambition, on la voit à tous les coins de rue. On voit, tu sais, tout le côté volumétrique de la lumière. On voit tous les aspects intéressants qu'ils ont voulu donner avec le moindre détail, tous les panneaux, tout ce qu'on voit là, tu vois, dans le walkthrough là, qu'il y a là. Et qu'on voit, tu vois, tous ces panneaux lumineux, toutes ces publicités, tout cet univers qui est créé sans être employé. C'est un vrai gâchis. Pour moi, c'est un vrai gâchis. Alors, ils l'ont employé. Ils l'emploient à l'intérieur de Edge Runners. Donc ça, du coup, je me dis, finalement, ça n'a pas été créé pour rien. Donc c'est plutôt cool. Ouais, pour le coup, dans Edge Runners, c'est pas mal utilisé tout ce qu'ils ont mis en place. Hein. Eh oui, c'est super intéressant, justement. Mais c'est vrai que la base, c'est quand même un jeu. Enfin, la base de 2077, c'est quand même un jeu vidéo, quoi. C'est vrai. Et ça me fait chier parce que j'aime tellement le jeu que de le défoncer. En fait, je le défonce pas tout le temps. J'ai vraiment de l'amour pour ce jeu. Mais je vois surtout, tu sais, l'ambition qu'il y a derrière et ce que ça aurait pu être. Et malheureusement, je ne vois que ce que ça a été. Et je vois que les leçons n'ont pas été apprises, et qu'en fait, malgré la qualité narrative du personnage, il y a Songbird, je crois, que c'est dans le nouveau dans le DLC, mais ça, on y viendra donc la semaine prochaine. Il y a Solomon, là, le personnage qui est joué par Idris Elba. Solomon Reed. Ouais, Solomon Reed, exactement. Ou pareil, voilà, il y a du, je sens qu'il y a du lore, je sens qu'il y a de l'écriture, je sens qu'il y a tout ça. Plein du lore, putain la vache. Mais ouais, mais le problème c'est qu'en fait, il y a encore des crashs, il y a encore des bugs à foison, et c'est pas possible parce que là, du coup, ils se servent pas de Night City en entier, ils se servent de ce nouveau quartier en fait qui a été créé exprès où t'es obligé de rentrer via un espèce de péage, comme quand tu joues quand tu joues nomade et qu'on te fait rentrer dans la ville, cette espèce de frontière, de barrage frontière, qui sert donc de temps de chargement pour rentrer là où tu dois rentrer, quoi. Pour t'expliquer un peu, c'est une ville dans une ville. Ouais, c'est ça. C'est un quartier géant à l'intérieur d'une ville géante, et je me dis que comme ils ont réussi à isoler le tout, ça, pour moi, je pense que ça doit marcher. Bah, d'une certaine manière, mais en fait qu'ils ont fait ça parce qu'ils savaient très bien qu'il y a tellement de trucs à rattraper dans le jeu nativement que c'est hyper compliqué aussi que ça aurait été hyper compliqué aussi de l'intégrer nativement, enfin comme si ça avait été fait nativement à l'intérieur de la ville, sans pour autant se dire ah ben non mais regardez le reste de la ville ne bug pas. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait comme ça en fait. Et moi ça pour le coup ça me pose un problème. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, mais c'est vrai que ça me pose un peu un problème, quoi. C'est vrai que ça, c'est... Je t'écoute, hein. Non, c'est parce que je repensais à un truc vite fait, mais... Vas-y, vas-y. Non, c'est juste que... le DLC, je... On en reparle la semaine prochaine, hein. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. C'est juste que je ne sais pas quoi dire et qu'en vérité, quand il arrive, je reviendrai forcément sur le DLC parce que je suis en train de le faire. Ouais. Mais c'est dommage. C'est une réalité, mais c'est dommage que le DLC, au niveau. Même si c'est plus petit, justement, c'est. J'ai vu qu'il y avait quand même une quarantaine d'heures de jeu. C'est quand même pas, Je parle de la zone. La zone est. Oui. Elle est beaucoup plus développée que Night City dans sa totalité, tu vois. Dans Dogtown, on va dire des quartiers, même si c'est pas vraiment le cas, qui sont ultra développés et riches. Alors que dans Night City,
il y a des quartiers gigantesques qui sont pas si riches, à part justement mon quartier préféré qui est Pacifica, qui est pour le coup le plus original des. Et le plus ah oui, il est sympa, Pacifica, oui. C'est le plus original. Alors, c'est que mon avis. L'ambiance qu'il y a là-bas est magnifique aussi. Et puis ensuite, la vue, elle est belle, la vue. Depuis oui. Pacifica, t'as la meilleure vue du jeu. Ouais, c'est vrai que dans Pacifica, on a une chouette vue. Si on ne compte que la vue crépuscule sur la mer et qu'on ne va pas en hauteur. Oui. Mais sinon, pour le coup, il y a mieux. Mais ouais, le DLC, ils se sont chauffés de ouf et c'est presque dommage. Pourquoi ? Presque dommage, pas dans le sens péjoratif du terme, c'est que ils sont chauffés de ouf pour le DLC, mais ils ont fait des bâtiments qui sont visitables. Mm-hmm. Il y a un bâtiment, je crois que c'est un bâtiment complet qui est visitable. Marie pourra dire si c'est faux ce que je raconte. Mais pareil, c'est l'histoire aussi, mais mais tranquille, prends ton temps, on n'est pas pressé. Le Black Sapphire ou l'endroit où on voit Monsieur Hands, franchement, c'est dommage qu'on n'en voie pas d'endroit plus souvent que ça. Même si pour là où on voit Monsieur Hands, c'est un bar. Dans la ville en général, il y a plein de bars. Oui. Il y a les Mox, il y a le Totonton, ou un truc comme ça. Donc c'est le bar avec j'ai oublié. Les psychopathes. J'ai oublié encore. Oublié. Putain, j'en ai marre. Okay. Ouais, tu vois de qui je parle de toute façon. Oui, oui. À part ces deux-là, il n'y a pas de bar entre guillemets vraiment mémorable. Parce qu'on fait pas le tour des bars en fait dans ce jeu. Ah si, il y a le. Bah non, en fait. Si, si, si. Non, je raconte n'importe quoi. Ouais, c'est presque dommage qu'on ait pas plus d'ambiance comme ça. Après, tu verras quand tu feras le DLC, parce que ça peut paraître abstrait ce que je raconte. C'est très abstrait maintenant que j'y pense. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Mais l'ambiance qu'il y a à Docton, c'est dommage qu'on la retrouve pas plus souvent dans Night City, justement. Mais par rapport à quoi, concrètement ? Bah, Docton, pour le coup, c'est vivant. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde ? Non, c'est pas au niveau du monde, parce qu'on a dit, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais c'est plus vivant, on va dire. C'est que t'as vraiment une ambiance qui fait vivant, même si au final, ça reste. D'accord. Ça reste comme Night City, tu vois. Les PNJ, ils sont limite statiques, tu peux pas leur parler, et puis des fois, ils se croisent eux-mêmes. Ouais, ouais, ouais. Mais ça donne. Le DLC donne l'impression d'être plus vivant que la ville elle-même. Ouais, c'est dommage, ça. Ouais. Après, c'est que mon impression à moi. Mais t'inquiète, y a pas de souci. Mais c'est dommage qu'il y ait une différence entre une petite zone et la ville entière, même si c'est pas pour me déplaire. C'est souvent le problème des DLC qui sont qualitatifs, malheureusement, mais ça, ouais. On en parlera la semaine prochaine. Mais après, encore une fois, moi, je passe ma vie dans les Badlands, et au final, je vois pas tellement la différence que ça. Hein. Ouais, y a personne là-bas aussi, donc ça, forcément, c'est sûr que... En fait, j'aime bien aller dans les Badlands parce que je peux vraiment faire n'importe quoi. Oui, je comprends. Ouais. Ah oui, tu peux faire les dingueries que tu veux dans les Badlands. De toute façon, en même temps, il y a personne. Donc forcément, c'est sûr que personne va venir te faire chier, ouais. Quoi, ça. Après, ouais, forcément, ça reste. Ça reste dommage que le DLC qui dure 40 heures, encore, c'est beaucoup 40 heures pour un DLC. Mais c'est la qualité d'écriture de CD Projekt. Ouais, c'est ça. Hein, tu vois, c'est vraiment. Moi, pour moi, je me dis, c'est la. L'écriture de CD Projekt, en fait, qui fait que tu reviens sur leurs œuvres. Parce que tu reviens pas pour le gameplay ou quoi, parce que le gameplay, il est compliqué. Il est pas pauvre, mais il est quand même assez compliqué, leur gameplay, quoi. Ouais. Objectivement. Le gameplay du jeu, en général, j'ai quasiment rien à redire, même si le combat au fusil à pompe je le trouve pas assez permissif. Ok. Je crois que c'est ça. Ah ouais, d'accord. Parce que
Je crois que c'est parce que pourquoi après je le compare à Doom. Ah ouais, mais c'est pas la même chose. Ouais, après je le compare à Doom parce que je suis pas fan. Les peu de références que j'ai au combo fusil à pompe, c'est Doom. Mais ça n'a rien à voir. Après, si je dois parler du gameplay, du jeu au sniper, bon, et au fusil d'assaut et au pistolet, machin, etc. Bon, j'ai joué au Battlefield et au Call of, ça n'a rien à voir pareil, mais ça me laisse plus de marge de. Et tu comprends bien pourquoi ça n'a rien à voir aussi, c'est pas la même chose du tout. Quoi. C'est pas du tout pareil, parce que pour le coup. C'est ce que Joe disait tout à l'heure, en fait. Moi, c'est ce que je disais, en fait. Il me dit, ouais, moi j'ai plutôt l'habitude de jouer à ça, mais oui, évidemment, c'est des jeux d'action, quoi. Ce que je raconte, ça n'a aucun sens, hein, j'en suis complètement. Non, c'est pas ça, c'est pas que ça n'a aucun sens, mais c'est que tu fais un comparatif qui est obligatoire. Qui n'est objectivement. Qui n'est objectivement nul. Non, je pense pas que ce soit nul, au contraire, je pense que c'est obligatoire de comparer, parce qu'en fait, c'est pas obligatoire, c'est pas ça. C'est pas, alors déjà, c'est pas nul, c'est un comparatif comme un autre, et si tu le fais, c'est qu'il a lieu d'exister, que si tu le fais, d'autres personnes l'ont déjà fait aussi, ou l'ont fait ou le feront. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est un comparatif que t'es obligé de faire, parce qu'en fait, c'est un FPS aussi. C'est d'abord une trame RPG, mais sur la couche d'un FPS, et donc du coup, bah ouais, t'es là, tu dis, bah ouais, moi, tu vois, Seb, quand on joue avec le fusil à pompe, bah, je trouve que c'est pas assez permissif, je te pose la question pourquoi, tu me dis, bah parce que dans Doom, et je te dis, mais oui, mais c'est logique que ce soit comparé à Doom aussi. Ouais, alors, je vais revenir du coup là-dessus, désolé de te couper. Je t'en prie. Ah bah tu vois, on a Nekotsuki no Marco qui nous dit c'est juste plus facile de faire le comparatif pour illustrer le propos, c'est exactement ça, c'est exactement en fait, ça. Après, j'ai beaucoup joué à Doom, donc ça va. C'est forcément mais ouais, mais donc, en fait, justement. En fait, du coup, quand je dis permissif, c'est pas péjorativement ni. Non, t'inquiète. Hein. En fait, c'est juste que quand tu vas au corps à corps avec le fusil à pompe, soit tu fais beaucoup de dégâts, c'est très jouissif, mais t'as pas l'impression d'être tellement récompensé. Mm. Parce que, le jeu, bon, ce n'est qu'un avis personnel, ça manque un peu de sang. Même s'il y en a beaucoup, je trouve que ça manque un peu quand même. Ou les démembrements ne sont pas assez, n'arrivent pas assez souvent. Au fusil à pompe, c'est un peu dommage quand même. Même si depuis le 2.0, il me semble que le pourcentage de démembrement a été augmenté. Mais je le trouve pas assez ni permissif, parce que tu peux pas faire de grandes choses avec le fusil à pompe. Parce que justement, tu as des armes qui sont mille fois mieux. Pour aller au corps à corps. Tu prends le katana ou les monocables. Oh ouais, les lames. C'est une dinguerie. Tu roules sur tout le monde. Le fusil à pompe, c'est un peu le truc de. J'ai vu qu'il y avait un contre avec le katana aussi. T'as un espèce de truc qui te permet de renvoyer les balles ou de contrer les balles ou quoi. C'est une spell. T'as l'air énorme ça. Hein. Ouais, tu peux les contrer et ensuite t'as une autre spell qui te permet de les renvoyer. Ça doit être fou ça. Du coup, tu te sens un peu Genji quand il... Il y a une âme un peu Genji, une vibe un peu de Genji à l'intérieur de ça. Mais ouais, le combat au fusil à pompe, il est un peu délaissé. Ouais, je comprends, ouais. Après, pareil, pour le combat au pistolet, lui, il est très fun. Mais parce que tu joues avec... Mais c'est que quand tu joues avec le Mandalorian, par contre. D'accord, pourquoi ? Parce que le Mandalorian, lui, il explose les têtes. Ah oui, c'est vrai, oui. Pas les pistolets classiques hors revolver et le camarade, ils explosent pas les têtes, je crois. Ok, d'accord. Puis les pistolets, même le combat à l'arme à feu en général, il est trop simple. Parce que tu prends juste le fusil à pompe qui est téléguidé et la mitraillette téléguidée et skippy, tu roules sur tout le monde. Quoi. Bien sûr. C'est un peu dommage, c'est même si c'est dans le délire, tu vois, cyberpunk. On va dire. C'est le délire du cyberpunk, effectivement. C'est délire. Un des délires du mais, cyberpunk. Mais ouais. Je trouve que c'est pour ça que je joue pas trop avec les armes. Les armes de poing intelligentes. Les armes intelligentes. Ah oui, d'accord, ok. Ah non, par contre, les armes de poing, j'y joue tout le temps. J'ai un revolver avec un silencieux que j'ai utilisé toute la partie. Mm-hmm. J'ai utilisé le Mandalorian toute la partie. J'ai utilisé le pompe. Dès que le pompe de Rebecca il est sorti, je l'ai utilisé aussi. Hein. Ah non, mais ce pompe. Ah, je comprends. Je l'ai dit à Marie. Mais si tu as l'occasion de le faire. Ah oui, je vais le faire, bon, je l'ai acheté et tout. Moi, je l'ai acheté dès que ça a été annoncé. Donc, faut un mode pour le faire. Bon, si tu vas sur le point le plus haut de la map ou sur un point très haut où tu peux prendre des dégâts chutes, voire en mourir, tire un peu avant de tomber d'arriver au sol avec le fusil à pompe. Ça arrête ta chute. Ça cancel les dégâts chutes. C'est génial, putain.
le truc, il a tellement de recul que même si tu tombes à 100 km/h, il t'arrête. Et oui, ça te stoppe directement, oui. Mais du coup, tu peux faire des trucs stylés, tu peux faire des bons de ouf. Y a quoi d'autre encore sur les armes? Après, il y a de nouvelles armes avec le DLC qui sont sorties qui sont vachement cool, mais ça, on en reparlera la semaine prochaine, du coup. Bien sûr. Ouais, pareil, le combo au fusil d'assaut, je le trouve trop. Je le trouve pas assez de punch. Ouais, c'est pas assez péchu, mais en même temps, encore une fois, ouais, je suis obligé de réitérer là-dessus, c'est un RPG. Et oui, et c'est terrible, tu vois, parce qu'en fait, je comprends que le comparatif soit fait tout le temps, mais ça, c'est le point noir qui est cité depuis le début du jeu. Mais le problème, c'est que c'est un RPG. Donc forcément. Ouais, alors, c'est un RPG, ok. Je parle pas des dégâts, attention. Je parle pas des dégâts. Non, mais j'ai bien compris, t'inquiète. Hein. En fait, je parle juste des sound design. Qui sont cool. Oh non, le sound design. Ah non, tu peux pas dire ça. Le sound design, alors, il est incroyable. Attention, je parle pas de tous les sound design. Je parle de quelques armes. Oh où non. Le sound design laisse un peu. Ah non, je suis pas d'accord. Alors vraiment, là, mais alors pas du tout, quoi. Oui, franchement. Alors, je te le concède, ce que je raconte, c'est. Non, c'est, mais c'est tu dis ce que tu penses. Tu dis ce que tu penses. C'est pas n'importe quoi. Tu peux ne pas être d'accord. Mais, à savoir que. Moi, personnellement. Certains sons d'armes, vraiment, je les trouve pas assez énervés. En fait, dans le sens où tu as une arme qui est vénère, de A à Z, genre le camarade. Oui. Son bruit est très 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 joli. Hein. Il est très joli. Je trouve juste qu'il n'est pas assez énervé comparé à ce qu'il rend en jeu. Je comprends. Genre le camarade avec une seule balle, il peut faire 4432 points de dégâts. Je crois que c'est l'un des dégâts que j'ai le plus. Ouais, les plus élevés, quoi. Mais le mieux mémoré, parce que c'est celui qui est le plus haut chiffre qui m'est apparu. Mais à 4432 points de dégâts, tu fais un joli bruit, il fait un très très beau bruit. Mais le bruit n'est pas assez énervé selon moi. Ah ouais, moi là tu vois vraiment pour le sound design au niveau des armes, au niveau de beaucoup de choses, j'étais vraiment bluffé à l'époque. Oui. Et même maintenant, quand je me lance une run, juste pour le plaisir, je me dis putain, c'est fou. Si je dois parler du sound design en général, il n'y a rien à redire. Non, vraiment. Que ce soit le son des voitures. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que. L'ambiance qu'il y a autour de toi, que ce soit avec les civils, les cris, les sirènes, machin, etc., c'est magique. Tout à fait. Mais je comprends du coup ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, avec une arme qui fait plus de 4000 points de dégâts, tu aurais aspiré à ce que. L'arme fasse un bruit beaucoup plus impactant, ouais. En fait. Par contre, sur un autre bruit d'arme, où là, pour le coup, je n'ai rien à redire, je la trouve parfait. Il colle parfaitement. Il est significatif. J'ai envie de le mettre en sonnerie. C'est le bruit du Mallorian. Ouais, ouais. Il est magnifique. Mais l'on sonnerie. Que ce soit quand tu le prends dans ta main où il fait un petit bruit d'activation un peu numérique, même s'il ne l'est pas, ou quand tu tires le bruit du rechargement, tout est parfait. Tout est très bien agencé. Le Mylorian a beau être un pistolet très énervé, son bruit qui ne paraît pas du tout énervé passe quand même très bien. Et d'accord. Ça représente parfaitement, selon moi, ce qu'était Johnny. Marie, elle m'en avait parlé de ça à l'époque. Hein. C'est dommage qu'elle soit pas là ce soir, mais elle nous en avait parlé de ça à l'époque. Et c'est vrai que ça représente hyper bien Johnny aussi. Je suis d'accord avec toi. Le Mallorian, je n'ai rien à y redire. Les sound design, sinon, si je dois prendre les sound design en général, le bruit que fait la Caliburn, il est magnifique. Le bruit que fait la Chion, il est magnifique. Le bruit que fait la moto de Akira, j'ai oublié son nom, il est incroyable. Oui. La moto de Akira, ouais, c'est vrai qu'ils ont pris ça aussi. J'ai oublié le nom de la moto, c'est la Kusanagi. Kusanagi, exactement. Kusanagi qui est le nom du personnage principal de Ghost in the Shell. Ouais. Je sais pas si ça vous parle, si ça te parle ou pas, mais Ghost in the Shell, pareil, c'est une inspiration extrêmement forte. Ça fait longtemps. Dans le cyberpunk, ça. Bah oui, forcément, Ghost in the Shell, c'est une des références. Ah bah une des références obligatoires du cyberpunk, quoi, c'est clair. Mais pareil, l'ambiance générale, genre quand tu marches dans la rue, pour le coup, le bruit est magnifique. Oui. Même si tu marches pas souvent dans la rue, attention, moi je marche beaucoup dans la rue. Ah ouais, moi je marche beaucoup dans la rue. Quand je fais du cyberpunk, souvent là d'ailleurs, juste pour des petites games comme ça et tout,
c'est forcément pour aller me balader dans la rue, quoi. C'est pas pour aller tirer des gens, quoi. Quand tu te balades dans certaines zones, t'entends, bah, dans les zones où il y a de la végétation, t'entends les arbres un peu siffler. Dans le parc du centre-ville, tu l'entends. T'entends un peu la végétation comme normal. Quand tu marches dans les zones bondées, t'entends les bruits de pas, un peu les cris saccadés des gens, comme dans le métro, etc. C'est très cool. C'est très agréable. Le sound design, parce que c'est immersif, de la police. Alors je sais pas si tu l'as déjà écouté. J'adore le sound design de la police. La sirène de police, ouais, est incroyable. Mmh. Je m'attendais pas du tout à ça. Et elle y est dans la musique original. Qui s'appelle To Hell and Back, une des musiques les plus incroyables de la bande originale de Cyberpunk, premier du nom, sur le disque 1. Et franchement, c'est une tuerie. Et dans To Hell and Back, c'est la musique qu'il y a quand les flics arrivent, et c'est une tuerie. C'est une tuerie absolue. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre ou pas. Après, maintenant, je vais reprendre. C'est pas le jeu. Ouais. C'est cette fois-ci l'animé, mais comme c'est l'animé, c'est le jeu, forcément. Certains sound design qu'on a dans l'animé sont juste magiques. Et tout à fait, oui. Jusqu'à récemment, jusqu'à la 2.0, on l'avait pas, mais le bruit que fait la Max Stack. Tout à fait, je t'écoute, j'écoute. Le bruit que fait la Max Stack est juste incroyable. Ou c'est que moi? Non, c'est pas que toi, au contraire, c'est absolument pas que toi, quoi. Il est trop bien, et je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas dans le jeu. Maintenant, on l'a, j'adore ma vie. Ouais, j'ai vu que c'était présent, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est la musique, alors juste on fait un petit aparté vite fait. Ouais, vas-y. Je sais pas si t'as l'occasion de l'entendre, sur le live tu l'entends? Ouais, je suis dessus. Et ça, donc c'est libre de droit, hein, parce que c'est les musiques de Cyberpunk, donc les musiques de Cyberpunk sont libres de droit, en stream. Et ça, c'est les musiques, en fait, au tout début, quand la musique commence, et on entend le son qu'il y a au fond, c'est le son des sirènes, des flics de Cyberpunk. Ça, cette musique, je l'ai écoutée. Je crois que l'année où c'est sorti, en 2021, je crois que c'est le morceau que j'ai écouté le plus de fois de l'année en 2021. Je crois que je l'ai écouté plus de 2000 fois. C'est... Ah, il n'y a pas de son ? Non, on n'entendait pas. Alors, attends. J'en ai déduit, du coup. Oh, merde, je sais pas pourquoi il n'y a pas le son, ça saoule, putain. Moi je vais le mettre sur mon téléphone. Je me permets d'intervenir pour qu'il y ait le son. Il faut que tu captures via la capture de l'application le son de YouTube, le son de la fenêtre YouTube. Non. je te dis comment je fais, c'est quoi, c'est par rapport à la capture de la fenêtre? Non, il faut que tu fasses ajouter une source capture d'audio d'application. Dommage. Dommage, franchement dommage. Attends, je suis en train de regarder en même temps, mais franchement c'est... Mais attends, mais cette musique, je l'ai entendue en plus dans le jeu pendant que je jouais. Bah évidemment que tu l'entends, cette musique, dans le jeu. C'est à chaque fois qu'il y a les flics, t'as cette musique. Alors, on n'entend pas le son. Pour l'écho, c'est ma faute. Pour l'écho, pour le coup, c'est ma faute. C'est moi qui ai le micro a enregistré le son du live. Alors, Joe, il m'a dit qu'il fallait faire ça, donc... Je regarde sur Parsec. Non, mais vas-y, dis-moi, hein, je le fais en même temps. Hein. Mais tu vois, c'est là où je te dis que OBS c'est bien, mais en même temps, c'est à chier, quoi, en fait. Il y a un son qui passe dans l'écran dans lequel on est, et ça devrait passer tout court, quoi. On l'a pas... Non, parce que le son qu'on a actuellement, c'est audio de l'application, mais Discord, c'est pas YouTube. Et la capture de fenêtre, elle prend pas le son. Elle prend que la capture de fenêtre. Elle prend pas le son de la fenêtre. Ah ouais ? Oui. Putain, depuis tout à l'heure, moi j'avais mis le son exprès de tout ce que j'ai mis dans le walkthrough, enfin de tout ce que j'avais trouvé dans le walkthrough et tout exprès. Oh, je suis dégoûté, putain de merde. Oh, c'est... Tu vois... C'est pour ça que j'ai 50 000 sources différentes. Oh, ça me gonfle. Ça, tu vois, c'est vraiment le genre de truc où je me dis, mais c'est OBS, c'est foutu, quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Sur Streamlab, c'est pareil. Hein. Ouais, mais pas sur Twitch, justement. Sur Twitch Studio, c'est pas pareil. Bon, vous tapez... Vous faites un kiff, vous tapez To Hell and Back, désolé, hein. Vous faites un kiff, vous tapez To Hell and Back, et vous allez vous faire un kiff de fou, parce que ce morceau, c'est une dinguerie absolue. Désolé, Pico, hein, je suis navré, mais malheureusement... Ouais. C'est quoi, regarde, si tu veux, je me connecte à Parsec en 2 secondes et je te le fais en deux secondes. Ouais, vas-y, hein, fais-toi plaisir, je suis connecté là ou pas? Je sais même pas si je suis connecté.
C'est toi qui te connectes ou c'est moi qui me connecte à toi? C'est moi qui me connecte à toi. Ouais, parce que vas-y, fais-toi. Fais-toi plaisir. Je t'en prie. Je donne la paire, mais c'est bon. Je vais juste me mute parce que sinon je vais m'entendre en double. Oui, please. Désolé. Et oui, du coup, Patato, ce que tu disais, c'est ça en fait. C'est que par rapport à tous les sound design, tout ça et tout, c'est vrai qu'il y a des sons spécifiques, il y a beaucoup de trucs qui sont intéressants, quoi, en fait, qui sont super intéressants à prendre en compte pour l'ensemble de ce que ça nous donne, pour nous plonger, enfin, de ce qu'on nous donne pour pouvoir nous plonger à l'intérieur du jeu plus facilement, quoi, en fait. Patato, que je t'entends plus d'ailleurs. Oui. Oui, pardon. Je t'entends, ça y est. Non, parce que je suis en train de lire un truc en anglais. Je te donne la perme avec la souris. Et c'est la perme, gros. Voilà, tu cliques sur le loup. Voilà, nickel. Là, maintenant, je peux. Ouais, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Mais là, tu vois, tout ça, moi, pour moi, tu vois, c'est ça, par contre, c'est vraiment de la connerie, quoi, en fait. Même si c'est facilement faisable et tout, c'est de la connerie. Je capture la fenêtre, je capture le son. Marque audio YouTube, par exemple. J'ai pas le clavier. Ah, nickel. Ok. Et donc du coup, ouais, en fait, c'est vrai que c'est, y a vraiment un côté ultra intéressant sur tout ça pour pouvoir s'immerger beaucoup plus facilement à l'intérieur du jeu, mais aussi à l'intérieur de l'histoire, en fait. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu à l'époque, et c'est pour ça que je te dis, Patato, tu vois, que de temps en temps, je me remets à l'intérieur de tout ça pour pouvoir justement me dire ouais, c'est vrai qu'en fait. Au travers de ce jeu-là, le côté immersif, il n'était pas dû au fait que j'avais ça, tout simplement. J'avais aussi autre chose qui me permettait de me dire, ça m'intéresse énormément. Mais... Ok. Et c'est ce que tu disais, c'est exactement ce que tu disais auparavant aussi, d'ailleurs. Ouais, après, honnêtement, s'il y a un autre truc, quand on parle de son, les musiques. Ouais, la bande originale, pour moi, c'est un banger absolu. Alors, sachant que moi, déjà de base, quand je joue à des mondes ouverts et que je conduis, je ne mets jamais la radio. Mm. Mais vraiment, jamais. Je trouve ça insupportable. Et en plus, j'aime bien écouter le son que font les véhicules. Oui. Ça, c'est parce que j'adore, en irréel, j'adore les voitures, machin, etc. J'adore écouter leur son. Du coup, ça reste dans les jeux. D'accord, sauf ok. Sauf que là, dans Cyberpunk, le son des voitures a beau être cool. Je trouve que les musiques donnent un autre penchant à la conduite. Quel type de penchant? Bah, par exemple, je te prends l'exemple de la station où il y a toutes les musiques de Johnny, enfin de okay. Samurai, du coup. Quand tu mets ça en quand tu la mets en voiture et que tu te mets en vue FPS. Merci beaucoup, Joe. Quand tu te mets en vue FPS, sachant que quand tu te mets en vue FPS, quand tu conduis. Le son qu'il y a dehors, donc des civils, il est baissé, enfin il est comme dans une bulle, enfin, comme dans la vraie vie, quoi. Et le son du moteur, tu l'entends moins, tu l'entends que par des pseudo-vibrations qu'il y a dans l'habitacle. Oui. Du coup, le moteur, tu l'entends quand même, tu peux en profiter. Mais par-dessus, t'as la musique, tu peux écouter musique et le moteur. Ah, moi, les musiques, donc, vraiment, dans Cyberpunk, c'est vraiment autre chose. C'est pas pour me déplaire, par contre, pour les... Ouais. Pour me déplaire, j'adore écouter le son des déplaire. Mais quand tu mets les musiques, ça donne un autre tournant à tes trajets. Par exemple, si tu veux te la jouer full rocker boy, aller au RP Max avec les lunettes aviateur, machin, etc. Tu la conduis dans une Chillon ou dans tout ce que tu veux qui est en rapport tout à fait un peu rock. Tu fais ton chemin, tu roules à 100, 200, tout ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Et le trajet, il a une autre sensation. Si tu veux rouler un peu plus calmement, t'as plein d'autres stations, machin, etc. Ça, franchement, ce jeu, rien que pour les musiques. Ouais, pour ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. C'est pour ça que je passe mon temps soit en moto, soit en voiture, dans les Badlands ou dans la ville. Ouais, etc. Je comprends. J'ai fait ça sur ma première run, je passais énormément de temps à l'intérieur des voitures, et c'est vrai qu'après, sur les moments où je joue juste, où je me lance la game comme ça, juste pour pouvoir
j'allais dire me dépayser, c'est assez fou de vouloir se dépayser, de pouvoir se dépayser dans un jeu vidéo, mais en fait c'est vrai qu'il y a tellement d'univers différents à l'intérieur de la même ville, dans une ville qui propose des univers atypiques de ce que les villes sont, de ce que les très grandes villes sont maintenant. C'est vrai que c'est super intéressant, moi je le fais maintenant, je me balade qu'à pied, mais c'est vrai que quand je suis dans ma vie de tous les jours, dans ma vraie vie, Cyberpunk, c'est la bande originale de Cyberpunk 2077, c'est ce que, quand je lance de la musique, donc c'est pas en ce moment, parce qu'en ce moment, je suis déprimé, je suis triste, donc je ne mets pas beaucoup de musique, mais quand il n'y a pas ça, c'est la bande originale de Cyberpunk 2077 qui me permet de commencer ma journée depuis que le jeu est sorti. Il n'y a pas un jour où j'écoute pas des musiques de Cyberpunk 2077, pas un jour. Bah moi j'en écoute moins justement pour le coup. Bah là en fait maintenant comme il y a eu le renouveau pour avec Phantom Liberty j'écoute encore plus quoi. Pour la seule raison que j'ai perdu mon compte Spotify. Ah merde, ah, ça c'est pour con par... ça c'est un peu con par contre. Ouais, ouais, t'as vu ça. Alors sinon pour le coup les musiques du DLC elles sont... Ouais elles sont pépites, mais ça on en parlera la prochaine fois. Pépites. Et il y en a une que j'écoute en boucle en plus. On en parlera donc la prochaine fois, évidemment, aussi. Tout à fait. Mais ouais, les musiques de ce jeu... Alors, déjà, pour l'histoire, la musique... Bon, normalement, t'as chialé dessus si t'as vu Edge Runner. Je ne dirai pas le nom parce que mon anglais est terrible. C'est pas grave. Bon, vous voyez tout. C'est I really want to stay at your house. On aura compris. Cette musique-là, quand le jeu est sorti, c'était juste une musique middle tier. Elle était pas si ouf, elle rentrait pas dans, vraiment dans middle tier, on va le taper, hein, le chat, hein, on va le taper évidemment, mais c'est pas grave. Oui, donc du coup. Et je dis middle tier pour la simple raison qu'en fait, elle rentrait pas vraiment dans l'univers. Elle rentrait quand même, mais pas tellement. Ouais, elle rentrait dans l'univers, mais c'était un peu différent de ce que le reste proposait. Ça, je comprends ce que tu veux dire. À Lidy Widzy ou au Pop-Pom Sheet. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'était pas vraiment dans ce style-là. Par contre, quand l'anime, lui, est sorti... Ouais, déjà, ça a pris une dimension différente. Cette musique-là, déjà, c'est devenu le thème original de la musique. Qui a fait chialer tout le monde. Ouais, enfin, ouais en même temps... Qui a fait chialer tout le monde et je rechiale dessus. Ouais, toi y compris, moi y compris, hein, y a pas de honte, évidemment. Ouais, y a pas de honte, faut le dire. Faut se le dire, faut être honnête. Cette musique-là, elle a donné un autre tournant déjà au jeu. Donc, quand tu tombes sur cette musique, t'as juste envie d'éclater la gueule de tout le monde. Je te dis, zéro van. Quand j'ai après la période, toute la période, donc 2-3 mois après avoir maté l'animé, pendant 2-3 mois où je jouais au jeu, dès qu'il y avait cette musique à la radio, que je l'entendais en fond de loin, j'appelais la voiture, je me mettais en vue FPS, je mettais la station radio, donc c'était c'était Night Dream, je sais pas quoi, la station. Okay. Je la mettais, je me mettais en vue FPS et je roulais à pleine balle et je mettais mon son à fond. Je comprends, ouais. Et je m'en foutais, je voulais juste faire la musique. Des fois, j'attendais juste qu'elle se termine pour commencer des missions. Et j'en ai aucune honte, cette musique, je l'adore. J'ai beaucoup de musiques comme ça qui m'ont beaucoup plu dans le jeu, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est très juste en fait. J'entendais la radio, j'entendais la musique sur tel ou tel type de musique qui me plaisait sur tel ou tel type de radio. Et je prenais le temps de faire un détour, je prenais le temps de faire autre chose pour pouvoir laisser le temps à une de ces musiques spécifiques de se terminer pour que moi je puisse avoir le temps de me dire ah voilà, j'ai bien profité. Maintenant, je vais pouvoir aller faire ce que j'ai à faire dans le jeu. Je suis assez tout à fait d'accord. Avec toi, pas assez d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi là. Deux secondes, je suis en train de regarder un truc vite fait parce que vas-y, tranquille. Hein. On n'est pas pressé, nous. Hein. Nous, on a tout le temps du monde, on a tout le temps de la création. On se donne encore un petit quart d'heure tranquille. Histoire d'avoir aussi du contenu pour la semaine prochaine ou dans 15 jours, on verra. Comment ça se passe? Ah voilà, je sais pas du tout. Alors par contre, cette musique-là, je sais pas du tout si elle était dans le jeu de base, mais je la connaissais déjà avant le jeu parce que j'adorais déjà cette musique. C'est This is Fire. Je sais pas. C'est la musique de l'opening de la série. Alors là, malheureusement, tu sais bien comment on est sur Twitch, donc on va pas s'amuser à... Et oui, tu peux pas la mettre. Non. Parce que celle-là, pour le coup, elle est claim. Ouais, ouais. Et là, il y a pas mal de. En fait, il y a beaucoup de trucs qui sont. Ouais. Claim.
Mais du coup, de nom, ça veut dire que tu vois laquelle c'est ? Tout à fait, oui. Cette musique-là, je la connaissais déjà avant l'animé ou le jeu. Oui. J'adorais cette musique parce que j'adore le style. Mais je sais pas du tout, par contre, si elle était dans le jeu au moment où, avant que le DLC sorte. Ah, je pense que oui. Hein. Mais du coup, j'y ai fait plus attention. Et franchement, cette musique-là, elle colle, pour le coup, elle colle bien. Ouais, elle colle super bien. En plus, ouais. Je trouve, même si ça peut paraître terrible ce que je vais dire, pour. Mais This Is Fire, je trouve qu'elle colle aussi étrangement très bien à Johnny. Et pour le coup, je pense avoir raison. Argumente. Parce que quand on fait un peu attention aux paroles, c'est un peu une musique... Ah non, Joe, c'est bon, je te remercie, t'inquiète, mon poulet. Non, c'est pas un souci. Non, t'inquiète pas, c'est pas un souci, t'inquiète pas. Je t'en prie, continue mon poulet, continue patato. Tu m'as mis un coup de pression sur le argument. Ouais, non mais c'était pour l'argumentation, parce que comme tu dis, tu le dis avec un aplomb particulier, donc du coup l'argumentation est nécessaire. Attention au. Tiens chef, paroles, je te remercie, oui. C'est la musique This Is Fire, elle est très dystopique. Ah, d'accord, ok. Et un petit peu anti, je crois que c'est anti-consumériste, mais je suis pas du tout sûr du terme. Ah ouais, c'est quoi? C'est contre la consommation? Non, c'est contre la ville, quoi, mais je sais plus du tout comment on appelle ça. Ok. Je suis désolé. Mais du coup, c'est dans ce sens-là où je dis qu'elle colle bien, terriblement bien à Johnny. Même si c'est pas du coup, c'est pas si vrai que ça. Mm. Quand on apprend en vérité ce que contre quoi est Johnny. Mais pour le coup, j'apprécie vraiment. Après, Johnny, le truc, c'est, je pense que les gens, ils ont pas mal interprété. C'est pas qu'ils ont mal interprété le message, c'est que ils sont passés à côté de certaines choses. Je pense avec Johnny, ouais. Ils le voient comme. Alors là, par contre, pour le coup, pour Johnny, je peux argumenter certaines choses. C'est que ouais, je pense vraiment que c'est vraiment quand t'as fini de jouer au jeu, à part la ville, le seul truc qui te reste. C'est Keanu Reeves, c'est Johnny Silverhand. C'est pas Keanu Reeves d'ailleurs, c'est vraiment Johnny Silverhand. Le personnage, il est extrêmement bien écrit. Je pense que c'est peut-être même... C'est peut-être un gros pari de dire ça, mais bon, après... Je pense que c'est le personnage de jeu vidéo qui est le mieux écrit de tous les temps, tout court. J'ai l'impression aussi que... Tu sens que c'est le genre... Quand t'arrives au bout du jeu... Mm-hmm. Que t'as fait toutes les fins, que t'as fait ce que t'avais à faire. Tu vois que c'est, même que ce n'est que un résidu, parce qu'en fait ce n'est pas un humain, c'est une sauvegarde de lui. Tu sens que c'est le genre de mec, malgré tout, que tu peux pas acheter. C'est un vrai rebelle, quoi, en fait. C'est pas le genre de mec qui est corruptible. Moi, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans, parce qu'en fait... Pour le coup... Là, je peux juste revenir 2 secondes, mais je suis désolé. Ouais, Joe, de tous les temps, carrément, je te jure, c'est un personnage qui est... Il a une subtilité d'écriture de tous les temps des jeux vidéo, hein, on s'entend, hein, je parle vraiment de tous les temps pour les jeux vidéo. Quoi. Et vu comment tout le monde aime Johnny, mais je ne peux que te conseiller de faire le DLC, parce que Johnny nous raconte beaucoup de trucs sur sa vie. Enfin, sur sa vie avant d'être ce qu'il est... d'être un rocker boy ultra anti-corpo, machin, etc. Anti-capitaliste et compagnie, quoi. Ouais. Pour le coup, vraiment, fais le DLC. Rien que pour les petits. Ouais, je sais, il faut que je le fasse, il faut que je prenne le temps de le faire. Le truc, c'est qu'il me faut l'état d'esprit. Mais du coup, quand on en reparlera, si jamais tu l'as fait, et si ah oui, on va la faire. C'est pas du tout grave, et au contraire, il faut vraiment que tu sois... Si t'es pas en capacité de le faire. Non, mais après, tu sais, voilà, il me faut du temps mental, mais une fois que je l'aurai je l'aurai fait. Joe, si tu veux repasser en vocal, reviens en vocal, parce que de tous les temps, carrément, si t'as une contre-argumentation à ça, je veux bien l'entendre sans problème, même que t'as pas fait le jeu. Je t'écoute, Patato. Ouais, franchement, Johnny, ouais, quand t'apprends à connaître comment il est, à lire le peu de lore qu'il y a sur lui, ou quand tu fais le DLC où t'apprends un peu le lore, machin, etc. Franchement, Johnny, c'est vraiment un banger.
Mais en fait, c'est au-delà du... Enfin, je sais que c'est le mot voilà, qu'on utilise tous maintenant, que tout le monde utilise, mais le fait du banger, en fait, je le comprends tout à fait, mais le truc, vraiment, je te dis, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment... En fait, moi, je me suis vachement retrouvé là-dedans. Alors, pas sur le côté... je veux dire, sur le rebelle, peut-être un peu, parce que c'est vrai que j'ai jamais été dans les normes du système, donc j'ai jamais été un normiste, voilà, pour le coup, il n'y a pas de doute. Mais sur le fait que c'est vraiment le genre de mec que tu peux pas acheter. C'est quand il a décidé quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et moi là vraiment, je me retrouve totalement à l'intérieur de ce personnage. Alors je suis pas un rebelle, je suis pas tout ça et tout, mais j'ai mon code de conduite, j'ai vraiment mon truc et tout. Et c'est vrai que m'acheter, ça me semble être compliqué, me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire, me faire faire des choses que j'ai pas envie de faire, c'est mort, je le sais. J'ai des exemples il y a moins de 15 jours en arrière encore où certaines choses se sont passées. On m'a dit, mais tu vas voir, comme tout le monde, tu vas céder. Et en fait, non, je sais que c'est pas parce que je ne suis pas tout le monde, mais c'est parce que j'ai une culture qui me permet de dépasser certaines conditions humaines, et enfin, certaines conditions qui pourraient nous conditionner à une certaine forme d'humanité en tant qu'homme, par exemple, ou en tant que femme aussi, pour les femmes. Et c'est vrai que là, avec un personnage comme Johnny Silverhand, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre en fait, et c'est pour ça que je dis que c'est le meilleur personnage jamais écrit de tous les temps dans les jeux vidéo, et je l'argumente vraiment sur le fait que il y a peu de personnages qui te restent après que tu aies fini de jouer à un jeu vidéo. Il y a peu de personnages qui te restent que tu n'as pas joué, et le truc c'est qu'en fait le co-narrateur de cette histoire, c'est le personnage de Johnny Silverhand, et il est servi par une narration qui le sert totalement, par une ville qui est complètement à la... En fait, Night City, c'est Gotham City pour Batman. C'est la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Batman, tu le verrais pas ailleurs qu'à Gotham City. C'est impossible. On le voit, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que c'est très compliqué quand Batman interagit avec les autres super-héros. Pas parce qu'il a pas de pouvoir ni rien et tout, mais parce qu'en fait, il est pas dans son univers. Batman, il a besoin d'être à Gotham City, et on le verra. Il a besoin de son Gotham et de son Joker. Sinon, c'est mort. Ouais, de son Joker à la limite, mais il a besoin de Gotham. Parce qu'en fait, Batman sans Gotham, c'est pas pareil. Et en fait... Bah ça donne Justice League qui est éclaté. C'était particulier. Pour le coup, moi, Justice League, je n'aime pas du tout. Moi, j'ai bien aimé, mais bon, après, la version longue. Enfin, la Snyder Cut, pardon, pas la version longue. Mais le truc qu'il y a, c'est que Johnny Silverhand, c'est un peu la même chose. C'est un peu le Batman de Night City, et Bruce Wayne, ça sera un peu le Johnny Silverhand pour Night City, justement, en fait. Hein, j'ai fait le crossover exprès. Il n'y a pas de mélange involontaire. C'est qu'en fait, vous ne pourriez pas imaginer d'avoir un Batman qui n'est pas à Gotham. Et c'est la même chose pour Johnny Silverhand, qui est présent à l'intérieur de Night City, parce qu'en fait, une ville comme ça ne peut qu'engendrer un personnage de la sorte. Et c'est là où c'est hyper fort à jouer, parce qu'en fait, on ne joue jamais objectivement Johnny, on joue V qui se laisse posséder, qui n'a pas le choix, en fait, qui se laisse posséder, enfin, qui n'a pas le choix, qui n'a pas totalement le choix, et qui se laisse posséder progressivement par Johnny Silverhand. Et c'est vrai que quand tu ressors de tout ça, bah, ce qui te reste en tête, c'est peut-être la romance que tu auras choisie, ou les romances que tu auras choisies. Donc moi j'avais choisi Jodie Alvarez, parce que c'était le personnage qui me semblait être le plus fragile, le plus intéressant, et en fait c'est peut-être le syndrome du sauveur jours. 90% des gens ont pris Jodie. Mais je pense, parce qu'en fait on a le syndrome du sauveur, on a envie d'aller sauver, pas la demoiselle en détresse, mais on a envie d'aller sauver la personne qui nous semble être la plus fragile, parce que on a tous nos raisons. Et donc parce que, hein, point de suspension, on a vraiment tous nos raisons. Et c'est vrai que quand tu te retrouves face à un espèce d'incorruptible mec comme ça, qui va jusqu'au bout de ses idées, qui a des idéaux et qui croit dur comme fer que lui, il est dans le vrai parce qu'il en a chié comme c'est pas possible, on apprécie, hein, le 25 heures sur 7 de ce stuff sharp, c'est trop marrant. Et ben en fait, ça te donne une énergie différente pour pas affronter le monde que virtuel, mais aussi affronter le monde réel en te disant, ouais, il y a des choses sur lesquelles je serai toujours intransigeant, parce qu'en fait j'ai l'exemple de ce personnage qui est extrêmement bien écrit, qui me ramène à certains points de ma vie où là, moi, je me retrouve. Et j'ai pas honte, hein, du tout, de dire que c'est le meilleur personnage de jeu vidéo qui ait jamais été écrit. On s'entend, hein,
on joue pas. Moi, pour moi, un personnage de jeu vidéo indémodable, indétrônable et qui sera jamais. Je pense qu'il y aura jamais jamais un personnage qui sera au-dessus, c'est Mario. Mais Mario, on joue avec lui en fait. Johnny, il est incarné parce que. Eh ben ouais, parce que c'est Keanu Reeves. Moi, et en fait. Un autre personnage indétrônable, mais c'est que parce que j'adore. Par exemple. Bah. Après, c'est très spécifique. Vas-y, c'est vas-y, le Doomguy. Ouais, mais bah voilà, le Doomguy par exemple aussi, voilà, c'est le genre de perso le qui Doomguy, est. Tu, déjà, c'est le père. Mais si tu vois, en fait, quand je dis qu'il est indétrônable, c'est qu'en fait, le Doomguy ça parle pas à tout le monde, alors que Mario il parle à tout le monde. Oui, forcément. Tout le temps. Dans n'importe quel pays du monde, tout le monde connaît Mario, quoi. Ouais, c'est très niche, Doom. Tout à fait. Moi, vraiment, tu vois, je parlais de quelque chose où le mimétisme est pas forcément évident, parce qu'avec Mario, le mimétisme est quand même compliqué. Hein. C'est un personnage qui est tellement spécifique que c'est compliqué de s'identifier à ça. Le Doomguy, en l'occurrence, non, parce que c'est un humain. Mario, c'est un humain aussi, mais on voit que c'est un humain d'une certaine forme de réalité. Alors que Johnny Silverhand, c'est un humain tout court. Et en plus, il est incarné par un acteur qui a une carrière spécifique. Et on voit bien qu'à l'intérieur des équipes qui travaillent avec Keanu Reeves, et donc qui ont acté pour faire en sorte qu'il ait un poids un peu plus prégnant à l'intérieur de Cyberpunk 2077, parce que c'était pas ça le développement de Cyberpunk au départ, hein. C'était vraiment un développement qui était beaucoup plus léger et qui était axé sur ce que le jeu de rôle papier proposait au départ en fait, avec une extrapolation de l'histoire en partant de 2013 pour arriver jusqu'à 2077. Et c'est vrai que le personnage de Johnny Silverhand, on a vu au travers de la communication qu'il était pas présent au départ du tout, et que la communication a fait en sorte que de plus en plus il prenne une place de plus en plus imposante, et en même temps pour qu'en même temps ça puisse servir le narratif de Cyberpunk, mais aussi le narratif de la carrière de Keanu Reeves. Moi ça me gêne pas, parce que j'adore Keanu Reeves, je pense comme la majorité de ces humains sur cette planète, mais pour le principe, c'est vrai que ça dessert... Ah, t'as pas, hein. Ouais, bon après tant pis pour eux, il y en a qui ont pas de goût. Hein. Mais y a des... ça dessert un peu, ça a desservi un peu le jeu à la sortie, mais je pense que ça sert plus le jeu que ce que ça l'a desservi, parce que justement on se retrouve avec un personnage qui est tellement bien écrit que je pense... Je vais pas le dire objectivement, mais je vais le dire plutôt sincèrement. Je pense que ça sera extrêmement difficile de faire mieux que le développement de ce personnage-là, qui n'est en plus qu'un personnage que nous n'incarnons pas, et qui est en plus un personnage qui est tout autant principal que nous-mêmes à l'intérieur de la narration. Et c'est vrai que ça me semble compliqué d'avoir tout ça. Patato. Un mot pour la fin, comme ça au moins on essaie de se clôturer ça tranquillou, ça fait déjà 2h30 qu'on est présent. Juste 2h40 presque. Je veux vachement rebondir vite fait sur ça. Est-ce que c'est pas par pure nostalgie et par pur attachement au personnage que tu as ce sentiment-là de le mettre vraiment au-dessus de tout, parce que moi, si je vais par là, tu vois, j'ai aussi un attachement profond envers le personnage de Tidus, et quand je vois l'écriture du personnage de Tidus, son histoire, son passé, et ce qu'il est, et son évolution dans encore une fois, dans FF10, fait que je trouve qu'il a une évolution incroyable, et que son histoire, en fait, est complètement folle. Est-ce que c'est pas, en fait, purement, on va dire, subjectif? Alors, honnêtement, je vais te dire, franchement, parce que là, du coup, je t'attendais un peu avant, mais parce que là, je commence à arriver au bout, je suis désolé, mais là, j'arrive vraiment au bout, quoi. Le truc qu'il y a, si tu veux, c'est que, je vais te répondre très clairement, je vais te dire non, parce qu'en fait, je vais te dire non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai pas d'attachement au personnage, parce qu'en fait, j'ai joué au jeu, et le personnage, on ne le joue pas. Toi, Tidus, quand tu en parles, c'est un personnage que tu joues et que tu incarnes. Donc forcément que le mimétisme est hyper important. Moi, j'ai aucun mimétisme avec Johnny Silverhand. J'ai pas fait sauter la tour d'un immeuble. Je fais pas partie d'un groupe de rock. Je fais pas partie... En fait, si tu veux, il est tout ce que je ne suis pas et ce que je ne serai jamais, mais ce que je ne rêve pas d'être. J'ai jamais rêvé d'être une rockstar. Jamais. J'ai jamais rêvé d'être un rebelle. Jamais. J'ai jamais rêvé de ne pas être dans le système. Le système m'a mis à l'écart naturellement, au fur et à mesure et progressivement. J'ai un passé qui parle pour moi. Tu sais que mon premier passé, c'est un passé de dessinateur. C'est ce que j'ai rêvé de faire quand j'étais plus jeune. C'est ce que mon père m'a permis de faire comme étude, que je n'ai pas pu faire. Donc il y a un côté, tu sais, un peu artiste raté qui est en moi. Et lui, il est l'évolution de tout ceci. Il est un artiste accompli, mais en plus, il a des idéaux qu'il va défendre jusqu'au bout. Là, Tidus, c'est un personnage que tu joues et que tu vois évoluer à la mesure de ce que toi, tu vas jouer. Lui, c'est un personnage qui est... Il n'est pas gentil, mais il n'est pas méchant. Il va simplement faire ce qui lui semble bon pour ses intérêts à lui,
qui lui semblent être des intérêts collectifs. Quand je te dis que c'est un personnage, quand je dis que c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit et que à titre personnel, je pense vraiment et honnêtement que c'est le personnage le mieux écrit du jeu vidéo, c'est parce que on ne le joue pas. L'écriture d'un personnage que tu ne joues pas et qui te marque autant, c'est-à-dire que quand tu auras fini de faire le let's play de Marie ou que tu auras fini de jouer un jour au jeu, la seule chose qui te restera de Cyberpunk, à part la ville et peut-être la bande originale, ça sera Johnny Silverhand. Pas parce que c'est Keanu Reeves qui l'incarne, mais parce que le personnage est tellement particulier et t'as jamais vu ça dans un jeu vidéo, mais même dans le cinéma, c'est très rare les personnages qui... Enfin, j'avais des exemples à l'époque, mais je sais... En fait, j'avais des exemples, vous m'excuserez, je pense que l'heure joue contre moi, je suis vraiment navré. J'ai plus le focus là-dessus. J'y réfléchirai pour la prochaine radio qu'on fera, où on continuera de parler de Cyberpunk. Et je te garantis, Joe, vraiment, hein, je te jure, mon poulet, garantis... Je me mets dans la peau de ceux qui connaissent pas le jeu, qu'on n'a jamais entendu parler, moi, enfin... Prenez-moi pour un noob ou pour ce que vous voulez, mais... Non, je prends pas pour un noob. Avant même qu'on en parle avec la sortie du DLC, j'avais vraiment, premier degré, jamais entendu parler de ce jeu. Hein? Ouais, bah désolé, et pourtant je connais... Non, mec, tu peux pas dire ça, c'est un jeu qui a coûté 300 millions d'euros, c'est pas possible d'être passé à côté, quoi. Si t'aimes le jeu vidéo, c'est impossible d'être passé à côté, avec tous les scandales, attends. Là, en vrai, honnêtement, avec tous les scandales qu'il y a eu sur ce jeu, c'est impossible d'être passé à côté. Franchement, j'ai aucune raison de me ridiculiser en disant ça. Non, mais j'entends bien. Si je le dis, c'est que malheureusement, c'est vrai, tu vois. Ouais. Avec tous les scandales qu'il y a eu au niveau européen, au niveau international, sur le fait de pouvoir rembourser les gens parce que le jeu, il était tellement mal optimisé pour Play 4 et Xbox One que franchement, c'est impossible d'être passé à côté, quoi. Je te jure, hein, ça a fait un scandale même au niveau, tu sais, de la Commission européenne et tout. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement important parce qu'en fait, le jeu, il n'était pas du tout. En fait, le jeu, il a été prévu pour tourner directement sur une 3090. Quand le jeu est sorti, il était fait pour tourner sur PC en full, en max frame, tout ce que tu veux. C'était comme ça que c'était prévu en fait. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est pas le système de jeu. Enfin, le PC, c'est le système de jeu qui est le plus présent dans le monde, mais c'est pas le système de jeu dédié qui est le plus présent. Celui qui est le plus présent, c'était la Play 4 à cette époque-là. Et les gens, ils ont acheté le jeu sur Play 4 et sur Xbox One en se disant trop cool, on va pouvoir jouer au jeu. Sauf qu'en fait, bon, on a vu les catastrophes et le chaos que c'était. Et les gens, ils ont voulu se faire rembourser. Sauf que ceux qui avaient acheté le jeu en démat, bah, ils pouvaient pas se faire rembourser. Il y a la chaîne sur laquelle moi j'ai commencé à faire des radios libres, enfin à participer à des radios libres et après à ce qu'on me donne le lead pour certaines radios. Le gars qui appartient à cette chaîne, qui fait un projet communautaire un petit peu comme Anna justement, mais sur YouTube. Il a une vidéo là-dessus qui a fait le tour de la francophonie, le tour d'Europe, parce qu'en fait il a quelqu'un de la PlayStation Company au téléphone, et en fait c'est lunaire. Je vous enverrai le lien sur mon Discord, je vous partagerai le lien tout à l'heure, mais c'est une vidéo, on croit même, moi en fait on en avait parlé ensemble lui et moi, j'avais demandé s'il avait fait un montage et tout, il me dit oui j'ai fait un montage pour raccourcir les séquences, parce que c'est une vidéo qui dure 40 minutes, parce qu'en fait ils le font poireauter au téléphone pendant 40 minutes avec un mec qui est là, tu sais, un scriptman en fait qui est au téléphone, c'est un mec de Hotline en fait, qui est au téléphone, qui parle à peine le français et qui essaie tant bien que mal de se dépêtrer de ce problème, mais on comprend qu'il y a déjà eu des soucis avec les retours qu'ils ont eu sur le jeu, où la majorité des gens voulaient se faire rembourser parce que le jeu n'était pas optimisé. Donc franchement, je suis honnête avec toi, si t'es passé à côté, c'est que t'étais pas intéressé par le jeu vidéo tout court, ben, à ce moment-là, franchement, en fait, honnêtement. C'est que déjà, le base, le style cyberpunk, je connais très mal, donc... Non mais là, je te parle vraiment, en fait, si tu veux, c'est que ça a été tellement... médiatiquement ça a été tellement fort que c'est vraiment... J'ai entendu parler de Cyberpunk parce que je crois qu'il y a un animé qui est sorti dessus. Oui, mais c'est tout. Mais sincèrement, c'est tout. Vraiment. Ah, et là... le truc c'est qu'en plus, c'est fort ce que tu dis parce qu'en fait, ça sort du plus gros... Enfin, du plus gros éditeur, développeur de jeux vidéo d'Europe. Pour nous, tu sais, c'est des projects, c'est un peu comme si c'était Rockstar, mais d'Europe, quoi, en fait, c'est un peu la même chose. C'est peut-être moi qui suis... Moi, je pense que t'es passé à côté complètement et que t'as pas fait gaffe, parce que vraiment, c'est impossible. C'est un des jeux les plus chers de l'histoire du jeu vidéo, quoi. Le jeu le plus cher de l'histoire du jeu vidéo, c'est Red Dead Redemption 2, qui aurait coûté potentiellement 700 millions de dollars, et le second, c'est celui-ci, qui aurait coûté entre 300 et 400 millions. Parce que c'est 7 ans de développement, c'est... À ma décharge, Pico, j'ai plus la télé chez moi, donc j'ai pas pu voir des pubs à la télé.
Mais ouais, après je comprends, c'est peut-être moi qui suis passé à côté, mais honnêtement... Mais après, encore une fois, alors après... Même dans mes potes, en fait, qui sont gamers, on m'a jamais parlé de Cyberpunk, quoi. C'est que depuis que je vous connais, Marie et toi, qu'on m'en a parlé. Hein, mais... Bah écoute, moi je vais te dire, vraiment, honnêtement, de toi à moi, en fait, si... Alors c'est pas le fait, on s'entend encore une fois, tu vois, parce que moi j'entends souvent ces gens dire ouais mais les, moi j'ai des potes gamers, tu comprends, ils sont à fond sur ça et tout. Oui mais c'est parce qu'en fait c'est toujours pareil, tu sais. Moi je suis un joueur depuis j'ai 4 ans, donc tu le sais, tu vois, ça fait 35 ans que je joue aux jeux vidéo tous les jours. Il n'y a pas un jour de ma vie où j'ai pas touché une console de jeu ou je n'ai pas joué à un jeu vidéo. Il y a des gens pour qui Mario c'est impossible. Moi les gens pour qui Mario c'est impossible, je comprends pas, tu vois. Je peux modifier mon propos. Ce que je veux dire, c'est que j'entends que pour toi c'est ça. Mais je veux dire, soit c'est ma faute et pour le coup je suis vraiment passé à côté de quelque chose et j'ai vraiment loupé un truc. Voilà, mais parce que quand tu dis quand même le perso clairement. le plus le mieux écrit, non, le mieux écrit. Le mieux écrit du jeu vidéo, de l'histoire. Ouais, de l'histoire du jeu vidéo, ouais. Tu parles de Peppa Pig dans un dessin animé, quoi. Tu parles d'un perso que tout le monde le connaît, tu vois. Moi, franchement... Non, je t'ai pas dit que tout le monde le connaît, mais non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça, ça dépend de la culture. C'est comme si on va parler de cinéma et que tu vas me dire, mais ce film, je l'ai jamais vu. Je vais dire, bah c'est dommage parce que ce personnage, c'est un des personnages les mieux écrits de tous les temps du cinéma. Un film avec un perso, tu vois, c'est... Mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que tu sais, quand tu regardes Star Wars pour la première fois, la seule chose qui te reste, c'est pas Luke Skywalker, c'est Dark Vador. Et le personnage, il est tellement bien écrit qu'en fait, le premier truc, quand tu vois Star Wars la première fois de ta vie, l'épisode 4, du coup, le premier truc qui te reste, le seul truc qui te reste, à part les sabres laser et l'étoile noire, c'est Dark Vador. Et t'es là, tu dis, mais attends, mais on le voit 4 minutes, ben oui, mais il est tellement bien mis en scène, il est tellement bien apporté, que le seul truc qui te reste, c'est ça. Oui, mais Dark Vador, tu le connais parce que ça a 40 ans ou 50 ans. Même sur les six films, le personnage de Dark Vador, c'est un des persos avec l'histoire et le background et l'écriture de personnage la plus incroyable que je connaisse. Et je dis pas ça parce que je suis un fan de Star Wars. Hein. Je dis ça parce que je le pense vraiment. Tu vois. Bien sûr. Mais pour moi, quand on dit que en gros c'est un monument, ça veut dire que rien que tu cites le nom. Tout le monde l'a entendu parler. C'est un monument. Ouais, mais là, le truc qui a, si tu veux, c'est toujours pareil. T'sais. Je te le dis parce que je l'ai fait de long. Quand tu dis que c'est le personnage le mieux écrit de l'histoire du jeu vidéo. Oui, c'est tout. Ça veut dire que tout le monde l'a entendu parler. Non, ça veut pas dire que tout le monde en a entendu parler. Ça veut dire que, avec l'ensemble de la culture vidéoludique que j'ai, je te garantis que ce personnage-là, il supplante tous les autres en termes d'écriture. C'est ce que ça veut dire. J'ai juste par rapport à la définition de monument. C'est pas forcément quelque chose dont tout le monde a été obligé d'entendre parler au moins une fois. Hein, regarde, Wolfenstein, c'est un monument de ouf parce que c'est juste le premier FPS. Mais pas tout le monde en a entendu parler. Hein. C'est juste que Doom, après, pareil Doom, pas tout le monde connaît Doom. Ouais, moi je connais, mais... Oui, non, mais. Tu connais parce que mais c'est ça, tu vois, c'est pas parce que tu ne connais pas. Je compare par rapport au cinéma, tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui ont pas vu Blade Runner. Bon, moi personnellement, je me dis, c'est un affront à la culture cinématographique si tant est que tu y sois un peu intéressé. Quand tu penses que une des meilleures bandes originales de tous les temps, elle a été écrite par Vangelis dans ce film, c'est pas encore une fois, je vais te dire, Joe. Sur YouTube, j'ai fait deux vidéos sur la série Obi-Wan. La première, c'était un retour à chaud. Ouais, tu verras, je te dirai. J'ai fait un retour à chaud et j'ai fait un retour à froid 6 ou 7 mois après parce qu'en fait, je parlais avec des gens sur Twitter qui sont dans des écoles de cinéma ou qui travaillent dans le cinéma, je ne me souviens plus. Et en fait, ils argumentaient que c'était une excellente série. Et moi, je tombais des nues. Quand j'ai entendu ça, j'ai tombé des nues. Ouais, j'ai adoré aussi le 1 de Patato. Et le truc qu'il y a, c'est que, en fait, le manque de culture, mais c'est terrible ce que je vais dire, c'est méchant, parce que moi, je manque de culture aussi sur certaines autres choses, tu vois. Le manque de culture ne doit en rien impacter le fait de l'appréciation globale. Et dans le lot de mon explication, j'expliquais pourquoi, par exemple, le beau ne se négociait pas. Maintenant, on négocie le beau. Maintenant, on te dit... quelqu'un qui est, tu sais, on te dit le body positive, par exemple, tu vois. On te dit le body positive, et on t'explique qu'en fait, quelqu'un qui est obèse, c'est magnifique, et qu'il n'y a rien de plus beau.
personnellement, quand je regarde les nus de l'Antiquité d'il y a 2500 ans, les gens, ils n'étaient pas obèses. Et c'est une définition du beau global, on s'entend. Il faut faire des généralités pour pouvoir exemplifier l'ensemble de notre argumentation. Et donc, du coup, l'exemplification qu'on prend, c'est prendre le beau naturel d'il y a 2500 ans et se dire, je ne fais pas que suivre ce qu'il faisait il y a 2500 ans, mais ce qui a été défini par 2500 ans d'histoire pour se dire, ça, c'est quelque chose de beau. Moi, je l'ai appris en histoire de l'art, ça, tu vois. Quand j'étais à l'école de dessin, à l'époque, on nous disait, tu sais, on nous faisait faire des cours de nu. Et on avait des modèles, on avait des bodybuilders et des bodybuildeuses, on avait des gens qui étaient gros, on avait des gens qui étaient maigres, on avait des frigos, on avait des trucs, et des vrais trucs, hein. Quand je dis des frigos, c'est vraiment le dessiner un frigo, quoi, en fait. Et t'es là, tu dis, mais je comprends pas, quel rapport ça a avec un nu? Et en fait, le rapport que ça avait, c'était qu'en fait, c'était simplement le fait de comprendre ce que la matière était pour pouvoir ne pas que l'exemplifier, mais la représenter concrètement. Et en fait, la représentation de tout ça, elle est à l'intérieur de ce que tu veux bien en voir. Pas par rapport à ce que toi, tu sais. On s'entend. C'est pas par rapport à ce que toi, tu sais dans ton coin. C'est par rapport à une masse de choses qui fait que, à titre personnel, moi, je m'exprime à titre personnel, mais je sais que beaucoup de gens qui ont joué à Cyberpunk, énormément de gens qui ont joué à Cyberpunk, s'accordent aussi sur le fait de dire que ce personnage-là, il a quelque chose de particulier qui fait que tu n'as jamais vu un personnage développé de cette manière-là dans un jeu vidéo. Je dis pas qu'il, parce qu'il est différent, il est développé d'une manière différente, mais je te dis qu'au niveau de l'écriture, il n'y a pas un personnage dans le monde du jeu vidéo qui a été écrit aussi qualitativement que... C'est quoi ça ? Aussi qualitativement que Johnny Silverhand. Mais vraiment, c'est pas parce que j'ai aimé le jeu, c'est pas tout ça et tout, c'est qu'en fait, je fais le feedback de tout ce que j'ai vécu en tant que joueur, dans ma vie de joueur, et je me dis, putain, mais est-ce que j'ai un personnage qui m'a autant marqué que ça dans tout ce que j'ai fait en jeu vidéo, et les Final Fantasy, je les ai presque tous faits, tu le sais, le seul que j'ai pas fait, c'est le 7. Le 10, pardon. C'est pour ça qu'on en a parlé, toi et moi, et que tu me dis, il faut que tu le fasses, je te jure, Seb, c'est une dinguerie et tout, parce qu'en plus, toi, c'est ton jeu préféré. Moi, Cyberpunk, c'est pas mon jeu préféré, tu vois la différence. C'est-à-dire que toi, en fait, t'es déjà biaisé. Moi, le Cyberpunk... Je pense pas non plus que Tidus, c'est le meilleur personnage de DFF en général. Je sais que même sans avoir joué. Non, mais c'était pour te dire un exemple comme oui, ça. Oui, non, mais je comprends l'exemple, tu vois, mais c'est un exemple qui est important parce que tu prends l'exemple aussi sur ton jeu préféré, c'est ça le truc. Même sans avoir joué en entier au 7, je sais que Sephiroth, tu vois, Sephiroth, c'est un putain de personnage emblématique de. Exactement, fou, qui est très bien écrit. Une écriture de malade mental. Effectivement. Et j'en ai entendu parler, j'ai vu le perso. Même si j'ai pas fini. Alors, tu en as entendu parler, on précise quand même que Final Fantasy VII, ça a 25 ans. Donc, forcément, que t'en as entendu parler, quoi. Ouais, je vais juste regarder. Ouais, Cyberpunk 2077, ça a 3 ans. Et je te garantis. Est-ce que justement, un perso qui a 3 ans peut surclasser des persos d'anthologie qui ont plus de 20 ans? C'est ça la question, tu vois. Bah, pourquoi ça ne pourrait pas? Je dis pas que ça peut pas, mais je dis... Dans ta question, en fait, la rhétorique de ta question, c'est comment un personnage qui n'a que 3 ans, qui n'existe, enfin que le grand public ne connaît que depuis 3 ans, pourrait surpasser un personnage, par exemple, qui a plus de 25 ans. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le côté biaisé des gens qui vont dire que Sephiroth, c'est par exemple un personnage qui serait mieux écrit, c'est parce qu'ils ont 25 ans de fanboyisme derrière eux. Moi, je suis pas un fanboy, hein. Moi, je suis un fanboy de Cyberpunk. Il y a plein de trucs, tu m'entends à chaque fois que je parle de Cyberpunk, il y a plein de trucs où je me dis, les gars, vous avez foiré complet, vous n'auriez pas dû faire ça. Sauf que, quand je m'en exergue les points positifs, je mets toujours les mêmes. En premier lieu, je mets la mission de la parade. La meilleure mission, une des missions de jeux vidéo les mieux écrites de tous les temps, tout court. Parce qu'elle est incroyable. Et si tout le jeu il avait été développé de la même manière que cette mission a été écrite, ça aurait été peut-être un des plus grands jeux de tous les temps. Ensuite, je mets la ville. La ville, c'est pour moi... Encore une fois, moi je parle pour moi, tu vois, quand je parle pas au nom de tout le monde, je parle pour moi. Moi, pour moi, la ville de Night City, en fait, la carte, elle est mal fichue parce qu'elle est trop grande et que les Badlands, pardon, ne servent à rien. Mais la ville de Night City, c'est la meilleure ville qui nous ait jamais été proposée d'avoir et de jouer dans un jeu vidéo. Même en comparaison de San Andreas à l'intérieur de GTA V. Et pourtant, j'adore la ville de GTA V, y a pas de souci, mais...
C'est un plagiat de ce qui existe dans la vraie vie. Alors que là, Night City, ça n'existe pas. Même que j'ai jamais été à Los Angeles, on a tellement, tu sais, dans l'imaginaire collectif, tellement, c'est tellement prégnant dans l'imaginaire collectif, l'image de Los Angeles, qu'en fait, on l'a vu, tu sais, sans le voir, on n'a jamais visité, mais on irait, on verrait, on reconnaîtrait tellement de choses. Et en plus, évidemment, par rapport à ce qu'on a eu dans GTA V, on aurait de quoi s'identifier. Là, en fait, tout est nouveau. Et ensuite, toujours, le personnage de Johnny Silverhand, parce que c'est un personnage qui est écrit, il est, si tu veux, en fait, il est tellement écrit avec de la subtilité, il est tellement écrit avec passion, tu sens de l'envie et tout, et c'est ce que je dis dans l'argumentation que je propose, c'est que tu sens que c'est aussi une immense partie des équipes de Keanu Reeves qui ont travaillé sur l'écriture de ce personnage, avec le concours des équipes de CD Projekt, pardon, excusez-moi, avec les équipes de CD Projekt, et tu sens en fait que, de temps en temps, par exemple, tu vois, de temps en temps, tu sens qu'il y a des trucs où tu te dis, mais qu'est-ce que le personnage fait là ? J'ai l'impression que ça a été rajouté, j'ai l'impression que ça a un peu été forcé. Et effectivement, tu le ressens, tu vois, moi je le ressens parce que je te dis, le projet Cyberpunk 2077, j'ai commencé à le suivre 7 ans avant que ça sorte. C'est-à-dire qu'en fait, le projet Cyberpunk 2077, j'ai commencé à le suivre dès le début des premières annonces, parce qu'en fait j'avais joué moi à Cyberpunk quand j'étais adolescent en termes de jeu de RPG papier, et du coup je m'étais dit putain ça serait super cool, parce que bon déjà c'est mon genre préféré, donc peut-être que je suis biaisé là-dessus, mais honnêtement je pense pas, je te dis, parce qu'il y a plein de gens qui s'en battent les couilles du Cyberpunk, qui ont joué à ce jeu-là et qui se disent putain c'est vrai quand même que le personnage de Johnny Silverhand c'est le seul truc qui me reste à la fin du jeu, c'est-à-dire que la ville ils en ont rien à foutre, la boucle de gameplay ils en ont rien à foutre, les multiples fins à la fin ils en ont rien à foutre, mais le seul truc qui leur reste c'est le personnage de Johnny Silverhand, parce que l'écriture de ce personnage elle dépasse tout ce qu'ils ont pu avoir à l'intérieur de n'importe quel autre jeu auparavant. J'ai fait des radio ailleurs que chez moi, enfin ailleurs que où moi j'anime, où il y a des gens qui font qui ont joué à ce jeu là et il en ressort toujours la même chose, le personnage de Johnny Silverhand il surclasse tous les autres. Alors permets-moi de préciser mon propos, ça m'aurait moins fait tilter en fait si tu m'avais sorti le personnage d'une musique de la décennie, tu vois, j'aurais plus pu comprendre, tu vois. Là je comprends toujours ton point de vue parce que tu me l'expliques, je comprends bien. Mais pareil, je pense aussi que c'est peut-être aussi qu'une question de point de vue ou moi, ce que je peux faire pour argumenter mon point de vue, et c'est ce que je te recommande, dans 2 jours, Marie, elle doit faire normalement du Cyberpunk. Si tu te sens pas de regarder le let's play en entier, ou si tu veux vraiment l'interaction, fais le jeu, et on en reparle quand t'as fini le jeu. Vraiment, je suis honnête avec toi, Joe, vraiment, honnêtement, quoi. Je compte être à 100% sur son live. Bah, tu verras. Justement, pour pas louper une miette, comme la dernière fois, j'étais là, mais je regardais à moitié. Là, je compte être vraiment là, en fait, avec elle, pour qu'elle puisse m'en parler et tout. Bien sûr. Qu'elle puisse me dire la face qu'elle a. Et tu verras, et avec Marie, ça sera encore mieux, parce que Marie, donc, comme nous avec Patato, si tu veux, elle a fait le jeu, elle est à fond. Au-delà de ça, elle est passionnée par l'univers de Cyberpunk 2077. Elle aime le personnage de Johnny Silverhand, donc elle va te le vendre d'une autre manière que ce que moi je vais te le vendre. Parce que moi je te le vends comme quelqu'un, si tu veux, tu sais, qui a un cursus. J'ai grandi dans les années 90. J'étais un enfant dans les années 80, mais je me suis fait ma culture dans les années 80 et 90, où le cyberpunk était prégnant, et à un moment donné, ça a coulé, il n'y a plus rien eu. Après Matrix, ça a été le fossoyeur du cyberpunk. Alors, à mon grand plaisir d'un côté, parce que c'est un de mes films préférés, et à mon grand désarroi de l'autre, parce que ben, ça a tué en fait un peu le genre, jusqu'à ce que Cyberpunk 2077 revienne, et où il y a plein de petites œuvres qui sont en train de revenir, et moi ça me satisfait grandement. Et je te garantis que, au-delà du fait d'aimer le côté cyberpunk des œuvres, je le mets en exergue avec plein d'autres choses. Tu sais que je lis beaucoup, par exemple. Je le mets en exergue avec plein de bouquins que j'ai pu lire sur le cyber, enfin, qui se passent dans des univers cyberpunk ou pas. Je joue à plein de jeux vidéo. J'ai joué à plein de jeux vidéo. Tu la connais ma culture. Tu sais, on parle énormément toi et moi là-dessus. Pareil au niveau du cinéma, tout ça et tout. Et vraiment, tu vois, je te dis pas que c'est le meilleur personnage jamais écrit de tous les temps, mais je te dis que c'est le meilleur personnage jamais écrit de tous les temps pour le jeu vidéo. Tout simplement parce qu'en fait, selon tout ce que j'ai pu voir dans le jeu vidéo, je n'ai jamais vu et je n'ai jamais eu les sensations que c'est pas que des sensations en fait. C'est tous les sentiments
que j'ai pu avoir en interagissant avec Johnny Silverhand, alors que c'est un personnage qui n'est pas jouable. C'est, okay. C'est le personnage principal du jeu, en fait, hein, avec toi. Je te dis, quand t'as fini le jeu, si tu veux, c'est toujours pareil, c'est quand tu termines le jeu, qu'est-ce qui te reste ? Moi, c'est ça le truc que je me dis, tu vois, quand je termine un Mario, qu'est-ce qui me reste, par exemple ? Il me reste toutes les sensations que j'ai eues pendant le jeu. Mais j'ai pas, tu sais, il y a pas, bon, après, voilà, c'est Mario, tu vois, donc il n'y a pas d'affect spécifique au fait de se dire, oh là là, Peach, elle est allée avec Bowser, elle s'est mariée avec Bowser, oh là là, Peach, elle s'est mise avec Mario, elle s'est mariée avec Mario, elle s'est encore fait kidnapper, oh machin, ceci, cela. Là, non, tu vois, là, il y a d'autres jeux, tu vois, où tu pourrais te dire, tu sais, quand tu joues à Resident Evil, qu'est-ce qui te reste comme, comme personnage en tête, tu vas te dire, ah bah tiens, moi, il me reste peut-être Wesker, parce que Wesker, c'est un enfoiré et tout. On le voit pas beaucoup, mais il est hyper impactant, tu vois, par exemple, c'est vrai, tu vois, personnage Wesker. Tu dis, ah tiens, il est hyper intéressant. Tu pourras avoir Léon Kennedy, tu vois, un personnage qui est incroyable, que tu incarnes. Donc du coup, tu pourras se projeter différemment et tout. Mais il n'y a pas de profondeur dans ces personnages. En fait, c'est des personnages qui sont là pour avoir une fonction. Alors que, comme on joue dans un RPG, parce que c'est là, tu vois, c'est ce que... Et en fait, le fait que tu réagisses là-dessus, ça veut bien dire, en fait, mais même par rapport à Pico, tout ça et tout, par rapport à ce qu'elle disait, tu vois, vis-à-vis de ce qu'on a entendu sur le jeu, tout ça et tout, par rapport à la publicité, par rapport à la communication qui a été faite dans le jeu, tout ça et tout, là où tu réagis à ce jeu et où ça te fait réagir, c'est justement parce que j'ai dit, pour moi, c'est le meilleur personnage de jeu vidéo qui ait jamais été écrit de tous les temps, et je te l'argumente, et en fait, je continue l'argumentation, en te disant, finalement, en fait, c'est la continuité naturelle de ce que, de tout ce qu'on, de ce, tout ce dont on a parlé ce soir. Est-ce que la narration, elle est impactée par une cinématique ou pas ? Est-ce que la narration d'un RPG, ça doit s'articuler autour d'un jeu en FPS ? Est-ce que la narration, c'est aussi forcément centré sur le personnage que nous, on joue ? Est-ce que finalement, le personnage central et le personnage principal de l'histoire dans laquelle on est en train d'interagir, ça peut ne pas être nous ? Et là, c'est ouais, complètement non, le cas, tu vois ce que je veux te dire ? Je vois ce que tu veux dire. Après, je comprends, mais... Je comprends que ça soit dur à entendre, hein, par contre. Comment dire ça sans passer pour un connard ? Pour une personne qui n'est pas forcément intéressée par le style cyberpunk ou qui n'a jamais joué à des jeux de ce style-là, est-ce qu'il aurait absolument le même avis que toi en ayant connu un peu le perso, en ayant... Ne serait-ce que vu des let's play, parce que ça n'a peut-être pas intéressé de jouer au jeu ou quoi, en ayant vu des let's play, en ayant connu un petit peu l'histoire, ou en ayant regardé des let's play du perso, par curiosité, pour essayer de voir ce que confirmer ce que tu dis. Parce que alors si la personne, si la personne intellectuellement et culturellement, elle est honnête, franchement, je pourrais comprendre que la personne... En fait, si tu veux, c'est globalement dans l'ère dans laquelle on vit, tu sais très bien ce que je pense de cette ère de merde, et on pense la même chose, toi et moi, de cette époque catastrophique au niveau culturel. Je pense que c'est pas à la portée de tout le monde de voir la profondeur, pas la profondeur d'écriture, la qualité d'écriture du personnage. On voit bien qu'il y a plein de gens qui vont voir des films et qui passent complètement à côté, alors que c'est des films qui sont... Mais, tu vois, moi, par exemple... J'avais pas vu La La Land, on m'a dit, bah Seb, il faut que tu vois La La Land de Damien Chazelle, tout ça et tout, c'est une dinguerie, s'il te plaît, je t'en supplie, regarde-le. On m'a vraiment supplié de regarder ce film, je me suis dit, mais putain, ça m'intéresse pas, alors que j'adore les comédies musicales, c'est un de mes genres préférés au cinéma. J'ai vu le film, et à chaque fois que je le vois, je pleure, parce que je me dis, mais je pleure genre au premier degré, quoi, en fait. Le film me fait pleurer, et après il me fait penser, putain, mais j'ai été trop con de pas aller le voir au cinéma, parce que... Ben je pouvais pas, j'étais pas là, j'avais pas envie, enfin bon bref, j'avais trouvé toutes les excuses de la terre, parce que ben, j'étais un peu con, tu vois, je me suis dit, bon, encore une comédie musicale, quoi. Alors que pas du tout, parce que ça raconte bien autre chose. Et c'est ça, en fait, la qualité du personnage, pour moi, de Johnny Silverhand, c'est en fait, il a une histoire, il raconte quelque chose, mais c'est ce que tu veux bien comprendre de tout ce qu'il raconte, par son vécu, par le passé qu'il a, et par ce qu'il te donne à vivre comme émotion, qui va te permettre de te dire, ah ouais, franchement, ce personnage... Il n'est pas incroyable simplement parce qu'il a un look un peu sympa, il est incroyable parce que son écriture, elle m'apporte une profondeur que je pourrais peut-être trouver dans un bouquin sans plus. Sans ça, ça n'existerait pas, quoi, en fait. Non, mais je vois, parce que moi, très clairement, comme je t'ai dit, je n'ai pas fini FF7, mais quand on me dit FF7, le premier truc auquel je pense, c'est pas Cloud. C'est Firoz, en fait. Parce que pour moi, c'est Firoz, voilà, c'est un des persos les mieux écrits de la saga FF, en fait, carrément. Bien sûr. C'est un... Bah voilà, ouais. Eh ben, tu le dis bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un des meilleurs personnages jamais écrits pour Final Fantasy, tout court. Voilà, tu vois, donc... C'est tout. Donc, et même sans avoir fini le jeu, tu vois, j'ai fait un peu plus la moitié du jeu, pour te dire, donc...
c'est ce qu'on m'a raconté de lui, ce que j'ai vu de lui, ce que j'ai me suis renseigné sur lui, sur ce que les gens m'ont dit, les fans et les moins fans. Même voilà, j'ai même été regarder des classements et compagnie de perso les mieux écrits et compagnie là pendant qu'on parlait. Et j'ai vu bon Mario, Link. Bon après ça, je pense que c'est aussi biaisé parce que la licence elle est totalement vachement aimée et que du coup c'est populaire gens, exactement, c'est très populaire. Son préféré, leur perso préféré, voilà, sans réfléchir techniquement, mais même sans être complètement biaisé, j'ai retrouvé d'autres personnages, j'ai retrouvé comment il s'appelle, Squall de FF8, bien sûr, j'ai retrouvé d'autres persos, un de mes Final Fantasy préférés d'ailleurs, le FF8 qui est excellent. J'avais commencé aussi, mais j'avais pas trop accroché au jeu de cartes et compagnie, enfin c'était bizarre. Ça m'avait moyennement plu, mais voilà, je sais que dans toute manière dans les FF les persos en général sont super bien écrits en général parce que Square Enix à chaque fois ils font un travail de dingue et sur ça voilà, je sais que même sans avoir fini les jeux ou avoir fait complètement les jeux, je sais que ces persos là voilà, ça fait partie des mais en vrai tu vois, tu m'aurais simplement dit de la décennie, ça m'aurait moins choqué. Ça ah mais moins... c'est pas grave. Après le truc, si tu veux, je comprends ton... En fait, si tu veux, ce que tu me dis par rapport au fait de la décennie, si tu veux, c'est qu'en fait, pour moi, déjà, la décennie vidéoludique, là, elle est nulle à chier. Donc du coup, tu vois, déjà, ça aurait été... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu m'aurais sorti de la décennie... Bah moi, je te dis tous les temps, parce qu'auparavant, il y a 30 ans, il y avait très peu de développement au niveau des personnages. Et en fait, le développement d'écriture des personnages, il existe depuis 20 ans, tu vois, tout cassé. Donc, on va dire un peu à peine plus de 20 ans, tu vois, peut-être 25 ans, tu vois, on va pas être... Dans tout le classement que j'ai trouvé le personnage de Lara Croft. Mais quelle profondeur elle a, Lara Croft? Qu'est-ce que tu sais d'elle? J'ai pas touché au jeu, donc... Voilà, tu vois, t'as pas touché au jeu, mais tu la connais, mais c'est normal, tu vois, c'est une licence qui a 30 ans. Mais... Je la connais de nom, tu vois. Bah voilà. Tu la connais que de nom. Bah ouais, tu la connais que de nom. Moi, Lara Croft, tout ce qu'il y a. Là, tu vois, ici, j'ai les trois derniers Tomb Raider. Et Tomb Raider, j'y joue depuis le premier, par exemple. Lara Croft, c'est un personnage du jeu vidéo. C'est un personnage emblématique du jeu vidéo. Mais est-ce qu'elle est bien écrite pour autant? Dans ça, après, comme j'ai dit pareil pour Mario et Zelda, exactement, c'est exactement ça. Moi, je te parle d'écriture, voilà. Tu vois, je te parle pas du fait. Parce qu'en plus, là, c'est ce que je te dis, c'est un personnage qu'on joue pas. Moi, je te parle vraiment d'écriture. Je parle du fait de ce que le personnage te laisse une fois que t'as fini. Exactement, par exemple, voilà, il y a les personnages. Exactement, Pico. Il y a les personnages de Nier Automata, Nier Replicant, mais même de Nier le premier tout court sur Xbox 360, qui sont complètement incroyables en fait. Quand tu... parce qu'il adore, Moi j'adore, tu vois, Nier, c'est une dinguerie. Quand t'as fini le jeu, il te reste quelque chose. Mais quand t'as fini Nier, le truc qui te reste, c'est l'ensemble de l'univers et tout cet univers de ouf que t'as découvert à l'intérieur de tout ça. Les personnages, ils arrivent juste après. Bah déjà parce qu'en fait, c'est normal, c'est logique parce qu'en fait... Mais tu sais, c'est juste après, c'est au coude à coude en fait que ça se joue. Mais c'est parce que l'univers de Nier, il est ouf, il est extrêmement bien écrit, développé d'une manière complètement incroyable. Mais en fait, les personnages, c'est des personnages qui sont fonctions. Donc du coup, ils sont là pour agir sur quelque chose. 360, c'est Replicant. Ah oui, c'est ça, oui. Celui 360, c'est aussi Replicant, mais Replicant, Gestalt. Mais je le dis, je vois juste là, en fait. Je vois juste... Il est juste derrière, en fait. Et le truc, c'est que quand tu joues à Nier, par exemple, tu sens que c'est... Il y a un intérêt... Alors déjà, l'intérêt musical, il est incroyable. Donc, à titre perso, hein, moi, je parle encore une fois. Moi, quand je m'exprime par rapport à mon ressenti, à moi, en fait, et par rapport à ma culture vidéoludique. Et le truc, c'est qu'en fait, je peux pas faire semblant de ne pas avoir fait, par exemple, tu vois, Metal Gear Solid, à l'époque, le tout premier... Moi j'étais fou, tu vois, tu sais, quand j'ai commencé le jeu et que t'es en prison, à un moment donné, où t'es obligé d'utiliser une petite bouteille de ketchup pour faire croire que tu saignes, machin, pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'aider à ne pas mourir dans ta cellule, et que en fait tu lui voles les clés pour pouvoir sortir et tout, à l'époque, mais c'était complètement fou, tu vois, c'était fou. Et je te disais à l'époque que, et je te l'aurais maintenu mordicus, dur comme fer, que, oui, en fait, le meilleur jeu, la meilleure écriture de jeu de tous les temps, c'est Metal Gear Solid. Ça, je te l'aurais dit à l'époque. Là, maintenant, pour le maintenant, je sais plus trop, tu vois. Ça serait un peu compliqué, en fait. Peut-être Nier, ouais, justement, tu vois, peut-être Nier Automata. Mais le truc, c'est que... ouais, je sais, j'ai vu ça, parce que Marie, elle m'en a parlé, justement, que vous allez voir, pouvoir, peut-être quelque chose comme ça ensemble, je sais pas trop, il me semble que c'est ça, non?
je sais plus. Bref, peu importe. Et vous, qu'elle aimerait y aller, je sais plus trop ce qu'elle m'a expliqué. Et le truc, c'est que... Ah, c'est ça, hein, bah, c'est bien ce qui me semblait. Et le truc, c'est qu'en fait, le temps se faisant, moi, je me désintéresse de plus en plus du jeu vidéo de manière générale, parce qu'en fait, je n'y trouve plus mon compte. Il n'y a rien qui me fait bander dans les jeux vidéo. Les gameplay, ils sont plus ou moins pourris, majoritairement, c'est très très pauvre. Les boucles de gameplay, elles deviennent de plus en plus inexistantes, c'est terrible. Donc elles deviennent de moins en moins prégnantes et de moins en moins présentes. L'écriture des... En fait, les scénarios, ils sont cousus de fil blanc, il n'y a pas de risque qui est pris ni rien et tout. Et d'un coup, soudainement, j'ai Cyberpunk qui se fait bâcher de partout. Et moi, je l'ai bâché dès le premier jour. J'ai vu les trucs, je me suis dit, oh là 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 là. J'ai eu 4 ou, 3 ou 4 crashs sur la Xbox. J'étais là, je me suis dit, putain, jamais elle a crashé cette Xbox. Et là, pile poil, soudainement, elle crash. Je récupère une Xbox One X parce que bah, j'avais un contact qui m'avait permis d'avoir cette console-là. Je joue au jeu, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Je fais mes 70-80 heures de run. Et j'arrive à la fin du jeu et je me dis, ce qui me reste, c'est que Johnny. La ville, elle est revenue. Ça, honnêtement, ça, je l'entends, tu vois, que pour les joueurs... Les et je me base sur toute la culture que j'ai du jeu vidéo, c'est ça le truc, je me base pas sur 4 jeux, quoi. Après, je l'entends, tu vois, je vais même demander à mes animateurs de faire une question du jour pour me dire, pour vous, hors votre licence préférée, de manière 100% objective, quel est le perso le mieux écrit du jeu vidéo, parce que tu dois pas être le seul à penser ça, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui doivent penser à la même chose que toi et je pense pas que... Et moi je te dis par contre le seul problème c'est que les gens qui vont penser comme moi c'est ceux qui auront fait le jeu. Si t'as pas fait le jeu t'es passé à... En fait si tu veux, tu sais, pour moi tu vois c'est ce que je dis, si t'as pas vu Blade Runner de Ridley Scott, ben t'es passé à côté de quelque chose pour ta culture cinématographique. Je dis pas que c'est le meilleur film de tous les temps, je dis que c'est un très grand film des années 80. Mais parce qu'on est en 2020, tu vois, donc ça a 40 ans. Je dis que c'est un très grand film des années 80, et donc c'est un des meilleurs films de tous les temps parce que la décennie des années 80 a sorti quelques-unes des plus grandes pépites du cinéma qui ont influencé le cinéma depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Rien que Les Parrains et Scarface, par exemple. Exactement, tu vois, le parrain, par exemple, c'est. Le parrain 1 et 2, le 3. Bah, moi, j'adore le 3, mais ça, après, mais on en débattra quand on parlera de cinéma, toi et moi, de toute façon. Non, justement, bien au contraire. Et le pas nul chier, mais je l'aime pas, en fait. Ah, voilà, c'est pas, tu vois, c'est, de suite, tu vois, la nuance est différente, en fait. J'adore tout ce qui est univers de mafia et tout ce qui est. Enfin, Al Pacino, c'est mon acteur préféré, donc voilà. Mais... Ah, bah, je comprends. Mais j'aime pas. Et ben voilà, regarde, la prégnance, ben regarde, tu vois, la prégnance que Le Parrain, par exemple, ça a sur tous les films de mafia, sur toutes les séries de mafia, tout ça et tout. Tu peux pas dépasser ça, c'est impossible, parce qu'en fait, ça a été tellement bien fait, ça sera jamais dépassé. C'est pas parce que je le dis que c'est vrai, c'est je le dis parce que ça fait. Le Parrain, ça a 50 ans. Ça a pas 40 ans, Le Parrain. Ça a 50 ans. Le Parrain 2, ça a 45 ans. Ça n'a jamais été dépassé depuis 45 ans. Il y a plein de trucs qui sont sortis. Le Parrain, c'est un peu Marlon Brando, parce que voilà, on le voit pas tant que ça, en fin de compte, hein, Domito. Mais moi, ce qui sublime Le Parrain, c'est la façon de jouer de Al Pacino, en fait. C'est Al Pacino qui rend le qui truc... Porte le tout. Il porte le tout. Tout, en fait. Et c'est pour ça que Le Parrain 2, et c'est pas pour rien que Le Parrain 2, il est considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps, parce que c'est une des meilleures suites de tous les temps. Alors à titre perso, ça serait Terminator 2, L'Empire Contre-Attaque et Le Parrain 2, je le mettrais dans cet ordre-là, et Rambo 2 derrière aussi. Et derrière, tu te dis, bon, on a ce film-là, il supplante complètement le premier, alors que pourtant Le Parrain c'est une masterclass complète, hein. Enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'écriture. Le 2 j'aime beaucoup aussi. Hein. Et le 2 pour moi il va encore plus loin, et il va plus loin pourquoi? Pas parce qu'il y a Robert De Niro, il va plus loin parce qu'en fait tu as raison, Al Pacino il est en roue libre complète, enfin en roue libre, il en maîtrise plutôt complète de ce que son rôle doit être, et il l'a tellement bien compris que c'est impossible de faire sans lui. Ouais. Impossible. Tu prends Le Parrain sans Al Pacino, je suis sûr que le film il a chier. Mais c'est impossible, c'est impossible. Tu vas avoir le meilleur casting du monde, Le Parrain tout sans Coppola, Pacino, le... Mais exactement, tout Francis Ford Coppola qu'il est, s'il a pas ce casting d'acteurs, il faut arrêter. Mais déjà, il y a la classe à l'italienne que ces acteurs dégagent. C'est ça, et puis après t'as le duo Robert De Niro et Al Pacino qui se complètent de fou. Exactement. Même s'ils sont pas ensemble dans la même scène, ils sont jamais ensemble dans la même scène, puisque Robert De Niro joue le jeune Marlon Brando qui joue le père de Al Pacino. Tout à fait. Voilà, donc ils sont jamais ensemble dans la même scène. Mais... Et tu vois ça, avec le temps, c'est devenu incontestable. Pourquoi? Parce que ça a été vu
à travers le temps. Et c'est ce que je disais, tu vois, tout à l'heure, par rapport au fait, c'est des nus, tout ça et tout, où, depuis 2500 ans, les nus grecs, alors moi, je prends les nus grecs en exemple, parce que c'est ce que je préfère par rapport aux nus romains, mais on peut prendre les nus romains, hein, tu vois, tu sais, de la Rome antique et de la Grèce antique, tu prends les nus grecs, c'est pas moi qui ai décidé que c'était des canons de beauté. Moi, je viens d'arriver, tu vois, je viens d'arriver, je suis là depuis 40 ans sur cette planète, donc je viens à peine d'arriver. Par contre, moi, ce que je regarde, c'est que quand je me retourne, je me dis, ah ouais, il y a 2500 ans d'histoire qui attestent que, en fait, ça ne me plaît pas sans raison. Ça me plaît, et nous, pauvres petits humains que nous sommes, nous essayons d'atteindre ces idéaux physiques, ou de les dépasser, parce que ce sont des canons de beauté depuis 2500 ans. Et là, ce que tu es en train de me dire, et là, ce que tu es en train de me dire par rapport aux parrains, c'est exactement mon argumentation auparavant. L'argumentation que j'avais auparavant, c'était de dire, oui, c'est très bon, et j'argumente, et tu as... Et là, c'est ce que tu es en train de dire. Le parrain, c'est bon pourquoi? C'est bon parce que le casting, il est ouf. C'est bon parce que c'est Coppola. C'est bon parce que c'est extrêmement bien filmé. Parce que la direction de la photographie, elle est incroyable. La bande originale, elle est folle. La direction des acteurs, elle est incommensurable de différence par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et en fait, c'est quelque chose... C'est une série de films, mais c'est un ou deux films qui ont changé la manière de faire du cinéma derrière et de faire des fresques. Tu peux refaire un remake du parrain en 2023, il n'aura jamais le succès qu'il jamais, a eu. Jamais, jamais, et ça sera de la merde en plus. Ah oui, ça sera nul à chier, clairement. Sauf si éventuellement, ça peut sauver les murs, que Al Pacino joue le rôle de Marlon Brando, peut-être. Non, mais ça serait nul à chier. Ça serait nul à chier, tu sais très bien pourquoi, parce que dans cette époque de wokisme à la con, ils arriveraient toujours à nous caser des trucs qui n'auraient rien à faire à l'intérieur de tout ça. Non, et ça pourrait sauver les meubles un petit peu, tu vois, que... qu'il soit là et que ça boucle la boucle, tu vois, mais ça serait pas fou du tout. Ça pourrait éventuellement sauver un petit peu les meubles et donner un peu de qualité au truc s'il y avait ça, mais ça serait de la merde quand même. Alors juste pour rebondir avec le chat, Pico, je suis désolé, j'avais pas fait attention à ton message. Donc tu dis les Drakengard 1 et 3, pas le 2, ont l'un des pires gameplay mais prennent énormément de risques. Le 1 aborde plein de sujets tabous sans vraiment les traiter, mais c'est fait exprès. Et le 3 joue avec le fait que le gameplay soit pas top et s'auto-clash via le perso principal. Alors, ce que tu me sors là comme argumentation, j'en ai entendu parler personnellement. Alors tu vois, voilà, à titre personnel par exemple, je n'ai pas joué à ça. Alors, pas parce que ça m'intéresse pas, c'est parce qu'en fait, j'ai pas assez de temps et j'ai pas assez d'argent pour pouvoir jouer à tout ça, malheureusement. Mais j'ai entendu ce genre d'argumentation et j'aimais bien le fait de l'autoclash qui était mis en exergue par rapport au troisième épisode. Le premier, je peux pas en parler, le deuxième, j'en ai jamais entendu parler non plus, donc je vais pas... mais tu vois, voilà, Joe, c'est ça le truc, c'est pas parce que j'en ai pas entendu parler que je remets en question le fait qu'il y a quelque chose de spécifique. Là, le fait que toi, t'en aies pas entendu parler, tu te dis, moi, j'en ai jamais entendu parler, donc, moi, je te dis, c'est pas parce que t'en as pas entendu parler. Ah non, mais c'est exactement ce que je te dis par rapport au cinéma. Mais non, mais on s'est pas mal compris. C'est ce que t'as dit quand même. Ouais, mais je me suis mal exprimé à ce moment-là. Ah voilà. J'ai pas dit que c'était pas le meilleur perso de tous les temps. J'ai juste dit que j'avais du mal à le comprendre parce que justement, j'ai pas joué au jeu. Donc forcément, moi j'ai d'autres références. Et comme j'ai pas joué au jeu, ben, j'ai pas la compréhension du personnage que tu as forcément. Et que en tant que personne qui n'a pas joué au jeu, ben moi ça me parle pas forcément, tu vois, d'autres références, et peut-être que si je suis le Let's Play de Marie, j'aurais le même discours que toi et je serais d'accord avec toi, tu vois, et peut-être que j'aurais pas la même sensibilité que t'as eu toi, ce qui serait étonnant parce qu'en général on a la même sensibilité, on est assez proche sur certaines choses, oui, mais ça dépend aussi de la sensibilité, et là c'est juste parce que en fait c'est quand tu m'as dit de tous les temps, je me suis dit attends, ça de tous les temps quand même. Ouais, de tous les temps dans le jeu vidéo. De toute l'histoire du putain de jeu vidéo. Ouais, de toute l'histoire du jeu vidéo, ouais, clairement. Putain, c'est... Sur le coup, je me suis dit, putain, c'est quand même osé. Ah ouais, c'est une take, c'est hot take complet, quoi. Après, c'est pas le call le plus risqué que je puisse faire sur Internet, hein, on est d'accord. Non, tu sais, quand je suis en radio libre chez moi, il y a des trucs bien plus, tendancieux qui sont dits, tu vois. Tu sous-entends qu'il y a rien. Quoi, c'est le top, clairement. Du top. Ah ouais, quoi. C'est en écriture de personnage, c'est Johnny Silverhand, en écriture de personnage, c'est le top du top. Alors, du top. Je modifie bien ce que j'ai dit, je dis pas que c'est pas vrai, je dis juste que effectivement, moi je le comprends par tes arguments, je pas forcément le valider parce que j'ai pas joué au jeu et j'ai pas cette sensibilité envers le perso, donc je peux pas donner mon avis objectivement dessus parce que ben... Et si tu veux, en plus, tu vois, tout ça, mon poulet, c'est, je te l'argumente en plus parce que j'ai tellement suivi de près le développement du projet. Alors de près, c'est quand il y avait des annonces, c'était via les communications officielles et certaines communications officieuses, tout ça et tout, où en fait, pendant longtemps,
J'étais contre le fait qu'il y ait Johnny Silverhand en tant que personnage, donc qu'il y ait Keanu Reeves à l'intérieur du jeu, parce que j'avais compris que ça allait impacter le développement du jeu, et la preuve m'en a été donnée, il y a plein de bugs dans ce putain de jeu. Ça fait 3 ans qu'il est sorti, ça continue, il est buggé de la mort. Il est encore buggé de la mort. Donc tu vois en fait que, malgré le fait de tous les points négatifs que je trouve, j'arrive à me dire que finalement, tout ce qui me reste à l'intérieur de ce jeu, quand je l'ai terminé, et je l'ai pas terminé qu'une seule fois, c'est toujours la même chose. C'est la ville, c'est la bande originale, c'est Johnny Silverhand et c'est Jody Alvarez. Et c'est Panam, mais bon. Je comprends vraiment ton point de vue parce que moi c'est pareil pour FF10 avec Tidus. Parce que malgré le fait que Tidus est le personnage que tu joues, ben je vais pas te spoiler sur ce qui se passe à la fin parce que voilà. Mais le truc de Tidus, c'est exactement ce que tu ressens pour ça. Donc je comprends ton point de vue, tu vois. Et je te garantis que quand tu l'auras vu, tu te diras finalement Seb. Il a totalement... Mais vraiment, je te jure, honnêtement, tu me diras, il a raison. Parce qu'en fait, l'ambition du jeu, toute l'ambition du jeu, donc pas que du personnage, l'ambition du jeu, c'était de faire quelque chose de plus grand que la réalité, elle ne pourra jamais nous offrir. Parce que c'est une ville de fous, parce que c'est amener ce que le cinéma nous a proposé de meilleur il y a 40 ans, et depuis 40 ans qu'on essaie de faire en jeu vidéo et en cinéma, et qu'on arrive à peine à faire... Tout ça dans un jeu vidéo, et sortir de cet univers-là, un personnage qui sort complètement de l'univers qu'on a bien voulu mettre en scène, parce que ce qu'il faut prendre en compte quand même, c'est que Cyberpunk, comme c'est proposé, c'est quand même d'abord issu d'un RPG papier. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est très important d'avoir ça en tête. Et d'arriver à développer quelque chose d'aussi fort, et de dégager un personnage qui soit... en corrélation complète. Tu sais, c'est comme si la ville de Night City avait enfanté quelqu'un et que ce quelqu'un, c'était Johnny Silverhand. Vraiment, je te jure, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, quoi, en fait. Non, mais je comprends, t'inquiète pas, je l'entends et je me répète, hein, parce que je m'étais mal exprimé, je dis pas que c'est faux, je dis juste que j'ai pas cette sensibilité-là pour confirmer ton propos parce que justement, je l'ai pas touché au jeu et j'en ai pas assez entendu parler pour être 100%. Tu sais quand même que c'est un jeu qui a été vendu, je crois, à 42 ou 52 millions d'exemplaires. Donc c'est ouf que t'en aies pas entendu parler, quoi. Tu sais, c'est un des jeux les plus vendus de la décennie, quoi. En fait, c'est le jeu qui démarre. C'est le plus gros blockbuster qui commence la décennie, parce qu'il arrive en 2020, quoi. Et c'est ouf. Vraiment, je te jure, c'est ouf que tu sois passé à côté de ça, quoi. Alors que tu y es pas joué, bon. On peut pas jouer à tous les jeux, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure à Pico par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à Drakengard, tout ça et tout. Mais de pas en avoir entendu parler, gros, c'est chaud, franchement, je te jure, c'est... D'autant plus quand t'aimes le jeu vidéo, même de près ou de loin ou quoi, c'est un truc de fou, quoi. Parce que je te dis, c'est un jeu qui a... C'est le deuxième plus gros budget de l'histoire du jeu vidéo, tu vois. Et je te dis ça, c'est sans compter toutes les polémiques qu'il y a eu sur ce jeu. Toutes les polémiques de le jeu n'est pas terminé, le jeu est tellement buggé qu'il est injouable, il y avait des gens sur Play, ils lançaient le jeu et ils pouvaient pas jouer parce qu'en fait ils avaient Blue Screen sur une Play 4, c'est un truc de fou, tu vois. Donc en fait on en a entendu parler de partout, vraiment de partout quoi. En fait c'était chaud, mais tu verras, j'espère vraiment que tu y trouveras tout du moins un intérêt pour la ville. Parce que vraiment la ville, je te dis, en fait, cette ville-là, c'est Gotham City pour Batman, sauf qu'on n'est pas dans Batman, on est dans l'univers cyberpunk, et que c'est une des villes les mieux... Pour moi, c'est la ville la mieux construite, pareil, pour l'instant, dans les jeux vidéo qui a jamais été portée. Je parle vraiment en tant que ville moderne, hein, sinon ça serait plutôt... pour la carte, je pense que ce serait plutôt peut-être Elden Ring. Mais bon, qui est sorti après, donc du coup c'est légitime aussi. J'espère que tu y trouveras ton intérêt au niveau aussi, donc au-delà de la ville et de la map, au niveau de la bande originale. Et j'espère que tu vas y trouver un intérêt comme immensément de gens qui ont joué à Cyberpunk 2077 pour le genre cyberpunk qui est tombé en désuétude, je te dis, à la fin des années 90, parce que vampirisé totalement par ce que Matrix a proposé comme... proposition cinématographique que je veux pas renier, tu vois, c'est un de mes films préférés. Moi, Matrix, c'est un film qui a changé toute ma vie, donc du coup je peux pas faire genre, mais vraiment de manière prégnante. Et vraiment, j'espère que ça pourra te permettre de te dire, putain, le cyberpunk, je pensais pas qu'il y avait autant de choses et autant de domaines qui étaient abordés. Et en fait, tu vas voir les parallèles qui sont faits
avec notre vie d'aujourd'hui, sauf que c'est des parallèles qui ont été faits il y a 50 ou 60 ans en arrière. Je connais pas du tout ce style de jeu là, donc... Non, moi je te parle du style tout court, pas du style de jeu, je te parle du style cyberpunk, non, mais... parce que le cyberpunk c'est un domaine, c'est un univers. Le style cyberpunk, je connais pas du tout. Ben franchement, honnêtement, si t'as l'occasion de te pencher dessus un peu, c'est... En fait, il y a toute la vie de merde qu'on a maintenant, c'est des choses qui ont été prophétisées par des gens il y a 40, 50, 40 ans en arrière, dans les années 80, grosso modo. C'est une tuerie. Pour moi, c'est vraiment une tuerie. En fait, c'est vraiment le genre qui supplante tous les autres, parce qu'en fait, c'est le genre visionnaire par excellence. Alors là, c'est complètement perso, je sais que c'est pas le cas pour plein de gens, mais c'est vraiment le genre qui supplante tous les autres, qui a su supplanter tous les autres, parce qu'il a pris de court ce qui se faisait à un moment donné, et il a compris, tu sais, l'individualisme collectif que les villes nous poussaient à avoir comme comportement. Tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de vivre tous ensemble, mais on n'a pas envie de se parler. Pour faire fi de tout ça, on est obligé de boire, de se droguer, d'utiliser la moindre merde qui nous sert de drogue, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit l'abus de jeu vidéo, que ce soit l'abus de tout, l'abus d'alcool, l'abus de technologie, la mainmise des méga corporations sur nos vies au quotidien, c'est exactement ce qui se passe. Là, on le voit, tu vois, depuis 10 ans, tu vois, c'est exactement ça. Mais là, il y a une prégnance de plus en plus importante de ces méga corpos, que ce soit médical ou technologique. Logique. Et c'était déjà des sujets qui étaient abordés il y a 40 ans en arrière, quoi, en fait. La chasse aux données, la chasse aux données personnelles, et vraiment, je te jure, c'est tous ces gens-là qui ont prophétisé tout ça. Je dis, c'est Gibson, hein, qui a prophétisé ça dans son bouquin au début, et ensuite il a développé ça derrière. Et c'est vraiment ouf, et d'avoir un jeu vidéo qui arrive à synthétiser pas mal de choses comme ça, d'une certaine manière, en abordant beaucoup de choses, et beaucoup, il y a beaucoup d'easter eggs en plus à l'intérieur du jeu, quand t'es fan de cyberpunk, ou tu te dis du genre cyberpunk, où tu dis putain, mais ils ont été jusque là pour faire tout ça, et je crois qu'il y avait plus d'une quarantaine d'easter eggs à l'intérieur du jeu, qui te ramènent à certaines choses. Alors bon, évidemment, c'était pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que c'est des clins d'œil assez sympathiques pour les gens qui sont fans du genre, de se dire, regardez, on a bien travaillé, nous aussi on a potassé un petit peu tout ce que vous connaissez, alors on connaît peut-être pas tout de fond en comble, mais au moins on a pensé à mettre ceci et cela à l'intérieur de notre univers, parce que ben, on a compris que c'était très important pour vous, et nous, on a compris aussi ce qu'il y avait de prégnant à l'intérieur de l'ensemble de tout ceci, parce que ça nous a mené à comprendre ce qu'on devait avoir comme développement pour mener tel et tel type de technologie à bien, que nous allions donner à nos personnages. Des fois dans le jeu, par exemple, tu vas avoir, tu sais, des clochards, qui ont des casques de réalité virtuelle. T'es là, tu te dis, mais putain, mais comment c'est possible, en fait? Et en fait, c'est possible parce que les corpos, les méga corpos, elles ont tellement de pouvoir qu'en fait, même les gens les plus pauvres, et on le voit, on est tous déjà comme ça, on le voit maintenant. Les gens, ils ont des smartphones à 1000 balles dans leur poche et ils sont au RSA. Et en fait, c'est exactement la même chose, tu vois, et tu dis, putain, c'est ouf, et c'était des choses qui étaient prophétisées, je te dis, à 40, 45, peut-être 50 ans en arrière, dans les premiers auteurs qui ont écrit dans ce genre-là, en fait, dans le cyberpunk. Moi, je suis amoureux de ce genre, quoi, en fait, donc du coup, j'en parle avec envie, avec passion peut-être pas, mais avec envie. Non, mais je comprends, il n'y a pas de souci, tu vois, c'est pour ça que je te dis, je peux comprendre ton point de vue. Après, tu vois, tu m'aurais sorti le meilleur perso du genre, tu vois, là j'aurais fait bah ouais. Bah ouais, mais y a pas de jeu dans le genre, donc. Mais après, je comprends, tu vois. Ça fait 3h30 qu'on est en live, c'est pas mal que ça. C'est sympa, ouais. Je t'écoute, Joe, je t'écoute, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais j'ai fini. Je me permets quand même juste de penser qu'il y a quand même une part de. Il y a quand même la part du fait de l'attachement et de l'attachement entre guillemets. Alors attends, je vais essayer pas mal de m'exprimer. Entre guillemets au style de jeu ou au personnage en lui-même, tu vois, qui fait que. Qui joue, tu vois. Bah, le style de jeu, c'est un RPG. À la première personne, moi, il y a tout pour me déplaire, quoi. Moi, j'adore les RPG, j'adore les jeux à la première personne, mais un RPG à la première personne, c'est ce que j'ai dit, dans mon développement, quand on discutait tout à l'heure, quand on échangeait avec Patato tout à l'heure, moi, c'est... En fait, c'est antinomique à tout. La maniabilité, elle est à chier. En fait, tout est contre moi dans ce jeu.
premier degré, tout est contre moi dans ce jeu. En vrai, hein. Sauf ouais, que la narration, elle est imbattable. Enfin, elle est imbattable. Elle est très bonne, elle est pas imbattable. Elle est très bonne. Et, à l'intérieur de tout ça, t'as un perso qui supplante tous les autres. Et malheureusement, quand je joue à d'autres jeux, j'ai fait d'autres jeux narratifs, je suis là, je suis en pleurs, tu vois, je me dis, mais putain de merde, je retrouve pas cet intérêt, je retrouve pas cette lumière, cette étincelle, parce qu'on me l'a sorti il y a pas bien longtemps, le coup de l'étincelle, là, mais je ne retrouve pas cette étincelle que j'ai eu pour Johnny Silverhand, au-delà du fait que ce soit Keanu Reeves. J'en ai rien à foutre que ce soit Keanu Reeves. Moi, ce qui me plaît, c'est le fait que le personnage soit bien écrit, quoi. Non, mais ça, je comprends, tu vois. C'est... Et vraiment, je te jure que c'est pas, ça dépasse le cadre du fait que le cyberpunk, ce soit mon genre préféré. Ce personnage, il se serait retrouvé... En fait, j'allais dire une connerie, j'allais dire ce personnage, il se serait retrouvé dans un autre univers, ça m'aurait plu. Mais en fait, c'est impossible. Ce personnage, il peut pas se retrouver dans un autre univers, parce que ce personnage, il est engendré par la ville dans laquelle il est, parce qu'il est victime du contexte. Moi, on en a parlé déjà plein de fois, toi et moi, du contexte. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, quoi que tu veuilles devenir, tu seras toujours victime du contexte. On est victime de rien dans la vie, à part de notre état d'esprit et du contexte dans lequel on est. Et Johnny Silverhand, c'est un personnage qui est écrit en prenant en compte tout le contexte dans lequel il évolue. Et c'est en ça que ça en fait le personnage, je te jure, vraiment mon poulet, je te jure, c'est en ça que ça en fait le personnage principal de l'histoire, enfin le personnage principal, le personnage de l'histoire du jeu vidéo le mieux écrit, parce qu'en fait, il sort du terreau de sa ville. Et je te dis vraiment, c'est comme Batman en fait, comme Batman, comme ce qui est devenu Batman maintenant, où jamais tu imaginerais Batman en dehors de Gotham City, parce qu'en fait, dès qu'il est en dehors de Gotham City, c'est moins bon, c'est pas à chier, mais c'est moins bon en fait. Là, c'est un peu le même délire. Si tu veux, c'est un peu comme si, je te dis, comme si la ville avait pu enfanter de quelqu'un, et en fait, ce quelqu'un, c'est Johnny Silverhand. Et quand tu te balades dans les confins de la ville, et que tu as l'occasion d'avoir des échanges avec Johnny qui sont nombreux, parce que le personnage est extrêmement riche en écriture, au-delà du fait qu'il soit bien écrit, il est extrêmement riche aussi en écriture, il y a un soin tout particulier qui est apporté à son développement, et c'est ça aussi, tu vois, qui te permet d'avoir un engagement en particulier avec ce personnage, c'est parce qu'en fait, souvent, les personnages qui sont secondaires, ils sont juste fonction. C'est rare des personnages qui sont écrits pour avoir une vraie réalité prégnante à l'intérieur du jeu dans lequel ils sont, en fait. Moi, je peux pas passer à côté de tout ça, c'est impossible, en fait. Impossible, que tu l'entendes, que tu le veuilles ou pas, en fait. Hein. Ça, moi, pour moi, ça... Si en fait, j'entends ce que les gens disent, mais je te garantis que quand les gens, ils passent le cap de se dire, bah, je vais essayer parce que ça me semble tellement fou ce qu'il est en train de me dire, que je veux bien prendre en compte le fait que ça soit différent, je te garantis que ce personnage, il est différent de tout ce que t'as pu connaître dans le jeu vidéo depuis que tu joues. Non, mais après, comme je t'ai dit, je te crois, tu vraiment. Vois, genre... encore une fois, je ne remets pas en doute ton point de vue et ce que tu m'expliques. Hein. J'ai compris ce que tu m'expliques et je comprends tout à fait. Tu vois. Sur le coup, ça m'a fait quand même bondir parce que je me suis dit, putain, pour qu'ils disent ça... Pour qu'ils disent ça, c'est, tu me connais. Si je le dis, c'est que je le pense. Tu sais bien que je dis ce que je pense, hein, que ça plaise ou pas, j'en ai rien à foutre. Hein, je dis ce que je pense. Et si je le dis, c'est je le dis avec mon cursus de jeux vidéo, tu vois aussi. Après, il y a peut-être des gens qui vont te dire, ah non, tel jeu m'a plus plu, et tout. Je peux entendre que certains jeux aient plus plu, mais moi, je veux entendre qu'un personnage est mieux écrit que celui-ci, quoi, en fait. Jusqu'à 2020, que le jeu est sorti, je te garantis qu'il n'y a pas un personnage de jeu vidéo, sur tout ce que je suis passé, sur tout ce que j'ai pu faire, qui, pas qui me semble mieux écrit, mais qui est mieux écrit que celui-ci. Vraiment. Ok. Sincèrement, honnêtement, quoi, en fait. Même, et je pense même sur les jeux que je n'ai pas fait, j'entends jamais de prégnance aussi particulière que... Ah oui, c'est vrai que le personnage de Johnny, il est quand même particulier. Ben ouais, il est particulier. Il a en ça qu'il est extrêmement humain. Et on le voit dans toutes les erreurs qu'il fait, dans toutes les faiblesses qu'il a. Et c'est assez... Ça fait dégager de la tendresse en plus au personnage, alors que tu sens que c'est un vrai rebelle, que personne peut acheter, tout ça et tout. Et malgré tout, il y a quand même quelque chose qui fait de lui un personnage plus que charismatique, quoi, en fait. Je vois. Joe, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça ? Non, moi je n'ai rien à dire de plus. Monsieur Patato, je suis désolé, j'ai été un peu monopolisant au niveau de la parole là-dessus, mais c'était un des arguments que j'avais à défendre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter si tu ne dors pas ?
Non, en fait, ce que j'allais dire depuis tout à l'heure, chaque fois que j'allais ouvrir la bouche, c'est que j'allais aller dormir. Ah bah nickel, écoute, passe une bonne nuit. Je souhaite une bonne nuit, mon grand, merci d'être venu. Je compte sur toi pour la prochaine. Eh bah écoute, quand tu veux, que ce soit sur le thème de Cyberpunk ou autre. Ça sera sur Cyberpunk et tu seras le bienvenu, évidemment. Mais évidemment. Je vous coupe, j'arrive dans le vocal juste après. Moi je vais dormir. Bonne nuit Pico, ciao ciao Patato, merci ça beaucoup. Marche. Merci à toi oui. Seb. L'équipe. C'est un live qui a été un peu plus long que prévu, mais il faut défendre Johnny Silverhand. Moi tu restes, mais c'est la fin Pico, donc du coup c'est pour ça. Merci d'être resté, merci d'avoir interagi avec moi, avec nous. Sur dans le chat l'équipe, j'espère vraiment que ce soit en live ou en rediff ça vous aura plu. Vous avez vu, quand je suis passionné par quelque chose, j'essaie de défendre les choses avec le plus d'honnêteté intellectuelle possible, et peut-être avec les simples armes de mes mots que j'essaie d'employer le mieux possible pour vous, pas vous convaincre, mais pour vous garantir que ce que je vous dis, c'est au moins ce que je pense. Peut-être que c'est trop pour certains, je sais que c'est beaucoup trop pour certains malheureusement, mais que c'est nécessaire pour beaucoup d'entre vous. Je sais que sur YouTube vous êtes extrêmement présents, cette VOD va être sauvegardée et uploadée, je vous le garantis, je ne rate plus aucune VOD que je fais sur la chaîne Anna. On n'oublie pas, pour Akatsuki no Anime, d'aller, donc puisque vous êtes maintenant, quand vous allez regarder ça, vous allez regarder ça sur YouTube. Il y a les liens de la chaîne YouTube de Akatsuki no Anime. Il y a les liens de Twitch. Donc vous allez follow, vous allez mettre la cloche, vous allez faire tout ce qu'il faut. Évidemment, chez moi, vous savez ce qu'il faut faire aussi. Le like et le commentaire qui va bien et qui font plaisir. Ça aide le référencement, tout autant que le watch time que vous aurez pris pour pouvoir faire tout ceci. J'espère que vous aurez pris votre pied avec, hop là, de ce côté, ce que vous aurez vu ici de walkthrough à l'intérieur de Night City. J'espère aussi que vous aurez apprécié l'échange qu'avec Monsieur Patato on aura eu. On a Kuro qui vient d'arriver, mais malheureusement Kuro, c'est la fin. J'espère que vous aurez apprécié l'ensemble de tout ceci, que ça vous plaira aussi. J'espère. Et je vous dis forcément, normalement, vous le savez, qu'on va avoir à peu près 2 ou 3 radios sur Anna. Je pense qu'on va se limiter à 2 par mois. Ça sera très bien, et le reste, vous le savez, évidemment, c'est chez moi. Je vous fais des bises, la team, merci infiniment, à plus, ciao ciao.